C8 pour cet événement, le deuxième numéro de Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc d'être là. Merci. Alors, c'est un double. Mais pourquoi Baba? J'ai pas compris. Bah, c'est comme ça que m'appelle ma mère. Ah. Ça lui faisait plaisir. Ouais. Bah, voilà. On... Non, non, bah, très bien. Vous voulez que je change le nom de l'émission tout de suite ou quoi? Non, non. Non, mais c'est le seul mot que j'ai écrit en arabe. Oh, bah, très bien. Bah, ça veut dire papa. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Ah, c'est pour ça que votre maman vous appelait papa? On va pas rentrer là-dedans. Bon, ça y est, après, c'est fini, là. Bon, après, non, mais ça y est, Jean-Luc... On revient à la gravité. Oui, c'est vrai. Jean-Luc, je voudrais vous remercier déjà. Démarrer cette émission par vous dire merci. Parce que vous parliez de Face à Baba, vous parliez du nom de l'émission. Et cette émission, je pense sincèrement qu'elle n'aurait pas existé sans vous. Oh. Pourquoi? Je vais vous le dire. Si, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez été le premier à me faire confiance. Le premier homme politique à me faire confiance et à venir sur un de mes plateaux. Mais il y a longtemps, hein. Oui, mais alors, oui, mais il y a longtemps, vous avez été le premier. Ensuite, derrière, il y a plein de gens qui ont dit... Ça s'est bien passé avec Jean-Luc Mélenchon, donc on va venir. Et puis après, il y en a eu d'autres, il y a Marlène Schiappa, il y a plein de gens qui sont venus ensuite. Et vraiment, je voulais vous dire merci ce soir parce que je pense que cette émission existe grâce à vous. Donc merci. Wow. Voilà, après... On verra à la fin. Si... On verra à la fin. Si je dois m'en réjouir. Exactement. Non, alors... mais je me rappelle parce que je vous avais dit, vous verrez, tous les autres viendront par jalousie. C'est ça, ouais, et ouais. Alors j'ai refait le coup ailleurs. Il y a beaucoup de gens jaloux de vous, alors. Hein. Bah, ils regardent, ils se disent, ah là là, il a fait ça, alors pourquoi pas moi? Ouais. J'ai fait pareil aux Assises de la mer. La première fois que j'y suis allé, les gars, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas de votre bord et tout. Alors moi, j'ai dit, mais je m'en fous de quel bord, c'est le sujet qui m'intéresse. J'ai bien copiné avec eux, il y a des types remarquables là-dedans. C'est bien, vous me racontez. L'année d'après, pouf, ils... bah, on est là pour parler. Ah, bien sûr, c'est bien. Bon, et après, bah, pouf, si c'est pour se taire, je reste chez moi. Hein. Vous avez l'air bien en forme, Jean-Luc. Dans un instant. Non, bah, là, vous allez parler beaucoup ce soir. Vous connaissez le principe. Vous allez être avec, en face de 9 personnes ce soir. 4 qui sont plutôt contre vos idées, mais avec qui vous allez débattre, et 5 qui sont plus proches de vous, mais qui ne sont pas forcément... Voilà, il y en a qui vous ont rejoint, il y en a qui voudraient vous parler, il y en a qui sont... Non, puis c'est tous des mauvaises têtes, ils n'en font qu'à leur idée, quoi. Non, alors il y a des bonnes têtes. Hein. En tout cas, vous êtes très en forme. Ce soir, ça me fait plaisir. Hein. Ouais, ouais. On est en direct, mais je vois... Vous connaissez Raquel Garrido, elle vous fait l'effet de quelqu'un de docile? Non. Eh ben, je sais... Ah je ben sais, les autres sont pareils, alors. Je sais qu'on s'en partage la garde, et je peux vous dire, je préfère quand elle est chez vous le week-end. Voilà. Merci, c'est important de le dire, voilà. Jean-Luc Mélenchon. Ah, t'es là. Jean-Luc, vous êtes une bête de télé. Voilà, elle se lève, hein, voilà, on dirait qu'elle a reçu un César, Raquel, voilà, très bien, merci. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes une bête de télé. Franchement, ah ouais? Bah si, c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir le premier, quand j'ai commencé mes émissions, dans mes émissions de parler de politique. Mais Jean-Luc, on vous voit énormément à la télé. Ce soir, je suis sûr que tous les téléspectateurs qui nous regardent en direct, il est 21h23, se disent, qu'est-ce que va dire de plus Jean-Luc Mélenchon ce soir qu'il n'a pas dit les autres jours, sur les autres émissions? Eh bien, c'est déjà, j'ai dit que je savais écrire en arabe Baba, qui veut dire papa. Vous croyez vraiment que ça va vous faire devenir président, ça? Non, mais... Bah, s'il y a des gens qui vont dire ce type s'intéresse à autre chose qu'à sa propre culture. Ça, c'est important. À d'autres langues. Oui. Bah oui, je suis comme ça, je parle l'espagnol couramment parce que j'ai voulu le parler. Et si je... Vous savez, faire une campagne, c'est pas seulement défendre ses idées, c'est important. Mais c'est aussi essayer de faire avancer des manières d'être ou des thèmes. C'est comme ça qu'on se rend utile à son pays, quel que soit le résultat. Et moi, j'aimerais bien que ceux qui ont confiance en moi se disent « Ah ben tiens, puisqu'il fait ça, alors oui, c'est vrai, peut-être qu'il a pas tort, on devrait s'intéresser à d'autres choses. » Voilà. Alors, en plus, vous êtes né au Maroc, Jean-Luc. Donc c'est vrai que voilà, vous parlez un petit peu arabe, sinon... Ah, misère, non. Non, pas du tout. Non, on parlait à Tanger, j'habitais Tanger. Ouais. Et c'était une ville internationale. La langue qui servait à tout le monde, c'était l'espagnol. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai acquis les bases. Mais vous voyez, les bases d'un gamin de 8-9 ans. Donc quand je m'y suis remis, je devais avoir 20 ans comme ça, et c'était avec les réfugiés latinos. D'accord. Alors tu vois, c'est pas pareil de dire est-ce qu'il te reste des bonbons que de dire qu'est-ce que tu penses du socialisme. Oui, ça va être plus compliqué. Voilà. Alors, ouais. vous avez démarré la politique très tôt. Vous étiez le plus jeune sénateur de la 5e République, à l'âge de 35 ans. Regardez, en 86, j'ai retrouvé une photo de vous. Pas mal. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose. Non, mais attends, j'ai commencé plus tôt, j'avais 16 ans. Je sais, mais là, vous étiez... J'étais délégué de classe et j'ai été parmi les premiers élus. Ça, c'est important. Pas déjà délégué de classe? Mais oui, ça m'a matricé pour la vie. Ah ouais. Et vous, en délégué de classe, je peux vous dire, on n'a pas envie, quand vous êtes devant les professeurs, de ne pas vous mettre une bonne note. Hein. La vérité... Ah, si, j'avais de très bonnes notes. Ah oui, c'est vrai? Ouais. En français, en philo, tout ça. Non, non, sérieux. J'aimais ça à l'école. Jean-Luc, c'est la 3e fois que vous allez vous présenter. Vous avez à chaque fois terminé 4e, mais avec des scores très différents. Parce que ce que je dis à chaque fois, c'est que je pense vraiment, et je vous l'ai déjà dit, qu'en 2017, s'il y avait eu 3 semaines de plus, je pense que vous auriez été au deuxième tour. Il y avait une dynamique incroyable. Et c'est vrai que vous démarrez toujours lentement. Et sur le dernier mois... J'ai dit que j'étais une tortue électorale. Non mais c'est ça. Et que j'avais déjà épuisé quelques lièvres, alors je continue. Vous y croyez? Ah bah toujours. Vous avez dit que cette fois-ci, vous alliez y arriver, oui. Parce que c'est la dernière fois que vous allez vous présenter. C'est où vous gagnez ou... Bah oui. Il paraît que vous voulez reprendre vos études sinon le temps. Ce que j'ai entendu, bah, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui, j'imagine tous les scénarios. À mon âge, moi je ne fais pas une carrière. Ouais. Je défends une idée, si les gens en veulent, bah, on le fera. S'ils n'en veulent pas, bah, le cours d'histoire de France continuera à sa manière. Moi, je resterai dans le combat, mais à un autre poste de combat. Et si je gagne, je me sens prêt. J'ai le sentiment que je suis prêt, que je vois par quel bout attraper les problèmes. Il y a une équipe autour de moi, ils sont quand même 23 parlementaires, en moyenne assez jeunes, mais qui ont appris pendant les 5 dernières années beaucoup de choses. Donc un bon programme, une bonne stratégie, un gars qui a la tête sur les épaules, normalement ça devrait le faire. Mais avant toute chose, vous avez commencé en me disant que vous y croyez. Mais par définition, quand on est un démocrate, ce qui est mon cas, on aime aller au contact des autres, les campagnes électorales. On me dit « Oh, vous êtes en campagne ». Bah oui, il n'y a pas de honte, c'est bien. Vous aimez être en campagne? Mais bien sûr, regardez le moment fabuleux que c'est des tas de gens qui ne s'intéressent pas à la politique le reste du temps, je le comprends. Tout d'un coup s'y intéressent, lisent, viennent vous chipoter pour 3 lignes dans votre programme. Et c'est bien, c'est un grand moment. Dans une démocratie, il faut aimer ces moments où tout le monde se mêle de politique. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un peuple qui ne s'intéresse à rien. Justement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez repensé à 2017, parce que je suis sûr que vous êtes comme moi. Vous aviez d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, vous avez dit, vous étiez à ça vraiment d'y arriver. Moi, je faisais de la radio le matin à l'époque, je voyais tous les jeunes qui m'appelaient, tous les auditeurs que j'avais au téléphone me disaient « je vais voter Jean-Luc Mélenchon ». Et c'est vrai que quand on passe si près, est-ce qu'après on arrive à se remotiver? Oui, d'abord parce que c'est la vie tout simplement. Vous êtes un groupe humain, ample, bon, vous occupez, si vous avez le sens des responsabilités, vous assumez. Après être arrivé à 19,5, il était clair que je n'étais plus le même homme aux yeux des gens qui me font confiance et non plus aux yeux des gens qui ne m'aiment pas. Bon, pour des raisons idéologiques. Hein. Bon, donc j'ai assumé ça. Et puis, se remotiver, ce n'est pas si difficile que ça, c'est entrer dans le combat. Mais je vais vous dire, j'avais déjà la certitude que j'avais fait ma part de boulot. C'est-à-dire que, alors qu'en Italie, la gauche a disparu, hein, disparu, ils étaient dirigés... très mal, et ils ont disparu. Et moi, c'était ma hantise qu'en France, il y ait plus au courant d'une gauche radicale que j'incarne. C'est le dernier des Mohicans, là. Oui, et on a défendu l'affaire et on l'a fait renaître. Et aujourd'hui, vous voyez les gens qui m'entourent, leur moyenne d'âge, bon, vous en avez pris pour 50 ans avec eux. Bah, hein. Je sais, je sais. Alors, c'est bien que vous soyez en forme, parce qu'on va démarrer... Mais vous pensiez quand même pas que j'allais venir à plat ventre, non? Non, non, je le vois, là, vous êtes en grande forme. On va démarrer le premier face-à-face. Et le premier à être face à vous ce soir, vous le connaissez. Hein, vous avez déjà débattu avec lui sur BFM, mais il n'était pas encore candidat à la présidentielle. C'est la première fois que vous allez débattre ensemble. Deux candidats à la présidentielle ce soir. Éric Zemmour est avec nous pour le premier face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, c'est une grande histoire. Ah, franchement, ça vous fait plaisir de vous revoir tous les deux? Merci, je pense qu'on a compris la réponse. En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Éric Zemmour, et je le redis, a été le seul à bien vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, pas pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Éric Zemmour a dit oui. Mais même la première fois... J'avais dit Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour a dit moi je suis disponible. Elle a rien dit. Bon, très bien. Ça déjà ça vous plaît. Déjà ça vous plaît ça. Bah, il représente incontestablement un courant dans ce pays. Je ne veux pas dire le contraire. Il suffit de regarder les résultats de sondage, les choses qui se disent autour de nous. Donc nous sommes en démocratie. Mon devoir est de m'affronter à lui parce que nous sommes sur deux positions radicalement opposées. Mais encore faut-il que les gens puissent prendre conscience de ce qu'on a à se reprocher. Moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, lui sans doute aussi. Mais, et puis après, notre souverain, c'est le peuple. C'est lui qui va trancher et qui va dire ce qu'il veut pour son futur. Voilà. Éric Zemmour, à propos, mais... on peut dire un truc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le 4 mars, c'est la limite pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est ça, c'est important. Alors vous votez pour qui vous voulez, mais il faut voter parce qu'il faut que tout le monde s'en mêle. Sinon, si vous ne mêlez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Exactement. Sans que vous ayez dit votre mot. Je pense qu'Éric Zemmour, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Hein. 4 mars, hein, attention. Ah oui, pour la fin, bien sûr, bien sûr. Mais même pour le début. Alors, franchement, merci d'être là déjà, Éric Zemmour. Et c'est vrai que vous avez dit, oui, pas de problème, je veux bien être face à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Pourquoi ? D'abord parce que je pourrais reprendre mot à mot les premières phrases de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que... Non, non, mais vous savez, on est d'accord sur un point fondamental. La démocratie, c'est le peuple, premièrement. C'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui décide. Nous sommes deux démocrates, donc... Et deuxième point d'accord, la démocratie, c'est le débat. C'est le débat, on s'affronte, on n'est pas d'accord. Il a tout à fait raison quand il dit que nous avons deux positions antagonistes. Je pense que je vais aussi le démontrer. Mais au moins, il y a un point d'accord sur lequel nous tombons, c'est-à-dire nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord et pour le dire devant le peuple et que le peuple choisisse. Apparemment, il y a d'autres candidats qui préfèrent éviter, qui préfèrent éluder, qui préfèrent se défiler. Et je vous avoue, vous avez dit vous-même, Cyril Hanouna, qu'on avait débattu il y a 3 mois. Oui. Et mais je n'étais pas encore candidat. Absolument. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi on recommençait à débattre, au-delà de ce que j'ai dit et au-delà du fait que les autres candidats ne veulent ni m'affronter parce que j'ai le même... Peut-être parce que vous avez des regrets et que ce soir, vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses abjectes. Vous savez, avant que je me repentisse, il en faudra beaucoup. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de choses dont vous devriez vous repentir. Donc vous voyez, on ne va pas faire une émission repentir ni repentant. On en fera une autre, c'est pas grave. On en fera une autre. Voilà. Si, j'ai bien l'intention de vous hacher. Je continue. J'ai pas entendu. Alors, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas d'intention aussi malveillante à votre égard. Moi, je suis là pour débattre. Vous avez tort parce que moi, je ne vous raterai pas. Mais moi non plus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Simplement, moi, je le fais sans animosité. C'est la différence entre nous. Mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'animosité contre ce que vous avez dit. Mais moi aussi. Mais contre ce que vous avez dit, pas contre votre personne, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais bon, vous, évidemment, on a l'habitude avec tous ces salades. Très bien. Alors, justement, commençons directement. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit que vous voulez faire réémigrer les gens dans l'autre sens? Alors, justement, déjà, là, vous dites n'importe quoi. Non, le sujet. Alors, je peux parler, c'est moi qui vais parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Vous avez déjà dit ce que vous avez dit. C'est déjà bien. Non, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Mais on va... Non, je regrette pas du tout. Vous avez le droit, monsieur Zemmour. Mais je n'ai pas dit ça. Vous pouvez, je vous ai dit que vous pouvez changer d'avis. Mais vous, vous faites que ça. Alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je ne change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Vous êtes borné et moi évolutif. Mais quand j'ai raison, je suis borné. Vous avez raison. Quand vous avez tort, vous êtes évolutif. C'est sûr, c'est une différence. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Non, je continue. C'est parce que monsieur Mélenchon commence par là. On va démarrer. Donc je disais donc pourquoi... Ici en face de moi pour vous faire caresser, non? Vous êtes parce que vous croyez que j'attends d'être caressé par vous. Laissez parler Éric Zemmour. Parce que si vous croyez que j'attends d'être caressé par vous, je suis mal barré, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout ma tentation. Je ne veux pas de ça ici. Donc, Éric Zemmour, allez-y. Je disais donc... Non, mais il allait dire un truc homophobe, fallait le laisser faire. J'ai absolument rien dit, mais... Ah, ça y est, vous sortez la cachophobe, là, ça y est. Allez-y, venez sur... Allez, Éric Zemmour, allez. L'homophobe, on connaît la sécurité. On connaît la cachophobe, Mélenchon. Allons-y. Donc, ce que je disais, c'est qu'au moins, on a un point d'accord fondamental, qui est que nous voyons la France des années 2050. C'est notre enjeu et c'est notre débat de fond. Alors, je peux même dire que nous sommes d'accord sur le fond, c'est-à-dire que c'est la démographie qui fait l'histoire. Alors, seulement, monsieur Mélenchon... Alors, je continue, je finis ma phrase. Seulement, monsieur Mélenchon, lui, il voit la France créolisée, comme il dit. En fait, moi, j'appelle ça le grand remplacement. Lui, il appelle ça la créolisation. C'est exactement la même chose. Simplement, c'est exactement la même chose, parce que finalement, la créolisation, qu'est-ce que c'est, monsieur Mélenchon? Vous avez employé un joli mot, on pense aux roms et aux danses de zouk. Et finalement, vous voyez? Oui, vous pouvez changer d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Mais oui, c'est ça. Mais arrête, écoutez, monsieur Mélenchon. Là, on va parler sérieusement. Oui. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh. Vous arrêtez... Non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Monsieur Mélenchon. Mais c'est souvent Mélenchon, on est ici deux candidats à l'élection présidentielle. Ouais. Alors vous arrêtez, ce sont suffisants. Vous voyez, j'en tombe un troisième. Parce que c'est indigne et de vous. Non, c'est pas de l'humour, monsieur Mélenchon. L'humour, c'est important. Non, c'est pas de l'humour. La capacité d'autodérision. J'aime beaucoup l'autodérision quand ça s'adresse à soi-même, pas aux autres. Ben ça, c'est de l'arrogance. Donc, on arrête, bon, on parle sur un autre. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de l'immigration. Ce que Jean-Luc Mélenchon dit à propos de l'immigration, sur l'immigration, l'avalanche de chiffres que donnait M. Zemmour pour créer une ambiance de cauchemar en France ne tient pas debout. Ce que Éric Zemmour dit, l'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique, je veux arrêter les flux migratoires et fermer les frontières. Alors, il n'a pas dit que ça. Mais attendez, commençons par sa première idée, parce qu'il faut... Attendez, c'est ma première idée, j'aimerais bien la développer. Allez-y, sur la créolisation. Oui. Donc, la créolisation, j'ai pas fini. Non, non, j'ai très bien compris. Ce que vous appelez créolisation, moi, je l'appelle islamisation. Parce que la réalité, ça sera l'islamisation. Et on a vu très bien, cette semaine, le hasard fait bien les choses, à la télévision, sur M6, dans Zone Interdite, un reportage sur Roubaix. Et on voit à Roubaix... des enfants voilés à 6 ans, monsieur Mélenchon, à 6 ans, voilés dans des classes à 6 ans. On voit des restaurants où on met des femmes dans des box, vous savez, puisqu'elles puissent manger toutes seules. Alors, mais il a été fermé ce restaurant, d'ailleurs. Bah, ils ont enlevé les box. Ils ont enlevé les box, là. Ils ont enlevé les box. Vous voyez, on voit des choses comme cela. Votre créolisation, monsieur Mélenchon, c'est Roubaix. L'avenir de la France, avec monsieur Mélenchon et avec sa créolisation, c'est Roubaix. C'est-à-dire... une société islamisée avec des poches comme ça. Alors on restera des poches, il y aura une vague d'islamisation parce que dans l'histoire, c'est la démographie qui fait l'histoire. C'est le nombre, vous savez, Dieu aime les gros bataillons. Donc les gros bataillons aujourd'hui sont musulmans. Il ne faut pas le fréquenter tant que ça. Plus que vous. Et plus que vous, je fréquente Dieu plus que vous. Ah d'accord. Bah oui, tu m'excuserais, vous avez dit vous ne pouvez pas le fréquenter tant que ça. Je vous réponds. Donc, ce que je disais, c'est que... Et vous ne pouvez pas en rire, ça, monsieur Mélenchon. Parce que ça, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. C'est ce que vous avez tweeté, Éric Zemmour, quand vous avez vu les images. Ben, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Vous avez tweeté l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Pour parler de Roubaix. La France de monsieur Mélenchon, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Et, mais oui, bah, vous pouvez rire, monsieur Mélenchon, vous pouvez rire. Mais les Français ne rient pas, monsieur Mélenchon. Oui, non, mais d'accord. Les Français qui doivent fuir ces villes. Mais non, non, mais c'est pas du tout. Ils ne rient pas, monsieur Mélenchon. Vous, vous en riez, parce que vous êtes protégé, parce que vous avez fait carrière au Sénat. Au palais du Luxembourg, c'est tranquille. Avec vos peurs animales qui n'ont aucun sens. C'est les Français qui ont des peurs animales que vous méprisez, monsieur. Éric Zemmour, votre tour. On va laisser. Moi, je vous laisse parler autant que vous voulez. Mais quand c'est mon tour, c'est moi qui parle. Et c'est exactement ce que vous n'avez pas fait, là. Vous m'avez interrompu tout le temps, monsieur. Voilà, vous êtes tout le temps en train de pleurnicher. Mais ouais. Tout le temps. Ah, je vois que vous avez votre. Vous êtes venu avec votre claque qui applaudit à chacune de vos phrases. C'est une technique, non? C'est pas ma claque, c'est mes amis. C'est une technique. J'ai des amis là derrière moi. C'est une claque, manifestement. Vous voyez? Et même là. Non, mais très bien. Alors, non, mais c'est bien. Vous avez raison. C'est bien. Alors, mes amis, si vous êtes mes amis, arrêtez parce que ça les farouche. Non mais ça l'empêche de réfléchir. Je suis pas une biche, vous savez. Vous n'êtes pas un chasseur. Allez-y, allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Je commence par l'idée de créolisation. Il faut bien que vous la compreniez parce que là. Vous faites le nigaud. Vous l'avez très bien compris. Non, non, alors vous allez vous taire, oui, c'est mon tour. Donc, vous faites le nigaud. Vous êtes un intellectuel. Je le sais, depuis longtemps. Donc, vous savez exactement de quoi je parle. Je parle d'une idée qui a été formulée avec le plus de brio par un poète français, martiniquais, qui s'appelle Édouard Glissant. Et Édouard Glissant est un homme de la Martinique qui, comme le reste des Antilles, a été martyrisé par l'esclavage, s'est interrogé sur la suite de cette société. Cette société était terrible. On déportait des milliers de gens qui venaient de tous les endroits. Et pour que ça reste une communauté humaine, il a fallu qu'ils inventent une langue dans laquelle se parler. Ce qu'on appelle le créole aujourd'hui. Et cette langue a été le résultat d'échanges, si vous voulez, du hasard des mots qu'on se prenait les uns aux autres. Et ce phénomène, il l'a étendu, il l'a pensé comme étant quelque chose qui touche toute la culture. Et le processus de créolisation... Monsieur Zemmour, ce n'est ni un programme, ni une idée que je propose, c'est un fait. Partout où les sociétés humaines viennent à faire se rencontrer des cultures, elles se créolisent. Je parle de culture. Culture, c'est la langue, la musique. Si vous avez des enfants qui écoutent de la musique, ils ont dû vous parler de toutes sortes de musiques qu'ils aiment. Peut-être aiment-ils le rail, peut-être aiment-ils telle ou telle musique. Bref, les musiques du monde se sont souvent synthétisées. Ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions, par définition, ne se créolise pas. Pourquoi? Parce que chacune est un dogme. Elles considèrent qu'elles ne peuvent pas être mélangées. Elles sont uniques, elles proclament une vérité, et c'est une vérité révélée. C'est la raison pour laquelle les religions ne se créolisent pas. Quant à l'exemple que vous donnez de Roubaix, je ne suis pas vraiment surpris que vous... Vous l'avez vu le reportage de Jean-Luc Mélenchon sur... Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu, d'accord. C'est normal. Pourquoi? Parce que le réel vous effarouche. Ah, d'accord. Non, vous aviez un truc... Oui, non, c'est pas pour ça. Alors, il y a deux équipes. Vous avez votre claque, vous aussi? Bah, vous voyez, on peut faire... Ah, bah, mais les moins importantes. Ah, bah oui, c'est vous qui va rester 3 heures, moi je vais rester qu'une demi-heure. Oui, il l'a déjà fait. Alors, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vous l'avez pas vu le reportage? Vous en avez entendu parler? Non, non, j'en ai entendu parler, c'est parce que j'ai pas eu le temps. D'accord. Je suis en campagne, c'est extrêmement dévorant. Mais quand même, je sais, j'ai vu, on m'a passé 3-4 trucs pour que je... Parce que vous avez vu les poupées sans visage. Est-ce que vous, M. Mélenchon, vous avez vu les poupées sans visage? Parce que l'islam interdit les visages et les enfants ont des poupées sans visage. Ça, ça vous plaît? Il y a qui mangeait des enfants. Ça vous plaît? C'est une... Non, ça ne me plaît pas. C'est une émission particulièrement malhonnête. Ah. Oui. Parce que dans cette rue, il y a ce magasin bizarre, des magasins bizarres, il y en a partout. Bien sûr. Oui, ben, moi, j'ai jamais vu des magasins avec des poupées sans visage. Oui, ben moi, j'ai vu un magasin en bas de chez moi, vers la gare de l'Est, c'est une armurerie. Alors, il y a des épées, des masses d'armes. Je n'en ai pas déduit que toute la rue était composée, ni toute la ville, de gens qui étaient prêts à s'entretuer. Oui. Mais vous, oui, on vous montre une image, et comme vous êtes là, une image, ça y est, vous y croyez, vous n'avez plus aucun sens critique. Et vous vous faites manipuler. Et l'équipe qui a fait ça a manipulé tout le monde pour donner de Roubaix une image terrible. Je vais vous dire le vrai problème de Roubaix, monsieur, c'est pas les poupées sans visage. Et c'est la misère. Exactement. La moitié de la ville est pauvre. Ben voyons. C'est la ville la plus pauvre de France, hein, Roubaix. C'est la ville la plus pauvre de France. Ça, c'est le vrai problème. Et l'émission, elle s'est pas faite là-dessus. Comment se fait-il que dans un aussi grand pays, là où il y a tant de braves gens qui ne demandent pas mieux que de vivre dignement de leur travail, tout ce qu'on est à leur proposer, c'est la misère? Monsieur Mélenchon. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas de la bonne religion qu'il faut les laisser comme ça? Monsieur Mélenchon. Et Éric Zemmour répondait. Allez-y, Éric. Je réponds, bien sûr. Vous me faites de la peine. Moi, j'espère. Oui, vous me faites de la peine. Parce que j'ai connu un monsieur Mélenchon qui était un républicain et qui n'avait pas peur d'affronter les religions quand elles empiétaient. C'est ce que je fais quand j'ai affaire à un fanatique comme vous. Laissez-moi finir. Vous voyez, vous ne me laissez pas finir. Oui, bah, je produis de bonne foi. Donc, oui, ça vous embête ce que je vais dire parce que vous savez ce que je vais dire. Vous étiez, ça, c'est clair que comme vous êtes un moulin... Bah, comme vous. Bah, alors là, mais moi excusez-moi, je ne suis pas un politicien depuis 50 ans, donc le moulin... Ouais, vous êtes juste un commentateur qui ne prend aucun risque depuis 40 ans. Bah justement, j'en prends la vérité. Vous voyez, contrairement à vous, parce que vous avez toujours un poste au chaud. Moi, pas. Oh. Alors, les risques, ça va. Et en plus, ça moi, c'est l'État qui vous paye, pas moi. Oui. Oui, monsieur. C'est ça, on va vous plaindre, monsieur. Mais non, je ne demande pas de plainte. Oui, bah, il vaut mieux, parce que alors, ça pourrait mal tourner. Est-ce que vous pourriez me laisser parler? Allez, on répond à la question. Donc, monsieur Mélenchon, pourquoi vous dites républicain et vous commencez par ironiser sur quelqu'un qui est élu? J'ai été nommé, moi. Mais j'ai été choisi par un patron comme vous. C'est pas là-dessus que j'ironise. Oui, d'accord, changez de ton. Mais moi, je suis pas payé par fonds publics depuis 50 ans. Je suis pas payé avec les impôts des Français depuis 50 ans. Et alors? Eh ben, alors voilà, c'est tout. Non, alors non, mais attendez. Alors, vous le reprochez, oui ou non? Vous êtes contre les indemnités pour que les élus vivent dignement? C'est vous qui me reprochez, monsieur Mélenchon. Mais si, c'est ça votre mentalité. Mais qu'est-ce que vous croyez? Votre mentalité. Ouais, bah moi, je viens d'en bas, d'accord? Eh ben, moi aussi. Oui, bah. Alors, moi aussi. Hein? Eh ben alors, pourquoi vous râlez? Je ne râle pas pour ça, et vous le savez très bien. Mais alors pourquoi vous me prenez à partie? Je râle d'ailleurs d'abord parce que vous ne me laissez pas parler. Mais ben, tant pis. Alors, monsieur Mélenchon, laissez-moi parler. Vous râlez comme vraiment un pauvre facho qui est là à dire oui, les élus s'engraissent, etc. Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Vos enfants ne sont pas allés à l'école publique, vous n'avez pas bénéficié des impôts des Français. Quel rapport? Mais oui, quel rapport? Mais je vous le dis, vous êtes seulement là pour exciter des passions malsaines. Monsieur Mélenchon. Restons sur le débat. Contre les élus en parlant de la République. Je sais que ce que je vais dire vous embête, donc vous ne voulez pas me laisser parler. Alors dites-le, Éric Zemmour, comme ça on va voir. Bah, j'aimerais bien pouvoir le dire. Allez-y. Ah, donc quand j'ai connu M. Mélenchon, c'était un républicain qui combattait l'influence des religions dans la République. Aujourd'hui, on voit qu'il se soumet à la religion musulmane. Quand j'ai connu M. Mélenchon, il disait qu'il ne connaissait pas le mot islamophobie car on avait le droit de critiquer les religions. Et aujourd'hui, évidemment, Vous cherchez un électorat de substitution, monsieur Mélenchon. C'est triste pour vous, parce que vous et la gauche, vous avez perdu le peuple français. Alors évidemment, vous cherchez un électorat de substitution et vous avez trouvé les musulmans. Donc vous êtes prêts à toutes les bassesses. Regardez vous êtes prêts à toutes les ignominies. Regardez ce et que vous dites. Êtes prêts à toutes les apostasies. Oui, oui, apostasie, et ça me fait honte pour vous, monsieur Mélenchon. Vous savez ce que veut dire le mot apostat? Ah oui, mais justement, c'est pour ça que je l'emploie. Vous reniez votre Dieu, c'est-à-dire les Lumières, et c'est-à-dire le combat des laïcs contre l'Église catholique. Mais contre l'islam, là, il n'y a plus personne. Vous vous couchez, monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est, vous avez craché tout votre venin. Il n'y a aucun venin, monsieur Mélenchon. Je vous ai déjà dit, respectez votre contradicteur. Il n'y a aucun venin, je ne suis pas un serpent. Si, il n'y a que du venin. Non, il n'y a aucun venin, monsieur Mélenchon. Vous devriez avoir honte de ce que vous dites. J'ai aucune honte. Parce que moi, je défends la France, monsieur Mélenchon. Vous cherchez un électorat de substitution. Absolument. Et vous dites les musulmans, parce que les musulmans, ils ne sont pas français. Oui, ils sont français quand ils sont français. Et quel rapport? Quel rapport? Vous cherchez une clientèle, rapport? Non, monsieur, c'est vous. S'ils n'étaient pas français, ils ne pourraient pas voter. C'est vous qui avez la clientèle des ivrognes. Vous cherchez une clientèle. C'est tout ce que vous cherchez. Blablabla. Et là, vous êtes prêt à tout renier. Oui, vous êtes prêt à tout renier. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui est triste. Écoutez, vous n'êtes pas capable de supporter la suite parce que vous venez déjà de renier vos compatriotes musulmans. Monsieur, les 2/3 de ceux qui sont morts à Monte Cassino étaient des musulmans. Quand les musulmans ont-ils manqué une seule fois à la France? Quand les juifs ont manqué à la France? Quand les catholiques ont manqué? Parce que, monsieur Zemmour, depuis qu'il y a des gens comme vous qui traînent et qui sèment de la haine, au lieu de faire en sorte qu'on trouve les moyens de vivre ensemble, vous passez votre temps à montrer du doigt telle ou telle communauté dans ce pays, ou les gens qui ont telle ou telle religion. Alors les Lumières, c'est pas vous, parce que les Lumières sont nées dans le refus... de la religion. Merci, monsieur Mélenchon. Pas de la religion. Oui, monsieur Mélenchon, de la religion. La plupart des gens des Lumières étaient eux-mêmes croyants. Mais vous n'y connaissez rien, parce que vous-même, vous appartenez à une secte. C'est pas possible de parler comme ça. Alors, la plupart des grands humanistes, la plupart des hommes et des femmes des Lumières étaient eux-mêmes croyants. Mais ça dépend lesquels, vous savez très bien que Diderot n'était pas croyant, alors que Voltaire croyait en Dieu, il ne croyait pas dans la religion. Alors arrêtez vos substitutions, on les connaît aussi bien que vous. C'est vous qui arrangez l'histoire, vous l'appropriez alors que vous n'avez aucun droit dessus. Ça vous embête, mais j'apprends rien du tout. Moi ça m'embête pas, vous êtes à peine français dans votre manière d'aborder les sujets. Jean-Luc, je suis très français. Je suis très français. Pas du tout. Vous êtes plein de haine et vous rejetez une partie du peuple français. Mais pas du tout. Donc vous êtes une secte, une caste, un petit groupe. Écoutez-moi, moi je ne rejette personne. Mais si, vous venez de le faire. Je dis simplement que contrairement à vous, moi, je veux garder la civilisation française. C'est quoi la civilisation française? La civilisation française, c'est une langue, un art de vivre. Ah bon? Un art de vivre, c'est vous qui allez dire comment on doit vivre? Un art de vivre. C'est vous qu'on doit imiter? Non, pas moi, non. Non, pas moi. La France, monsieur Mélenchon. Comme ont fait vos ancêtres, monsieur Mélenchon. Ils se sont adaptés à l'art de vivre à la française. S'il vous plaît. Non, je ne les lâche pas. Comme les miens, comme les vôtres. Non, mais moi, j'ai rien à voir avec vous, moi. D'accord? Rien. Mais moi non. Monsieur Mélenchon. D'accord? Alors justement, qui est plein de haine, monsieur Mélenchon? Mais Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit sur Éric Zemmour. Plein de haine. Non, mais vous avez dit sur Éric Zemmour, c'est un raciste, l'ennemi du genre humain. On n'amène pas les cimetières sur la table. Les morts sont pas là, d'accord? Quel rapport? Vous répondez pour votre génération, moi pour la mienne, pour les gens qui sont ici. Mais voilà la phrase de monsieur Mélenchon. Voilà. Voilà notre différence. Elle est magnifique. On peut parler d'avant de votre phrase d'avant? Non. Alors, restons sur celle-là. Excusez-moi. Attends, il a quand même dit une chose énorme. Non, votre phrase est magnifique. C'est une langue et un art de vivre. Alors écoutez, monsieur Zemmour, un art de vivre qui ne connaissait rien à l'histoire de France. Des souvenirs partagés, j'aurais rajouté. Comme Ernest Renan, des souvenirs partagés. Ernest Renan. Et vous avez dit... Comme dirait ma concierge... Laissez-moi parler, monsieur Mélenchon. Si vous avez décidé... Mais laissez-moi. Si vous avez décidé de me couper tout le temps... Alors acceptez qu'on vous réponde. Vous n'allez pas faire votre piano mécanique. Non, je vous réponds. Allez, vous n'avez pas eu le temps de parler. Laissez-le répondre quand même. Vous venez de dire, on ne met pas les morts sur la table. C'est la différence entre vous et moi. Je dirais même, oui, c'est la différence entre la gauche et la droite. Et c'est la différence entre la conception de la nation... la mienne et la vôtre. C'est tout le combat, d'ailleurs, au moment de la Révolution, vous le savez très bien. C'est-à-dire que M. Mélenchon pense que la nation, et la France en l'occurrence, est uniquement un contrat entre ceux qui sont vivants. Alors que moi, je pense que c'est... Oui, je parle à votre place. Je parle à votre place. Et je le dis, pour moi, la France, c'est un héritage. Pour moi, la France est un héritage millénaire. Et oui, millénaire, monsieur Mélenchon. La France ne commence pas à 1789. La France ne commence pas avec notre génération. La France a 1000 ans d'histoire. D'accord. Et pour continuer cette histoire... Je peux vous répondre là? Allez, juste là. Alors, je vais vous expliquer. Nous non, sommes vous le ne seul peuple. Pas, vous ne répondez. Non, 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 je ne vous réponds pas. Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Vous n'êtes pas là pour m'expliquer. Si, si, non, si. Je vais vous raconter l'histoire de France que vous ne connaissez pas. Je la connais mieux que vous. Non, monsieur. Ah, voyons. Et je vais vous en donner un exemple. Alors, je vais vous en donner un exemple. Nous sommes le seul peuple d'Europe à nous être déclarés gallo-romains, ce qui est la première des créolisations entre les Gaulois, les Celtes et les Latins romains. Deuxièmement, vous dites c'est une langue. Cette langue a été adoptée. Toute cette langue a été adoptée sous l'autorité de François Ier. Ce n'était pas avant la langue de tous les Français. Et à peine est-elle née que les poètes de l'époque qui l'entretenaient se sont mis à copier furieusement tous les poèmes latins. Absolument. Et ils disaient, alors on leur disait, mais c'est du plagiat, c'est quand même énorme. Ils disaient, non, pas du tout, ils ont inventé un mot. C'est l'innutrition, disaient-ils, et je les approuve. Et c'est comme ça qu'est née la langue française. La France est une invention permanente, qui à chaque génération se renouvelle, s'étend, s'élargit, s'approfondit, sauf les vieux débris comme vous, qui est là, flotté à la surface. Monsieur Mélenchon, et la France... vous avez très bien décrit le début. La France, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux peuple de 1000 ans qui est de tradition chrétienne. Il n'y a personne qui a 1000 ans ici. Mais laissez-moi parler. Personne. Ne faites pas des blagues à deux balles. J'ai même pas regardé les arbres généalogiques. Qu'est-ce que vous connaissez? À deux balles, vraiment, de garçons de café. C'est indigne de vous. Oui, oui, c'est ça. En plus, c'est vous qui dites ce qu'elle dit. Écoutez-moi. D'abord, garçon de café, c'est un métier. Ça s'apprend, vous êtes incapable de le faire. Oh là là. Non, non, moi, vous tombez dans toutes les démagogies, au moins c'est bien avec vous. Moi je ne suis pas votre gibier habituel, vous ne pouvez pas le bec avec vos citations et vos inventions sur l'histoire de France. Alors laissons parler les gens. Ce que vous avez dit, c'est exactement comme ça que commence la France, effectivement. C'est un vieux pays gallo-romain avec des Celtes, avec des Ligures, qui se mélangent. Pas qui se créolise, parce qu'il y a une culture commune. Ah bon? Oui, monsieur. Vous ignorez que dans la langue française contemporaine, il y a encore des mots gaulois, et grecs, et italiens, et russes, et arabes. Minoritaires. Il y a 80% du latin, ne vous en déplaise, parce que nous sommes de tradition romaine. Le chorus latiné, mon petit gars. Puis, ne vous en déplaise, c'est l'Église catholique qui unifie le pays. Ah. C'est la religion chrétienne. Et oui, monsieur Mélenchon. Mais non, monsieur. Et si, monsieur Mélenchon. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas grand-chose à la religion chrétienne. Vous savez, non plus. Michelet disait lui-même, la France est une conquête de l'Église. Michelet, vous voyez, c'est un historien républicain. Et je continue, la langue française... 19 volumes de Michelet, monsieur Zemmour a trouvé une phrase dans un coin. J'ai lu les 19 volumes de Michelet. Oui, l'histoire de France de Michelet. Alors ça tombe mal pour vous. Vous aussi, ça tombe mal pour vous. Oui, justement, alors je vous invite à lire la période de l'histoire de France où c'est un roi que je vais vous citer, où Philippe le Bel construit la nation française. Non, je termine moi, parce que vous avez parlé de l'histoire. Le roi Philippe le Bel dit, quand le pape lui dit, puisque je commande au spirituel, je commande au temporel. Et c'est le roi de France qui lui dit ici, c'est le roi qui commande. C'est pas l'Église. Eh ben oui, monsieur Mélenchon. Mon bonhomme. Eh ben oui, monsieur Mélenchon. Ah oui, monsieur Mélenchon. Seulement vous ne faites pas comme Philippe Le Bel. Vous dites c'est l'imam qui commence à rouler. Et vous couchez devant l'imam, monsieur Mélenchon. Et oui, c'est ça la différence. Mais vous reniez la tradition républicaine. Ah non, mais pas du tout. Alors justement, on va en parler. Voilà, bah oui, on va en parler, c'est le deuxième thème. Mais c'est vrai qu'on prend un cours d'histoire avec vous deux. Non, mais c'est vrai. Non, mais lui, il cite des noms au hasard, comme ça. Ah oui, je fais comme ça, je peux dire. Et Mélenchon, c'est le professeur d'histoire, vous savez bien. Ah oui, exactement. Je vous apprends l'histoire de France, parce que vous la racontez d'une manière qui n'a rien à voir avec le déroulement de l'histoire. Vous ne m'apprenez rien. La France est une invention de son peuple. Monsieur Mélenchon. Vous comprenez ça? Ah, pas du tout. Exactement. Elle a inventé la Révolution, elle a inventé la République. Et vous avez toujours été les traînes patins du côté de la réaction, d'accord avec ce qu'il y a de pire dans ce pays. Monsieur Mélenchon, vous ne connaissez rien à l'histoire de France. L'histoire de France a été faite par les rois et par l'Église. Elle n'a pas été faite par le peuple, c'est justement la spécificité française. Et n'oubliez pas les Néandertaliens, sans oublier les premiers sapiens. Oui, mais moquez-vous, je vous dis, vos blagues sont nulles. Éric Zemmour. Vos blagues sont pas drôles. À l'époque des rois, qu'est-ce qu'il y avait des rois? Bien évidemment. Ah oui, il y avait des rois, oui, dirigés, oui. Oui, c'est eux qui ont fait la France. Oui, monsieur Mélenchon. S'il vous plaît, Éric Zemmour. Mais oui, je suis désolé. Non, ils ont fait le royaume. Non, ils ont fait la France. Non, monsieur, la nation dont vous vous réclamez, elle commence à Valmy quand des gens qui ne parlaient pas la même langue se mettent à crier. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Pas du tout. Elle n'est pas née à Valmy en 1790. Là, on a l'impression d'être en salle des professeurs, là, les gars. Non, alors juste, vous avez vu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon va reprendre les études s'il n'est pas élu président, ce qu'il a dit peut-être, voilà. Ça lui ferait du bien. Non, mais... Pour vous dire, il aime l'histoire. Vous aimez l'histoire, ouais. Ah oui, bah, pour aimer la France, faut aimer son histoire. Ah bah là, au moins, on est d'accord. C'est une. Ah voilà. Une non, on n'est pas d'accord. Mais si, pour aimer la France, faut aimer son histoire. Alors. Bon, on parle pas du même pays. On ne parle pas du même pays, vous parlez du pays qui n'aime pas les musulmans, qui croit les rois et qui aime l'Église. Pas du tout, pas du tout. Vous avez le droit. Pas du tout, pas du tout, monsieur Mélenchon. Je ne déteste personne. Simplement, monsieur Mélenchon, je veux que les musulmans s'assimilent à la France et qu'ils n'imposent pas l'islam. C'est une différence entre vous. Vous, vous acceptez qu'ils imposent l'islam comme à Roubaix et dans d'innombrables enclaves étrangères. Moi, je leur dis, pour être mes frères, il faut que vous acceptiez la France telle qu'elle est. Et comme à vos frères nous, aussi, vous avez des frères et sœurs. Oui. Et vous leur avez dit, pour qu'on soit frères et sœurs, il faut que vous acceptiez je ne sais pas quoi, là. Oui, mais là, monsieur Mélenchon, c'est des enfants adoptés. Et quand il y a des enfants adoptés, mais comme moi, je le fus d'ailleurs. Mais ben, dis donc, quelle trouvaille. Et comme vous, vous le fûtes. Excusez-moi. Non, non, pas du tout. Mais si. Moi, je suis né français, j'ai rien demandé. Moi aussi, je suis né français. Je me suis retrouvé avec une carte d'identité de français. Mais moi, la différence avec vous, c'est que moi, je prends compte de mes ancêtres et de nos ancêtres. Ben la France ne commence pas avec vous, monsieur Mélenchon. Il ne commence pas avec vous. Oh. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Et oui, la France ne commence pas aujourd'hui, ou même en 1789. Mais qui vous a dit ça? Vous. Mais non, mais vous ne comprenez pas. Je recommence pour que vous compreniez. Non, non, non. La France est un pays qui s'invente. En ce moment, regardez les gens, même ceux qui ne sont pas de mon avis, ce n'est pas le sujet pour moi. Hein, pour moi, c'est tous des compatriotes. Bah, moi aussi. Regardez-nous comme on est. Regardez comme on est différents. Regardez comment, en même temps, on fait peuple ensemble. Voilà, c'est ça qui compte, monsieur Zemmour. Mais on fait peuple avec une culture commune. Machin, la coupe et votre dame, Mélenchon, le truc, habillez-vous correctement. On fait un peuple et on fait une nation si on a une culture commune. À partir du moment où il y a deux civilisations qui sont sur le même territoire, on ne peut pas faire une culture. Ah bon? Eh ben non. Donc les musulmans ne sont pas français pour vous? Donc pour les musulmans français ne sont pas français tant qu'ils sont musulmans? Ils ne sont pas du tout. Ah bon, c'est vous qui allez leur dire comment ils doivent parler? Est-ce que je peux écrire les sourates du Coran pendant que vous y êtes? Vous voulez écrire les prières de la Bible? Alors on va, quoi. Vous avez posé une question, Jean-Luc Mélenchon, répondez, Éric Zemmour, sur les musulmans. Parce qu'il répond lui-même à ses questions, donc... Non, non, je réponds pas à mes questions, je réponds aux vôtres qui sont nuls. Les Français de confession musulmane sont évidemment français. Ah, c'est bien. Je l'ai toujours dit. Sauf que... Sauf si. Non, oui, sauf si. Ah, voilà. Sauf si... Mais comme vous, vous allez changer d'avis, parce que moi, je suis de la Révolution et des Lumières. Sauf si quoi? Est-ce que vous imaginez que je vous dise, monsieur Zemmour, vous êtes français, sauf si? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce qu'on m'a dit. Qui vous a dit ça? Clermont-Tonnerre. Un révolutionnaire. Il m'a dit, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant que... Il y a du bon dans la Révolution. Bah, vous voyez... Donc moi, je dis la même chose aux musulmans. Je dis la même chose aux musulmans. Rien aux musulmans en tant que nation, en tant qu'oumma, tout aux musulmans en tant qu'individu. Ah bon, alors comme Clermont-Tonnerre aux Juifs. Alors, et vous dites à toutes les communautés religieuses, rien en tant que communauté religieuse. Absolument, rien en tant que nation. Vous êtes tombé sur la tête. Mais les gens qui ont une religion qui sont catholiques. Mais je parle comme les révolutionnaires, mon cher. Ça devrait vous plaire. Non, non, mais c'est le duc de Clermont-Tonnerre qui a dit ça pour toutes les raisons que vous savez. Mais oui, et ben je dis la même chose aux musulmans. Vous aimez la Révolution comme moi, alors? Ah, Robespierre, Saint-Just. Toutes les histoires de France me passionnent. Vous avez plein de points communs. Et l'histoire de la Révolution aussi. Mettez ça à votre place, à sa place. Les rois de France que vous aimez tant ont expulsé 11 fois les Juifs. Le grand Saint-Louis, d'accord, a inventé un signe distinctif pour les Juifs et a inventé le percement de la langue au fer rouge pour ceux qui étaient des hérétiques. Il a imité sur le monde musulman. De France, faut un peu trier. Il a imité sur le monde musulman, vous savez, la rouelle. Vous êtes obsédé. Ah bah oui, mais c'est intéressant. Vous êtes obsédé. Mais ah oui, mais vous savez. Dans le monde musulman, comme dans le monde chrétien, il y a des choses qui méritent aussi d'être relevées, qui sont intéressantes. Et ben, dites-le. Pendant des siècles, c'est grâce aux musulmans qu'ont été conservés les textes de l'Antiquité grecque et latine. C'est faux. L'historien Guggenheim l'a démontré le contraire. Alors, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, j'aimerais qu'on parle. Mais vous lisiez même pas. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand mes ancêtres recopiaient les mêmes grimoires, vous ne saviez même pas lire. S'il vous plaît, je voudrais qu'on parle de l'islam. Votre haine s'étend en passé. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez? Excusez-moi, mais je vous le dis. Qu'est-ce que vous en savez? Une partie des gens viennent de Sicile, où tout le monde était là. Et une autre partie vient d'Andalousie. Le seul endroit où toutes les cultures s'étaient mélangées. S'il vous plaît. Non, elles ne se sont pas mélangées, monsieur Mélenchon. En Andalousie, elles ne se sont pas mélangées. S'il vous plaît, on n'est pas là pour prendre un cours d'histoire, s'il vous plaît. Sous la conquête islamique, c'était l'apartheid pour les Juifs et les chrétiens. Mais oui, monsieur Mélenchon. Mais oui, ça vous déplaît. L'histoire de l'Andalousie non plus. On n'est pas là pour prendre un cours d'histoire, messieurs, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais qu'on parle de l'islam. Jean-Luc Mélenchon a dit à propos de l'islam. Il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Et Éric Zemmour a dit « l'islam n'est pas compatible avec la France ». On aimerait parler de ça, parce que c'est vrai que vous faites des cours d'histoire, c'est intéressant, mais Jean-Luc Mélenchon, quand vous dites qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans, vous le dites souvent, ça. Oui. J'ai entendu des heures durant cette haine s'exprimer, et elle vient encore de s'exprimer ce soir, avec des citations et enrobées de je ne sais pas quoi, de Michelet et du reste. Ce monsieur a dit, au journal Corriere della Sera... Ah, vous allez vous repentir. Ah oui, je vais nier, bien sûr que je vais nier. Il dit... Mais alors, que suggérez-vous de faire? Mettre 5 millions de musulmans français dans des avions? Réponse de Zemmour. Je sais, c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu'un million de pieds noirs 20 ans plus tard serait parti d'Algérie pour revenir en France? En janvier 2021, sur CNews, vouloir la rémigration, ce n'est pas être raciste, c'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire. Combien comptez-vous expulser de ce que vous appelez des immigrés et qui sont pour 5 millions d'entre eux des Français? Je n'expulse aucun Français. En revanche, vous avez raison. Combien il y en a alors ceux que vous expulsez? Je peux parler? Non, mais on l'a compris. Mais à chaque fois, vous me posez une question, vous répondez vous-même. Donc je peux pas répondre. Mélenchon, laissez-le finir. Oui. Donc j'expulse en revanche, oui, les 10 000 à 15 000 prisonniers étrangers qui n'ont rien à faire dans nos prisons. Comment vous savez qu'ils le sont? Parce qu'il y a 25% de prisonniers et on est 60 000 prisonniers. Voilà. C'est pas compliqué, trop, ça va avec mon niveau de mathématiques. Effectivement, j'agirai pour qu'il y ait déchéance de nationalité de tous les binationaux qui sont délinquants ou criminels. Et je les expulserai ensuite. Oui, je chasserai les clandestins. Il y en a entre 300 000 et 1 million, selon les calculs. Alors, clandestins, 300 000, on les reste dans les maths. 300 000, 1 million. Voilà, je continue. Alors, monsieur... Oui, j'ai pas fini, monsieur Mélenchon. J'ai pas fini. 120 places dans un A, 320. Je peux finir. Combien ça fait d'avions et de bateaux et de trains? Est-ce que j'ai pas fini? Jean-Luc, j'ai pas fini. Je continue. C'est Éric Zemmour, finir. Je continue. J'expulse aussi les étrangers chômeurs qui sont là depuis 6 mois et qui n'ont pas de travail depuis 6 mois. Exactement comme le font les Suisses et les Américains. Maintenant, si vous me dites que ça fait beaucoup de gens, je vais vous répondre. Monsieur Obama, prix Nobel de la paix, a renvoyé 2 500 000 clandestins sur 450 millions d'habitants aux États-Unis. 2 500 000. Vous voyez, je n'en suis pas là. 1 million. Les clandestins, je ne sais pas. Je vous ai dit entre 300 000 millions d'habitants. Parce que vous estimez qu'un clandestin doit rester ici. Non, mais attendez. Non, mais dites-le, monsieur Mélenchon. Dites-le. Un étranger clandestin a le droit de rester en France. Et je ne sais pas quoi. Oui. Non, mais alors, du calme. Un étranger clandestin a le droit de rester. Mais avouez-le, puisque vous ne voulez pas les expulser. Donc vous voulez les laisser ici. Et donc vous voulez que d'autres viennent. Voilà, oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Ça, j'ai tout compris, ça c'est sûr. Vous êtes un inventeur de mauvaises fables. Comment vous pouvez dire qu'il y a 1 million de clandestins parce que précisément, le ministère de l'Intérieur. Non, le ministère de l'Intérieur. Qui dit entre 400 000 et 1 million. De mieux en mieux, c'est votre pote Darmanin. Mais oui, ça n'a pas de sens. Personne n'a aucun moyen de savoir combien il y a de clandestins. Ce que vous savez, c'est que si vous voulez expulser 1 million de personnes, ça ne tient pas debout, parce que le temps de les capturer, pendant ce temps-là, évidemment, vous pensez que le reste de la délinquance va se tenir tranquille. Et puis, une fois que vous avez capturé, si par hasard vous y arrivez, et je me demande sur quels critères, 1 million de personnes au milieu de 67 millions d'autres, qu'est-ce que vous allez en faire? Les mettre dans combien de trains, combien de bateaux? Tout ça ne tient pas debout. Vous savez très bien que dans tous les grands pays développés... Oui, justement, on les renvoie. On les renvoie dans tous les grands pays développés. Moi, je ne fais pas partie. On les renvoie, monsieur Mélenchon. Dans tous les grands pays développés, on les renvoie. Et on fait tout pour qu'ils ne viennent plus. L'Espagne est un pays sous-développé. L'Espagne est un pays sous-développé. Mais non, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont régularisé des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'à intervalles réguliers... Est-ce que les États-Unis sont un pays sous-développé? Est-ce que la Suisse est un pays sous-développé? Est-ce que les Pays-Bas sont un pays... Est-ce que le Danemark est un pays sous-développé? On les renvoie, monsieur Mélenchon. Et on fait mieux. Et on fait mieux. Oui, on arrête. On empêche qu'ils viennent. On empêche qu'ils viennent. Et on supprime, comme je le souhaite, le regroupement familial. On souhaite... On limite au maximum le droit d'asile à quelques dizaines de personnes et non pas 130 000 comme aujourd'hui. Éric Zemmour, j'aimerais savoir, Jean-Luc Mélenchon, vous voulez faire quoi, vous? Il veut les laisser là. Non, voilà, c'est quoi? Non, mais vous voulez faire quoi? Il veut qu'ils soient de plus en plus nombreux. Sur l'immigration, sur les clandestins, c'est quoi votre position? Alors, d'abord, il y a une chose que je sais. Je parle d'abord de ceux qui émigrent, hein, c'est-à-dire ceux qui partent. On ne part que dans la douleur. Personne ne part par plaisir. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que c'est extrêmement risqué. Beaucoup de gens meurent en route. La Méditerranée est le plus grand cimetière du monde. Il y a 30 000 personnes là-dedans. On évalue à peu près à ce chiffre-là. Par conséquent, il me semble, moi, que la première des politiques, c'est faire ce qu'il faut pour que les gens n'aient pas besoin de partir. Ça veut dire qu'on évite les expéditions militaires inconsidérées. Ça veut dire qu'on évite les accords commerciaux tellement déséquilibrés. Je vous donne quelques exemples tout simples. L'Union européenne rachète les droits de pêche au large de toute une série de pays d'Afrique. Si bien que quand passent les chaluts, qui ramassent absolument tout, tous ceux qui vivent de la pêche côtière ne peuvent plus en vivre. Et donc, s'en vont de leur modeste petit village vers la ville, où les gens s'empilent et n'ont d'autre avenir que de s'en aller. Donc la première des choses, c'est une politique qui s'occupe réellement de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir. Une fois qu'ils sont partis, ce que je regrette, pour beaucoup d'entre eux, mais pas pour tous, parce que il y a ceux dont je regrette qu'ils soient partis, parce que je sais que c'est dans la douleur, dans la souffrance, et que ça va être compliqué à l'arrivée. Mais une fois qu'ils sont là, je refuse de les maltraiter. Je déclare que je les traite humainement. Et j'ajoute que je suis partisan du regroupement familial parce que je crois qu'un homme ou une femme qui a émigré ensuite se comportera d'une manière plus facile avec la société s'il assume la responsabilité de sa famille, de ses enfants qu'il faut envoyer à l'école, ce qu'ils font le plus souvent, etc., etc., et de leur futur collectif. Et puis après, il y a ceux dont j'estime qu'il n'y en a pas assez. Oui, en effet, je suis pour qu'il y ait un plus grand nombre d'étudiants francophones qui viennent dans les universités françaises. Pourquoi? Parce que nous, Français, nous ne sommes pas assez nombreux pour relever tous les défis que nous avons à relever dans les sciences, dans les techniques. Et plus il y aura d'intelligence, mieux nous nous porterons. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, un très grand nombre de médecins qui font la pointe de la médecine dans notre pays sont des gens qui viennent d'Algérie, qui viennent de l'Afrique, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il n'y aurait personne. Alors, je vais répondre, monsieur, Éric Zemmour, je vais répondre, je vais répondre, si vous me permettez. Oui, Éric Zemmour, donc, on a entendu donc, ce que vous voulez faire, voilà. Jean-Luc Mélenchon. Je vais répondre point par point, si vous me permettez. Donc, les trois points qu'il a dit. Alors, vous avez raison sur un point, c'est toujours une souffrance de partir, de quitter son pays, de quitter sa famille, etc. C'est justement pour cela qu'il faut que tous ces gens ne partent plus. Et pour que ces gens ne partent plus, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils ne seront pas accueillis chez nous. Il faut qu'ils ne veuillent plus venir pour nos allocations sociales. Oh. Il faut... Mais oui, monsieur, mais vous savez, moi, je pense, monsieur Mélenchon, que les immigrés, comme nous, sommes des êtres rationnels. Ils font un calcul, ils choisissent. Et quand ils se décident à venir en France ou ailleurs, c'est parce que la France est le pays le plus généreux socialement. Non, non, je ne vous permets pas parce que je veux. Non, parce que je veux répondre. Parce que vous avez pris. Non, mais vous avez pris un long développement et je voudrais répondre. Long développement. Non, mais qui était intéressant. Intéressant. Oui, il va finir sur. Donc je veux répondre. Donc premier point. Justement, c'est parce que j'y ai réfléchi en amont. Donc premier point. C'est ça. Si ils sont découragés de venir, la palisse aurait dit, ils ne viendront pas. Et donc il n'y aura plus de morts en Méditerranée. Parce que s'ils ne viennent pas, il n'y aura plus de morts. En vérité, ce sont les gens comme vous qui sont responsables de ces morts. Oui, monsieur Mélenchon, parce qu'ils savent qu'avec les gens comme vous, ils seront reçus en France et qu'on leur donnera une carte bleue comme les droits d'asile, 350 € pour qu'ils puissent dépenser, qu'on les logera, ça coûte 500 €. Ils savent qu'ils seront soignés avec l'AME. Ça coûte, ça coûte 2 600 €. De parler comme ça. Non, monsieur Mélenchon, monsieur Mélenchon. Éric Zemmour. Moi, je défends. L'AME, dites ce que c'est l'AME pour que les gens l'entendent. Oui, l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Vous êtes tellement bête que quelqu'un qui est malade ou qui est infecté, vous ne voulez pas le soigner. Mais voyons, ça vous arrive à vous. Monsieur Mélenchon. Ah bah oui, monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Voilà où ça mène l'AME a été créée en 1998. D'accord? Avant, on ne soignait pas les gens quand ils étaient là, on les soignait. Si. Alors de quoi vous parlez? Mais parce que l'AME a provoqué, un appel d'air, des abus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent se faire soigner aujourd'hui par l'AME, qui attendent la fin de leur visa de 3 mois pour pouvoir se faire soigner gratuitement? Mais oui, je mens, c'est ça. Renseignez-vous. Et en plus, on fait des, ils font des opérations très sophistiquées, des greffes de reins, des greffes de ceci, etc. Oh, et ça, les Français ne sont même pas remboursés. C'est pas vrai, vous mentez. Monsieur Mélenchon, à la différence de vous. Vous vous comportez d'une manière indigne. Moi, monsieur Mélenchon, j'aimerais qu'Éric Zemmour réponde. Pen, soi-disant. Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais qu'on soit sur le deuxième point. Eh bien oui, justement, je ne peux pas. Donc, une fois qu'ils sont là, Éric Zemmour. Non, je continue. Oui, alors, parce qu'il y a le deuxième point, comme à dire, Jean-Luc Mélenchon. Une fois qu'ils sont là. Je continue. Donc, avec moi, ils ne voudront plus venir. Et quand vous dites ils font venir leur famille, moi je suis aussi pour le regroupement familial comme vous, mais le regroupement familial chez eux. Je refuse qu'aujourd'hui, en France, le regroupement familial est devenu une filière massive d'immigration, 90 000 par an. 90 000 par an. Vous savez, aujourd'hui, les gens viennent très peu pour travailler en France. Pourquoi vous ne retournez pas où vous êtes venu? Sur deux mois, moi je suis français, c'est l'armée, monsieur Mélenchon. C'est l'armée française qui est venue chez moi. C'est pas moi qui suis venu en France. Ouais. Alors, vos plaisanteries, vous les laissez de côté. Ça prouve l'ignorance que vous avez de l'histoire, de la colonisation et de l'Algérie, de votre propre pays. Éric Zemmour, on continue. Une fois qu'ils sont là, parce que maintenant c'était le deuxième point qu'a évoqué Jean-Luc Mélenchon. Quand ils sont là, je les renvoie s'ils sont clandestins. Je rétablis le délit de clandestinité parce qu'il faut, savoir et de dire aux Français que le délit de séjour clandestin a été supprimé en 2012 et que en fait, ils viennent parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les arrêter parce qu'ils sont clandestins et parce qu'au bout de quelques années, ils seront régularisés. Circulaire Valls, qui régularise automatiquement. Je veux supprimer tout cela. Les gens ne viendront plus et quand ils seront là, on les renverra. Moi, à la différence de vous, monsieur Mélenchon, je défends le peuple français. Et le peuple français en a assez de l'immigration. Et le peuple français pense que l'immigration n'est plus une chance pour la France, que c'est une malchance pour la France, et que donc il faut arrêter cela. Le peuple français est d'accord avec moi et non pas avec vous, et c'est bien pour cela que vous cherchez un électorat de substitution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, je laisse tomber, c'est la deuxième fois que vous parlez de Français en les traitant comme s'ils ne l'étaient pas. Mais je vais vous dire, regardez bien, si... le délit de clandestinité existe toujours, figurez-vous. S'il n'est pas... Non, arrêtez-vous. Mais les gens vérifieront sur Internet, vous parlez tout le temps d'avance. Bon. Dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières. Et personne n'a dit qu'elles n'existaient plus. Pas du tout, il n'y a plus de frontières. La frontière, elle est frontière européenne. Allez, d'accord. Juste, il y a Schengen aussi. Ah, la paix, le chien. Eh bien, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Alors, vous arrêtez de me montrer. Ok, Mélenchon. Écoutez, ça suffit. Oui, mais c'est vous, ça suffit de parler des gens comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. C'est pas vous qui faites le patron. Ça suffit, Mélenchon. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, on reste pour toi. Vous êtes un aboyeur, Mélenchon. C'est ce que vous êtes, en fait. Ça se passe bien, arrêtez. Sans discontinuer. Il parle des personnes qui travaillent dans ce pays, y compris quand ils sont immigrés, monsieur Zemmour. Ils cotisent 3 milliards de plus qu'ils ne consomment, donc tous vos comptes d'apothicaires n'ont aucune valeur. Monsieur Mélenchon. Ensuite, si dans ce pays, il y a une très grande difficulté qui fait que chacun regarde dans l'assiette de l'autre comme ça peut se produire entre frères et sœurs quand il y a peu. C'est parce qu'il y a peu, c'est parce qu'il y a 9 millions de pauvres, ils ne sont pas dans la même nation, c'est parce qu'il y a 12 millions de gens qui ont froid, c'est parce qu'il y a 8 millions de gens qui ont faim. Voilà pourquoi les gens s'en gardent. Monsieur Mélenchon. Tandis que vous faites, vous êtes là pour diviser le peuple, pour faire que les gens se haïssent entre eux. Moi, je suis là pour l'unifier. Mais oui, bien sûr. Monsieur Mélenchon. Votre ami Orban, qui a appliqué votre politique à la noix, il se retrouve avec 1,4 Hongrois qui naissent chaque année. Et alors, ça veut dire que ce pays va disparaître. Parce qu'on fait mieux, nous. Nous sommes à 1,9 et j'espère qu'on arrive à nouveau à 2. Nous sommes à 1,9 et je suis content de ceux qui deviennent français. Ça me fait plaisir que des gens deviennent français. Oui, allez, s'il vous plaît. Exactement, monsieur. Éric Zemmour répond. Merci. D'abord, le travail. Vous avez parlé du travail. Sur les 275 000 entrées légales par an depuis quelques années, il y a 14% qui viennent avec un visa de travail. 14% seulement. Dans la population extra-européenne, les étrangers extra-européens, le taux d'inactivité entre 15 ans et 64 ans, je ne parle même pas des retraités et des enfants, est de 55... Les retraités, ils ont quand même cotisé. Hein. Ben, c'est ce que je dis, donc je ne parle pas d'eux. Bon, mais il faut écouter un peu là-haut. Oui, il est de 55%. 55% d'inactivité. Ces gens n'ont rien à faire en France car ils n'apportent rien à la France. Voilà. Donc ils rentreront chez eux. Vous avez raison. Ce qu'il faudrait, c'est les attacher et puis les faire travailler. Monsieur Mélenchon. Mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous racontez? On parle d'une société humaine. Vous n'aimez personne? Jean-Luc Mélenchon. Vous n'aimez pas les gens différents. J'aime les Français, monsieur. Les gens, mais je... Excusez-moi, j'aime les Français. Et je défends les Français. Parce que vous, vous n'aimez pas les Français. Vous avez abandonné les Français. Vous avez abandonné le peuple français. Et c'est pour ça qu'il vous a abandonné. Et c'est pour ça qu'il vous a abandonné. Et oui, je suis désolé de vous le rappeler. Éric Zemmour, oui. Le jour où vous allez rester entre vous, vous allez vous marrer, là. Bah oui. Ça n'arrivera pas. Parce que les Français ne permettront jamais que des gens comme vous aient le pouvoir. Parce que, évidemment, parce que vous pensez que les Français veulent être remplacés. Non, monsieur Mélenchon. Les Français ne veulent pas être remplacés. Mais ça veut rien dire. Ça veut tout dire, monsieur Mélenchon. Mais regardez où. Pour les Français, ça veut tout dire. Mais non, quand on est à la deuxième génération, vous avez affaire à des enfants qui sont nos enfants, qui parlent français comme nous tous. Des fois, hélas, parlent pas une autre langue. Moi, je le regrette. Vous avez vu. Mais oui. Et à la troisième génération, comme moi, ça fait des patriotes qui adorent la Révolution française et le drapeau tricolore. Mais ça, c'est dans vos rêves. Alors arrêtez de raconter vos histoires. Mais ça, c'est dans vos rêves les plus fous, monsieur Mélenchon. Amers, aigres. Vous êtes dans les chimères. Vous êtes dans les chimères, ne parlez pas en même temps tous les deux. Vous êtes dans les chimères. Ça n'a pas duré toute la soirée. Vous êtes dans les chimères, monsieur Mélenchon. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Aujourd'hui, la 3e génération, il y a une majorité qui préfère la charia à la loi de la République. Ça, c'est dans votre 3e génération, monsieur Mélenchon. J'aimerais qu'on parle très vite d'un autre sujet. Non, non, non. C'est les retraites, juste les retraites. Non, non, non. Oui, si vous voulez. 65 ans, il a dit. Qui a dit 45 ans? Moi, c'est pas un deuxième face à Baba Zemmour. C'est un face à Baba Mélenchon. Raquel, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Raquel Garrido, quand vous serez productrice de l'émission, vous ferez ce que vous voudrez. Pour l'instant... Mais moi, vous m'aviez dit que c'était 20 minutes, pas une demi-heure à écouter ce type. Attendez. Raconter ses horreurs. Écoutez, s'il vous plaît. Mais vous êtes d'un respect extraordinaire. Ah oui, respectez-vous, s'il vous plaît. Laissez à votre image, à votre idéologie, vous savez. J'ai oublié que vous étiez communiste, monsieur Mélenchon. Et que vous avez des dizaines de millions de morts. Et alors ? Vous avez des dizaines de millions de morts. Non, qu'est-ce que les communistes français vous ont fait? Des dizaines de millions de morts. Les communistes français. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les communistes français, à part libérer le pays? C'est les Russes qui ont libéré le pays, c'est pas les communistes. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Éric Zemmour. Vous avez des dizaines de millions de morts sur la conscience. Et vous, votre idéologie? Alors, s'il vous plaît, regardez ce que dit... Ça, les Français, ça, ils s'en foutent, je vous le dis. Ce qu'ils veulent, c'est la question des retraites. La loi actuelle, 62 ans. Jean-Luc Mélenchon dit retraite à 60 ans à taux plein pour 40 années de cotisation. Éric Zemmour, retraite à 64 ans. Pourquoi 4 ans de plus, Éric Zemmour? Enfin, 2 ans de plus que la moyenne. Vous avez raison, c'est une bonne question. C'est parce qu'il a pris 3 milliards aux immigrés qu'il a plus, donc il faut que les gens travaillent plus longtemps. Non, mais s'il vous plaît... Ça c'est une question. Ça c'est une question qui intéresse les Français. Monsieur Mélenchon, ça va être dur. Ça c'est une question. Moi, je l'ai déjà fait à votre place, mais bon. C'est une question qui intéresse les Français, ça vraiment. La retraite, 64 ans pour vous. Nous avons un problème de retraite, qui est que cela coûte très cher au pays. C'est normal, les gens ont cotisé, donc ils doivent être à la retraite, évidemment, qu'ils doivent avoir les meilleures pensions possibles. Sauf que, si vous voulez, nous sommes déjà dans tous les pays européens celui qui consacre le plus à la retraite. 14% du PIB, quand en Europe, on est à 11%. Deuxièmement, quand il y avait la retraite à 60 ans, on avait une espérance de vie à 67, 68, 69. Aujourd'hui, on a 80 ans, 85 ans. Donc, les gens ne sont pas dans la même situation de santé. Donc, je propose, il y a 3 solutions pour régler ce problème de déficit et de poids sur les entreprises et donc finalement sur les salariés. Il y a 3 solutions. Soit on baisse les pensions, inadmissible, vous serez au moins d'accord là-dessus. Soit on augmente les cotisations, ce qui est inadmissible aussi car déjà nous payons beaucoup pour les retraites. Il y a des cotisations énormes, la moitié des cotisations sociales payées par les salariés et les patrons. Donc la 3e solution, c'est remonter l'âge de la retraite. Je propose donc de remonter de 62 à 64 ans, un trimestre par an. C'est ça. Et ce que je propose, évidemment... Vous allez moduler pour les... Ben évidemment, voilà. Que je module pour les gens qui ont d'abord commencé tôt. Et des métiers difficiles. Parce que ça sera par trimestre. Les gens qui ont commencé tôt, ils pourront partir à 60 ans. Les métiers pénibles, difficiles, évidemment, les règles restent les mêmes. Donc, je ne prends que pour les gens comme moi, des gens qui ont travaillé à partir de 24 ans, 25 ans, qui n'ont pas un travail difficile. Et donc, oui, j'étais étudiant. C'est clair que le vôtre, il n'est pas difficile. Bah, le vôtre non plus, hein. Si. Bah oui, moi, dans les ors du Palais du Luxembourg, je suis peinard, hein, moi aussi. Oui, aussi, je la fais. Hein. Bon, c'est toujours le même registre. Voilà, voilà ce que veut Éric Zemmour. Quand vous buez au Figaro, vos collègues, ils ne se rappellent pas d'avoir bu en vous un travailleur forcené. Ils ont tort, vous voyez. Vous devriez le... S'il vous plaît, restons sur les retraites. Merci. Alors, s'il vous plaît. Vous, votre proposition, c'est quoi, Jean-Luc Mélenchon? C'est 60 ans. Vous, vous enlevez 2 ans. Pourquoi? Alors, parce que je pense qu'on a... Quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse, comme ça? Le revoilà. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Mais ça rend sourd. Hein. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh là là là. Ah, bon, reculez devant rien. La démagogie et vous, ça connaît. Hein. Quant à vous, vous êtes grossier, vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Bah, voyons. Les musulmans, bah, les gosses handicapés, bah, les familles qu'on doit regrouper. Mais oui, c'est ça. Alors, vous gardez vos remarques. Vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous reste, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. C'est drôle. Alors, allez, bah, sur les retraites, facilement, quand même. Ouais, hein, ouais, avez... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur les retraites. Alors, je pense que... En plus, on observe une chose. Compte tenu de ce que vivent les gens depuis un certain nombre d'années, compte tenu des contaminations qu'on a pu observer, qui sont le résultat de l'utilisation des pesticides et de tous ces sujets, l'espérance de vie en bonne santé recule. L'espérance de vie, tout court, recule aussi. Plus légèrement en France, dans certains pays, c'est très brutal, là où ils ont étendu la retraite, très tard. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, 64 ans. Ça veut dire que pour avoir une retraite à taux plein, si vous avez démarré à 23 ans, comme vous venez le dire, à quel âge ça vous fait arrêter? 66, 67. Non. Moi, je à 65, 66, 67. Ouais. Pour moi, je parle pour moi. Mais sans décote. Vous mettez combien d'années? Bah moi, j'ai reçu mon papier, oui. Ouais. Ah, vous voulez dire après ma réforme? 20, oui. Ah, alors, pardon, je croyais... Vous augmentez le nombre d'années de cotisation? C'est ce que je... Par la force des choses. Par la force des choses. Bien. Donc, on passe de 43 ans à... 44 ans, voilà. Plus 23, qui est l'âge auquel démarre la moyenne des Français, 67. Égale 67. 67. Et ben j'ai 63 ans, ça me bat très bien. Aujourd'hui, à 62 ans, il y a déjà un quart des gens qui sont morts avant de toucher leur retraite. Les plus pauvres et ceux qui ont les travaux les plus... J'ai dit... Il va moduler pour les... Non, j'ai dit bon, les travaux les plus pénibles. Non, mon exposé. Mais il module pour les... Voilà. Oui, il module, il module. Il commence par dire quelque chose... Hein, qui est vite passé comme ça. Les cotisations sont écrasantes. Les cotisations patronales, je parle de celles... de la très grande industrie, puisque là, du CAC 40, en gros, plus celles qui viennent en dessous. Moi, j'ai prévu qu'ils cotisent ensemble à un pot commun pour payer l'ensemble des retraites. Attendez, Éric Zemmour, deux petites minutes. Juste, Éric, attendez, je peux terminer ou pas? Non, mais sur l'espérance de vie, parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, voilà, c'est même quand on arrête à 60 ans, on se dit on va vivre 15, 20 ans sans travail. C'est pas le cas. Voire 25 ans. Mais si, monsieur Mélenchon. Et c'est pas le cas pour beaucoup de métiers. En tout cas, c'est pas le cas pour les gens. Mais il y a des gens qui meurent à 40 ans. Il faut que vous sachiez, Cyril Hanouna, que la première fois qu'on a établi une loi sur la retraite, c'était en 1910. Et c'était 65 ans. Ce que proposent des gens comme M. Zemmour ou comme les autres, c'est de revenir à pire que c'était à l'époque. Mais à quel âge on vivait en 1910, M. Mélenchon? Les gens avaient dit à l'époque, Jean Jaurès avait dit, on prend, c'est pas génial, mais on prend. Mais... Alors les gens vivaient en effet moins longtemps. Oui. Depuis, les gens vivent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent moins longtemps. Non, parce qu'il y a des progrès de la médecine. Il y a un rapport entre le nombre d'années au travail, monsieur, pas que pour ça, et de l'hygiène. Monsieur Hanouna, vous et moi, peut-être qu'on aura la chance de tirer le bon numéro du code génétique et de ne pas être exagérément exposés à toutes sortes de vicissitudes. Mais vos enfants, qui sont contaminés aux pesticides, ils ne vivront pas aussi vieux que vous, en aussi bonne santé que vous, je vous le dis. On voit la moyenne, moyenne d'espérance de vie monter... non, elle baisse. Non, elle reste à la... Monsieur Hanouna, vous pouvez me croire. L'espérance de vie en bonne santé diminue dans notre pays. Et dans tous les pays développés. Et dans tous les pays développés. En 1910, on n'a pas la même espérance de vie. Je viens de vous le dire. Monsieur Mélenchon. Je viens de vous dire que si on a vécu plus longtemps, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on a créé le Code du travail depuis 1905 et que donc on a réduit le nombre d'heures au travail dans la semaine et dans l'année. Et ensuite, dans la vie. C'est parce qu'on a travaillé moins longtemps qu'on a vécu plus longtemps. Monsieur Mélenchon, est-ce que je peux vous poser une question? Ah, je termine, il n'y a pas que vous qui pouvez expliquer ces idées. Donc, je considère que quand le mot-clé, c'est Comment on paye ça? C'est ça, bah oui, ça le mot-clé. On est d'accord, voilà. C'est ça le problème. C'est la question que j'allais vous poser. Bah voilà. Ben, voilà, vous défendez toujours le système par répartition. Laissez-le parler. Non mais attendez, c'est important. Non mais attendez, mais vous défendez toujours le système par répartition. Éric Zemmour, laissez-le parler. Comment on paye ça, Jean-Luc Mélenchon? Voilà. Alors. Merci, merci. Merci. Alors, d'abord, j'ai une solution simple, si vous voulez, à tout prix. Ça a été calculé par ceux qui s'en occupent. Si vous payez les femmes, comme les hommes, à qualification égale, le surcroît de cotisation vous paye la retraite à 60 ans pour 40 annuités pour tout le monde. C'est de la magie, là. Si ça... Non, c'est pas de la magie, c'est des comptes. Vous ne savez pas ce que c'est. Ah oui, bah deuxième élément, vous pouvez, si vous le voulez, augmenter les cotisations à la retraite pour ceux qui sont au-delà de 3 500 € par mois et qui, aujourd'hui, ne paye pas un supplément pour 2%. Si on augmente d'un point, on peut payer de 2 points, on peut payer la retraite à 60 ans, à 40 annuités, pour tout le monde. Troisième élément, s'il fallait, c'est une troisième solution, s'il fallait trouver des ressources supplémentaires, permettez-moi de vous dire que le capital accumulé, et qui s'est accru d'une manière incroyable pendant la crise, permet d'augmenter les cotisations patronales. Mais, comme nous aurions un problème avec la petite entreprise, je propose qu'on fasse une caisse commune à laquelle tous les groupes cotiseraient de manière à ce que la charge ne repose pas sur les très petites entreprises. Voilà mes solutions. Donc, je sais le financer, ça ne ruinera personne. Par contre, ce que ça fera, c'est que des gens étant à la retraite et personne en dessous du seuil de pauvreté, vous aurez des gens qui pourront participer à la vie collective, qui pourront s'occuper des autres, qui, ayant le plus souvent des recettes assez modestes, vont dépenser leur argent. Ils ne vont pas acheter des actions avec. Et c'est ces dépenses qui vont faire tourner la machine à produire et à consommer. Par conséquent, d'un bout à l'autre, c'est profitable à toute l'économie. Tandis que tous ceux qui veulent mettre les gens au travail plus longtemps, qu'ont-ils comme résultat? C'est le comité qui s'occupe d'orientation des retraites qui a donné cette réponse, que moi je développe depuis des années. Tous les gens que vous maintenez, entre guillemets, au travail, au-delà de 60 ans, ne trouvent pas d'emploi. Ah. Ou bien ne trouvent pas à se réembaucher. Et donc, ils sont à la charge de l'assurance chômage, ou bien à la charge de l'assurance santé, parce qu'ils tombent malades de désespoir, d'angoisse et de la fatigue de leurs années de travail accumulées. Alors, voilà pourquoi, quand ce monsieur veut augmenter les années de travail, ça veut dire qu'il coule la caisse des allocations chômage et qu'il coule la caisse des allocations maladie. On va le laisser répondre. On va le laisser répondre. Parce que ça là-dessus, vraiment, je le vois énormément de réactions des Français sur les retraites. C'est une question importante. C'est important. C'est une question importante. Oui. Il y a deux choses. D'une part, c'est pour ça que je demandais à M. Mélenchon, est-ce qu'il est toujours pour le système par répartition? Je pense que oui. Le système par répartition, vous savez tout ce que c'est, c'est-à-dire que c'est les gens qui travaillent, qui payent les retraites des gens qui ne travaillent plus. Or, il faut un rapport entre les actifs, ce qu'on appelle, et les inactifs. Pas forcément. Vous voyez, vous m'interrompez tout le temps. Laissez-moi finir, j'en ai pour 2 minutes. Les actifs qui étaient dans les années 50-60, 5 pour 1 inactif, on est aujourd'hui à 2 pour 1 inactif et on sera bientôt à 1,2. Donc, il n'y aura pas assez d'actifs pour payer les retraites des inactifs. Deuxièmement, il y a un point important dans ce qu'a dit M. Mélenchon à la fin, qui est effectivement qu'on va mettre des gens qui vont continuer à travailler alors qu'en fait, ils sont déjà chômeurs. La moitié des gens qui prennent leur retraite aujourd'hui sont déjà au chômage et c'est absolument scandaleux. Donc je propose, pour équilibrer la mesure que j'ai présentée, d'imposer aux patrons, aux chefs d'entreprise, de ne plus renvoyer des gens entre 55 et 65 ans. Et donc de faire un système de bonus-malus, un peu imité sur le système de la parité, vous savez, homme-femme. On étudie si les chefs d'entreprise ont respecté l'équilibre, et sinon, s'ils n'ont pas respecté, il y a des sanctions financières. Et Hollande qui avait inventé ça, ça n'a pas marché. Il a inventé beaucoup de choses. Heureusement. Et non, si ça a marché, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça a marché. Je suis désolé. Je suis désolé. On aura des sanctions, ça devrait vous plaire, sur les chefs d'entreprise qui ne respectent pas et qui mettent avec moi, il n'y a pas de sanctions. Bah oui, un système. C'est bien mon système. Mais non, votre système. Ça se passe dans la joie et le bonheur. Votre système, il ruine les caisses de. Jean-Luc Mélenchon, il y a plein de gens qui disent C'est génial ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur la parité homme-femme qui pourrait payer... c'est lui qui dit ça, oui. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Il dit, il y a plein de gens qui disent c'est génial, mais est-ce que ça tient? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez chiffré ça? Ah ben oui. Ceux qui nous ont dit ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, j'ai pas les moyens ni le talent. Puis je vous rappelle que... Qu'est-ce que ça veut dire que la parité homme-femme va payer les retraites? Mais dans toutes les administrations... C'est de la magie, ça. C'est de la magie, pardonnez-moi, c'est de la magie. Attendez, mais je viens m'occuper de ce que vous avez dit. Allons-y. Dans toutes les administrations où il y a des gens qui travaillent, et bon, bah, il y a beaucoup de mes amis. Et on me dit, voilà, comment les choses peuvent s'organiser. Donc c'est faisable, ça? Oui, oui, oui. Je suis absolument certain de mon compte. Il n'a pas le bon argument contre. Moi, je le connais, mais c'est pas à moi de le sortir. Alors, vous l'avez ? Bah, donnez-le nous. Donnez-le nous. Bah, on va me dire comment vous allez faire pour constater... Parce que là, vous nous avez parlé de magie. Donnez-nous les secrets de votre tour. Comment vous allez faire dans les entreprises pour vous apercevoir du fait qu'il y a des femmes qui ont des qualifications égales à celles des hommes et qui sont payées moins. Donc, clairement, la réponse, c'est que je peux pas le savoir si je n'en crée pas les conditions. Pour que j'en crée les conditions, il faut donc qu'il y ait dans l'entreprise de la démocratie et de la représentation du personnel avec ses différents comités. Et notamment sur les comités parité homme-femme, ce qui faisait partie d'un certain nombre des attributions des délégués du personnel dans le passé, ou délégués syndicales, ou délégués du comité hygiène, sécurité, environnement. Bon, voilà comment je peux le savoir. Donc moi, je ne me suis pas caché du fait qu'avec moi, il y a une participation populaire extrêmement intense à la mise en œuvre de ma politique. Mais je reviens sur ce qu'a dit M. Zemmour tout à l'heure. C'est ça, parce qu'après, on va libérer Éric Zemmour et on a d'autres... Est-ce que vous êtes partisan du système par répartition? Oui, et je m'oppose absolument au système de retraite par points qu'a voulu établir M. Macron. Moi aussi. On est d'accord là-dessus. Dans la répartition, comme il dit, ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent pas. Mais il n'est pas dit qu'ils payent tout ce qu'il faut pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, on peut imposer sur le capital la part qui viendrait à manquer. Vous voulez un système de capitalisation? Non, mais il faut le dire, monsieur Mélenchon. On prend tous les ans ce dont on a besoin. Ah oui, carrément. Ah ben oui, tous les ans ce dont on a besoin, bien sûr. Parce que c'est la confiscation communiste. Ma quatrième solution, Baba, figurez-vous, et la suivante. J'aime bien quand vous m'appelez Baba. Écoutez, je me souviens pendant quelques années où, comme il dit, j'étais élu, élu moi, pas nommé, parlementaire, je me battais contre déjà les tentatives de réformer les retraites et je disais, écoutez, si vous mettez 1 million de gens au travail, il n'y aura plus de trous dans les comptes de la sécurité sociale. Quand il y a eu le gouvernement de Lionel Jospin, il y a eu plus d'1 million. Ça a été la période où on a créé le plus d'emplois de tout le siècle, grâce à la réduction du temps de travail. Non, grâce à la croissance. Eh bien, tous les comptes sociaux ont été mis au vert. Grâce à la réduction du temps de travail. Eh bien, je vous dis la même chose. Ma politique, parce que là, on prend par un bout. Je vous ai amené les éléments qui répondent à ce bout. Mais il y a tout le reste du programme. Et dans tout le reste du programme, on embauche beaucoup. On fait travailler beaucoup. Et donc, comme il y a beaucoup de cotisations, nous ramènerons l'équilibre dans les comptes parce qu'il y aura beaucoup plus de gens pour cotiser parce qu'ils seront au travail. Et je vous promets qu'il y aura plus d'1 million de gens qui seront mis au travail. Et donc, les comptes seront d'équilibre. Jean-Luc Mélenchon, donc pour vous, retraite à 60 ans. Éric Zemmour, retraite à 64 ans. Vous savez quel âge tous les deux ? Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'en ai 70. Moi, 63. Mais vous êtes en super forme tous les deux, regardez. 70 ans, vous avez envie d'être président, vous n'allez pas être à la retraite. Mais c'est pas, un métier. Bah si. Non, non, c'est pas un métier, c'est un mandat. Oui, mais bon, c'est un mandat. Non, mais attendez, j'ai le choix. Vous allez travailler pendant 5 ans. Écoutez-moi, monsieur Hanouna. Vous allez être président. Oui, oui, je travaille. Non, mais bien encore heureux. Bah oui, donc vous allez travailler à 70 ans. J'ai le choix à cet instant, je peux vous dire, finalement, j'ai changé d'avis, je rentre chez moi. Bah non, on a encore de l'émission. Écoutez-moi, je peux le faire. Mais ça pourrait être ce soir. Bah oui, donc, écoutez-moi, monsieur Hanouna, je peux décider que j'arrête. Quand vous êtes au travail à 60 ans et que la retraite est à 63 ou à 64 ou à 65, vous ne pouvez pas dire au patron « Ah ben finalement, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, je rentre chez moi ». Vous pouvez prendre votre retraite plus tôt. C'est la différence entre un mandat qui est choisi librement et qui m'est donné par des électeurs et une obligation. Savez-vous, monsieur Hanouna, que c'est la seule situation en France, la seule situation où quelqu'un signe un papier et où il accepte d'être en situation de subordination. C'est le contrat de travail. Vous allez remettre en cause le salariat maintenant. Mais attendez, je suis en train de vous expliquer ce que c'est, vous n'êtes pas au courant. Juste, donc j'explique aux gens ce qu'il y a dans le travail. On va clôturer. On a l'impression d'être... Une dernière petite chose. Vous avez vu que Emmanuel Macron a dit que s'il se présentait, il ne ferait pas de débat du premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Mélenchon? Moi, je trouve pas ça très normal. Alors, à chaque fois, on me dit « Ah oui, mais François Mitterrand a fait pareil ». Je m'excuse, mais il y avait eu un débat qui avait duré 3 ans avant. Ils étaient en cohabitation. Donc, on s'était bien fighté. Ouais. On savait exactement sur quoi on était d'accord ou pas d'accord. Là, il a quand même créé une certaine pagaille dans ce pays. Personne ne va pouvoir lui demander de compte. Il va arriver au dernier moment. Il va raconter 4 trucs. Personne ne pourra entrer dans le détail, ni lui répondre, ni lui dire « Écoutez, vous racontez des histoires ». À part le finaliste. Alors, à part le finaliste, bien sûr, mais enfin, c'est pas normal. Une élection, c'est pas une formalité administrative. Vous savez, dans tous les pays d'Europe... Non, mais attends, les gens nous regardent de travers en disant « Mais c'est quoi le régime politique chez vous en France ?» Parce que les Allemands, quand ils ont eu une présidence de l'Europe, alors qu'ils avaient une élection, c'était M. Gerhard Schröder, que je porte pas dans mon cœur, mais ce Gerhard Schröder a dit « Bah non !» Je passe mon tour et nous serons présidents le coup d'après. C'est ce qu'il aurait dû faire. Donc aujourd'hui, à cause de lui, la France est abaissée en Europe. Elle a moins d'autorité. Lui fait campagne sans qu'on lui demande des comptes de campagne parce qu'il fait ce qu'il veut. Hein. Pour l'instant, il n'est pas en campagne. Ben, il n'est pas en campagne. Il n'est pas encore déclaré candidat. En attendant, il distribue des tracts. Il annonce des mesures. Il propose des choses jusqu'à 2030. Ah ben oui, ben ça s'appelle faire campagne. Il va se déclarer. Alors moi, on va me demander des comptes. À lui, on va lui demander des comptes, mais pas à celui-ci. Ouais. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est pas la monarchie ici. Ça se transmet pas comme ça de l'un à l'autre. Donc je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire, c'est très grave parce qu'il y a des sujets. Il y a plein de sujets dans une présidentielle. Mais il y en a qui sont strictement de la responsabilité du président de la République. C'est la politique étrangère, la politique de la défense. Ce sont les sujets du président de la République. Je vais proposer de débattre de la défense. Il y a des gros problèmes, monsieur Hanouna, c'est trop compliqué. S'il fait son face à Baba, vous viendrez face à lui. Il refuse. Ah ben, s'il vient là, moi, je suis prêt à discuter avec lui. Sa politique en Afrique est une catastrophe, la politique de défense est nulle. Enfin bon, on a le droit quand même de pouvoir entendre une réponse, savoir pourquoi il prend des décisions aussi absurdes. En 30 secondes, Éric Zemmour sur le président, qui dit que s'il se représente, il ne fera pas de débat avec lui. Non mais moi, je trouve absolument scandaleuse... Tous ces gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui refusent de débattre. Il n'y a pas que lui. Lui, c'est scandaleux. Oui, mais lui, c'est un cas à part. Il est président, je sais. Oui, il est président. Mais, sauf que quand il devient candidat, il n'est plus le président. Il est président de la République française, mais il devient un candidat comme un autre. Donc il devrait se soumettre aux règles des autres. Et je vous dis... C'est notre début de conversation. Oui. À part Jean-Luc Mélenchon et moi... Personne ne veut débattre. Alors, Éric Ciotti voulait venir face à Jean-Luc Mélenchon, je tiens à le signaler. Mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Non, mais je vous le dis. On lui souhaite de se rétablir à M. Ciotti s'il est malade. Ce que vous nous dites, bien sûr, il n'est pas candidat. Mais ce n'est pas lui qui est candidat, c'est Mme Pécresse. Vous viendrez face à elle. Voilà, Jean-Luc. Voilà, très bien, je vais vous appeler. Merci. Merci à vous. Éric Zemmour d'avoir été là. On va continuer l'émission dans un instant avec Charles Consigny. Tu seras avec nous, on va parler... de ce que Charles Consigny appelle le racisme anti-riche. Avec Jean-Luc, ça va Jean-Luc? Prenez un petit truc à boire, vous voulez un petit truc à manger? Petit truc, une petite omelette norvégienne? Non, ça va, merci. Ça va bien? Et vous-même? Non, moi ça va, alors là je ne mange pas. Si vous voulez, on ira manger tous les deux après. C'est pour moi, c'est cadeau. A tout de suite. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Face à Baba en direct, 22h43. On est avec Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être là. Et vous êtes maintenant face à Charles Consigny. Charles Consigny, avocat d'affaires. Et vous venez de rejoindre Valérie Pécresse. Absolument. Alors, ça y est, vous êtes... J'essaye en fait de remettre mes fiches dans l'ordre parce qu'il y a des ventilateurs très puissants qui ont failli me faire perdre toutes mes fiches. Et comme je vais... Vous voulez qu'on vous rappelle dans une heure? Non, non, mais comme j'aimerais avoir un échange sérieux, voilà. Alors, on va parler richesse et réussite en France. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il faut un partage des richesses ferme, assumé, déclaré, qui ne se cache pas derrière des demi-expressions. Et ce que dit Charles Consigny, le projet de Jean-Luc Mélenchon est un puissant dépresseur collectif. Il décourage le travail, il casse les rêves, il ne respecte pas les individus. Vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, rétablir l'ISF. Vous avez dit aussi que celui qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche partira avec 12 millions d'euros maximum d'héritage. Le reste, on le donnera à tous les autres jeunes gens pour qu'ils puissent étudier sans être obligés d'aller se casser le dos tous les soirs. Avant d'ajouter, celui à qui il restera 12 millions d'euros ne plongera pas dans la détresse et de la misère. Sur l'impôt sur la fortune supprimé par Emmanuel Macron, pour vous, le moment est venu que les riches soient solidaires. Alors, ce que vous reproche Charles Consigny, vous parlez, Charles Consigny, d'un racisme anti-riche. Excusez-moi, je crois avoir jamais utilisé cette expression de racisme anti-riche. Je peux... considérer qu'il y a dans le programme des Insoumis une espèce de complexe avec la richesse et avec la réussite en général. En revanche, je ne parlerai pas de racisme anti-riche, je sais ce que c'est que le racisme, et donc les mots, voilà. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon? Parce que vous dites que c'est un briseur de rêve. Non, écoutez, moi c'est global. D'abord, ce que je voudrais dire quand même, même si ce soir il a pas particulièrement montré avec Éric Zemmour, c'est que moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est un homme politique de qualité. Je pense que c'est quelqu'un avec qui c'est intéressant de débattre. Et dans une classe politique qui est devenue, malheureusement, peut-être parce qu'on tape trop sur les hommes politiques, qui est devenue un endroit où il n'y a pas forcément toujours les meilleurs, je trouve que Jean-Luc Mélenchon fait plutôt honneur à la vie politique de par la manière dont il exerce son mandat, et je ne rejoindrai certainement pas l'antiparlementarisme d'Éric Zemmour, qui est en effet une vieille antienne de l'extrême droite et qui est extrêmement néfaste, d'autant qu'on sait que les élus aujourd'hui ne sont pas particulièrement privilégiés. Au contraire, il y a beaucoup de mandats qui sont sacrificiels. Allons sur le sujet maintenant. Mais sur le sujet que vous évoquez, moi, ce que je pense, d'abord, c'est que malgré tout, le programme et le projet et les idées que porte Jean-Luc Mélenchon, d'abord, elles n'ont marché nulle part. Ça n'a jamais marché, le collectivisme. Ça a le plus souvent abouti à des politiques criminelles. On le sait, le communisme a des millions et des millions de morts sur la conscience, des camps sur la conscience, des vies brisées, que ce soit en URSS, que ce soit à Cuba, dont vous avez, Jean-Luc Mélenchon, une idée assez nuancée qui, à mon avis, est... quelque chose qui n'est pas acceptable dans la mesure où des millions de gens souffrent et ont souffert à Cuba. Et c'est vrai, voilà, partout dans l'histoire, Jean-Luc Mélenchon, son parti, son idée, s'inscrit pour moi dans une tradition historique qui est une tradition criminelle et qui a montré qu'elle ne marchait pas. Et ensuite, je lui fais un double reproche, c'est que avec un programme qui, en fait, est un programme d'extrême-gauche classique où il va s'agir d'augmenter encore les impôts, de faire plus de redistribution, etc. En France, je rappelle que la France est quand même leader mondial, à part la Corée du Nord et Cuba, du taux de prélèvement obligatoire. Donc on peut les augmenter encore et encore, peut-être pour se rapprocher de ces deux extrémités, mais enfin on est déjà très très haut. Et donc moi je me dis, vous l'avez dit, je suis un jeune avocat, je ne suis d'ailleurs pas avocat d'affaires, mais plutôt avocat pénaliste, ce qui me met aussi au contact de certaines réalités qui me font réfléchir. Je me dis, mais est-ce que vraiment la France a besoin de sombrer dans quelque chose qui peut-être s'est passé au Venezuela? C'est un autre exemple que Jean-Luc Mélenchon. Si vous donnez, alors Venezuela, il va penser à Éric Nolot, c'est pas bon pour lui, parce qu'il lui parle de ça à chaque fois. Donc, bon, je salue Éric Nolot, décidément il y a une forte présence d'une émission bien connue ce soir. Mais voilà, moi je me dis, c'est pas du tout ça dont la France a besoin, et un jeune avocat comme moi qui a monté son cabinet et qui est confronté à devoir payer ses charges, à devoir payer ses impôts, à devoir payer un collaborateurs et qui voient tout ce que déjà l'État, les administrations sous toutes leurs formes se permettent de prendre pour un résultat qui, pardon, n'est pas optimal. On ne peut pas dire que les services publics fonctionnent tous correctement en France. Moi, je suis pour les services publics essentiels. Je ne suis pas un libéral caricatural. Eh bien, on n'a vraiment pas besoin de ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin d'un programme qui réforme le pays, d'un programme qui baisse les impôts, d'un programme où justement on utilise les deniers publics pour les premiers de corvée. Vous parlez, je sais, Charles Consigny, vous voulez que les jeunes aient de l'ambition. Vous dites, voilà, en fait, on brise l'ambition des jeunes. Oui, moi, je pense, si vous voulez, j'ai vu, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que cette rhétorique, en fait, là où le plus gros reproche que je lui ferais, c'est que elle nie en fait la valeur du travail individuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être poussé à vous dépasser, à travailler beaucoup. Je ne peux pas, moi, créer mon cabinet, travailler 20 heures par jour, essayer de faire en sorte de surnager dans quand même l'enfer fiscal et administratif qu'est la France, si c'est pour qu'après des gens qui sont en plus plutôt des rhéteurs, qui sont plutôt des rhétoriciens, qui sont des gens qui se payent de mots, qui le font bien peut-être, mais qui, à mon sens, ne sont pas dans la réalité ni dans la crédibilité, si c'est pour que des gens-là viennent me prendre le fruit de mon travail. C'est pour ça que j'ai annoncé, cher Cyril, cher Baba, je ne sais plus comment il faut vous appeler, c'est pour ça que j'ai annoncé, en effet, mon soutien à Valérie Pécresse et mon implication dans sa campagne, parce que moi, je pense qu'on a besoin de redresser ce pays. Je n'ai pas envie que la France décline et je n'ai pas envie que les Français, demain, vivent dans un pays précarisé et paupérisé. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est clair. Je pense que Jean-Luc Mélenchon aussi n'a pas envie que la France décline. Non, je ne suis pas sûr. Je voudrais dire d'abord à M. Consigny, je le remercie de ses paroles aimables du début. la France, elle vit déjà dans la misère. 9 millions de Français sont pauvres, 300 000 de plus depuis le début du quinquennat de M. Macron. Il y a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Il y a 12 millions de personnes qui ont froid. Donc la France, elle vit dans ça. Et elle vit dans la pénurie, puisque les exemples que vous m'attribuez, moi je ne suis ni pour le régime de la Corée du Nord, ni pour le régime du Venezuela. Vous avez rendu hommage à Fidel Castro quand il est mort. Attendez. Vous avez dit que vous aviez le cœur brisé. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Un homme qui a régné 55 ans sur son pays. Oui, régner, je ne crois pas que ce soit le bon mot. Ah bon, 55 ans, c'est quoi? Écoutez, si vous voulez, on fait une émission sur Cuba et vous m'expliquez pourquoi. Lorsque tous les ans, le Conseil de l'ONU vote contre l'embargo sur Cuba, qui souffle... Donc c'est la faute des Américains si Castro a régné 55 ans à Cuba. Il y a 3 pays qui votent pour qu'on maintienne l'embargo et tous les autres comptent. Et cette résolution des Nations Unies n'est jamais appliquée. Je vous propose qu'on laisse de côté. Oui, on laisse. Les exemples. On en reparlera. Non, mais on peut les laisser de côté. Mais c'est intéressant de savoir de quoi vous vous inspirez. Non, vous avez aussi rendu hommage à Chavez, qui a plongé le Venezuela dans l'abîme. Et c'est là que les gens ont eu faim. Et c'est là que les gens ont eu froid. Et c'est là que les gens n'ont même plus pu s'acheter une baguette de pain. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est là que les gens. Je vous le conseille. Je veux bien vous le conseiller. Ça dépend. C'est là que les gens n'ont plus pu s'acheter une baguette de pain parce que vous aviez 500% d'inflation et vous avez rendu hommage à Chavez. Je connais toute la propagande des gringos sur le sujet. Est-ce que vous permettez une réponse? Jean-Luc Mélenchon, répondez. Est-ce que vous permettez une réponse? Oui, on vous l'a permis. Nous allons essayer de parler de notre pays. Je veux bien parler des autres. Je ne suis pas gêné par ça. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Je vous propose qu'on parle de notre pays. Vous soutenez une candidate à la présidence de la République française. Et je suis candidat à la présidence de la République française. Il se trouve qu'en effet, vous dites ça n'a jamais marché nulle part. En effet, mon programme n'a jamais été appliqué nulle part. Et je pense que vous ne l'avez pas lu parce que c'est ni le programme de l'Union soviétique, ni le programme de Cuba, ni de qui vous voulez dans ce monde. Je l'ai lu. C'est autre chose. C'est une autre synthèse qui est proposée, dont la formule globale, alors vous appelez ça de la rhétorique, dit l'harmonie des êtres humains entre eux, c'est-à-dire les uns ne surexploitent pas les autres, n'exploitent pas les autres, et donc... pas d'inégalité, le plus d'égalité possible, le plus de chance dans l'existence, et puis avec la nature. C'est autour de ces deux formules, peut-être qu'on peut faire mieux que ce que je propose, mais regardons ce que vous proposez, ce que je vous propose, mais en étant honnête. Moi, je sais qui vous êtes et quelle idée vous vous faites du monde. Et je reconnais, oui, je vais vous dire, vous et moi, nous sommes séparés par quoi? C'est ambitieux. Il y a 2 mots, solidarité, compétition. Je ne crois pas que vous soyez contre la solidarité. Je ne crois pas. Mais... vous pensez que la solidarité, c'est bien, jusqu'au moment où elle va étouffer la compétition, parce que la compétition, c'est le moteur de l'histoire. Je ne suis pas obsédé par la compétition. Quant à moi, je ne suis pas contre la compétition, mais pas au point qu'elle remette en cause la solidarité. Alors, c'est là-dessus. Je ne suis pas un représentant des élèves d'HEC, hein. Je ne suis pas obsédé ni du MEDEF. Je ne suis pas obsédé par la compétition. Je ne suis pas un jeune de Neuilly. Tout ça, vous avez tort de les mépriser parce qu'il y a des gens. Mais je ne les méprise pas. Mais vous essayez de me caricaturer. Vous essayez de me caricaturer. Est-ce que moi j'ai parlé de compétition? Je vous parle de l'effort individuel et de. Essayez d'être sympa. Je vous parle de. Je vous reconnaissez, vous acceptiez la solidarité. Vous n'étiez pas très sympa tout à l'heure, donc je suis un peu sur mes gardes, je vous avoue. Vous avez traité Zemmour de chien, par exemple. C'est pas l'idée que je me fait forcément du débat politique. N'essayez pas de me caricaturer. N'essayez pas. C'est vous qui rendez hommage aux dictateurs qui ont du sang sur les mains. C'est pas moi. Ça, c'est votre business et c'est vérifiable pour tout le monde sur Internet. Je vous dis juste, il ne faut pas me caricaturer. Vous avez raison. Je ne vous parle pas de compétition. Je vous parle de la récompense au mérite individuel sur laquelle vous vous asseyez. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est, on peut parler. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Je vous en prie. J'essaie juste de ne pas être caricaturé. Moi, je n'essaye pas de vous caricaturer. Je voudrais qu'on réponde, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est... vous avez dit que ça avait été tenté dans aucun pays, ce dont parlait Charles Consigny et votre politique économique. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir en France? Mais bien sûr, mais c'est pas le sujet. Nous ne croyons... moi, je crois à la valeur de l'imagination, de l'invention, du besoin de se dévouer. Je ne crois pas que la cupidité soit un moteur suffisant. Et ça suffit que des gens disent ce que l'État nous prend, nous pompe, etc. L'État fait plein de choses dans ce pays. Il ne le fait pas bien partout, et surtout, il le fait mal partout où on l'a privé de ressources. Ça, c'est vrai. Mais vous avez entendu, vous comprenez, on a l'habitude de laisser s'enchaîner des phrases qui n'ont pas de sens. Du genre, nous sommes le record du monde des prélèvements obligatoires. C'est une réalité factuelle. Tout le monde de frémir. Hein. Mais Jean-Luc Mélenchon, si tous les grands industriels partent de France, comment on fait ? Bien sûr, ils vont tous partir. Mais écoutez-moi, pourquoi ils sont là, à votre avis? Il n'y a personne qui est capable de travailler? Combien produit ce pays tous les ans? Les industriels, ils sont de moins en moins là. Alors, quand il dit le prélèvement, record du monde de prélèvement obligatoire, écoutez-moi, restez dans votre rôle de... Non mais Jean-Luc, comment on fait? D'accord? Bon, je me permets de vous faire cette remarque, parce que je veux dire qu'on dit le record du monde des prélèvements obligatoires. Mais parce qu'on ne compte pas la même chose dans tous les pays. Si vous comparez ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires en France avec ceux qui ont lieu, par exemple, en Angleterre, alors en effet, ils en ont moins que nous. Mais pourquoi? Parce que les travailleurs doivent s'assurer, avoir une assurance sociale qu'ils payent, mais qui n'est pas comptée dans les prélèvements obligatoires, parce qu'ils doivent se payer la retraite par un régime de retraite qui n'est pas compté dans les prélèvements obligatoires. Oui, mais ça, c'est trop facile. Tandis qu'en France, on globalise dans le calcul tout ce qui est en prélèvement dit obligatoire. Et puis, il y a les prélèvements contraints. Par exemple, quand vous payez l'assurance de vos enfants, M. Hanouna, quand ils vont à l'école, eh bien, c'est une dépense contrainte. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, je ne le fais pas », parce que vous êtes responsable, et d'ailleurs, c'est obligatoire. J'essaie d'avoir une petite histoire. Bon, ben donc vous le faites. Vous faites comme tout le monde. C'est pas compté dans les prélèvements obligatoires. Non, non, c'est sûr. On pourrait compter le concept de prélèvement obligatoire. Vous faites rentrer dedans ce que vous voulez et vous enlevez ce que vous voulez. Donc ce n'est pas vrai que la France soit le pays le plus dépensier. Il est vrai que c'est un pays qui a des traditions égalitaires plus vives que dans d'autres. Exemple, autrefois, dans les pays nordiques, quand il y avait un accord entre le syndicat des ouvriers et le syndicat de patrons, ça s'appliquait à tous ceux qui étaient syndiqués, soit chez les patrons, soit chez les ouvriers. Et seulement cela bénéficiait de l'avantage. Nous, en France, quand une convention était signée, elle était étendue à tous les travailleurs. Si bien que le régime de la République sociale française est, à mes yeux, un régime plus performant pour les travailleurs que la simple contractualisation entre patrons et ouvriers. Je pense qu'il ne faut jamais enlever le contexte d'un pays pour comprendre comment il fonctionne. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je dis à quoi je crois, moi. Au nom de quoi, moi, je serais contre la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour quelle raison voudrais-je que mon pays échoue? Quand je vais dans une école d'ingénieurs, comme ce fut mon cas récemment à Nantes, de quoi suis-je allé parler avec eux? Des inventions que ces jeunes gens qui sont là sont capables de mettre en œuvre pour capter l'énergie de la mer qui produit 66 fois ce dont on a besoin à terre. Et notamment qui pourra remplacer les réacteurs nucléaires, parce que je suis pour qu'on les remplace par des énergies qui sont moins dangereuses. Je ne le ferai pas en un jour, je l'ai dit, mais je le ferai avec assez de constance et de détermination. Ce qui fera travailler des milliers de gens, d'abord à inventer, ensuite à produire, enfin à installer, enfin à entretenir. Donc il faut arrêter cette caricature qui a maintenant plus de 100 ans. Il y aurait d'un côté ceux qui ont les moyens et qui savent ce qui est bon pour l'économie et ceux qui ne savent pas. Et qu'on arrête de m'imputer l'Union soviétique. Je n'ai jamais été membre du Parti communiste. Monsieur Mélenchon, je ne vais pas me répéter, c'est vous qui avez des nostalgies bizarre sur la Chine, par exemple, sur le régime chinois. Je n'aime que le futur. Sur le régime chinois, ça se voit pas. Sur le régime chinois, qui est un des pires régimes autoritaires du monde actuel, vous savez très bien que votre groupe et vous-même, vous n'avez pas, voté cette résolution. Vous savez de quoi je parle. Il y a une résolution. On peut s'arrêter un instant. Mais on peut s'arrêter. Vous n'allez pas parler tout seul pendant tout le débat, Monsieur Mélenchon. Mais vous ne pouvez pas engager les gens comme ça. Je sais que vous accusez, vous caricaturez. Non, mais alors ne le faites pas. Dites quelque chose jusqu'au bout et permettez-moi de vous répondre. Tout seul. Vous, si vous voulez, on n'est pas dans un discours de Castro. Oui, justement. Oui, c'est ça. Voilà. Castro, il parlait pendant des heures. Oui, oui, c'est vos références. Pardon de révéler aux téléspectateurs qui vous êtes, qui sont vos nostalgies. Cuba, Venezuela, Corée du Nord. Ne soyez pas vulgaire comme tout à l'heure. S'il vous plaît. Oui, oui, vulgaire. Essayons de rester bien élevés. On arrête là. Juste, moi, j'aimerais bien qu'on reste, s'il vous plaît, sur les impôts, sur l'ISF, sur les droits de succession. Vraiment qu'on reste là-dessus. Voilà. Non, mais si, tout ça. Juste sur les vous avez dit 12 millions d'euros maximum. C'est énorme, hein, déjà, mais 12 millions d'euros maximum. Oui, c'est 8 siècles de SMIC. Ça va? Je sais, oui. Bon. Mais justement... Non, mais c'est juste pour avoir une idée, quoi. C'est énorme, bien sûr. Pour avoir une idée. Vous dites... Et le reste, comment vous faire? Parce qu'il y a des énormes fortunes qui peuvent léguer beaucoup plus en France. Voilà, 100, 200, 300 millions. Le reste, vous le prenez. D'abord, n'allons pas mélanger pour nous éviter une polémique de plus à propos de la Corée du Nord, de Cuba. C'est vous qui revenez, c'est pas moi. Donc, l'outil de travail bénéficie aujourd'hui d'un modèle particulier de protection et dans mon programme, il n'est pas question de le retirer. Donc, nous parlons de ce qui arrive en héritage à une personne en tant que revenu. Au-delà de 12 millions, oui, on prend ce qu'il y a. Mais vous aurez rien à prendre. les jeunes gens héritiers de cette somme. Ça représente 10 à 12 milliards. Mais c'est possible. Ça permet... Ah ben oui, il suffit de le décider. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, un pays communiste bien connu, pendant la guerre, ils prenaient 90% au-delà d'une certaine tranche. Moi, ce que je fais, je ne parle pas d'impôts pour l'instant, je ne parle que de l'héritage. Donc je suis en train de vous dire qu'au-delà de 12 millions, c'est-à-dire s'il y a un 13e million ou s'il y en a un 14e, ceci est pris et redistribué. À qui ? Aux jeunes gens qui sont dans l'enseignement professionnel depuis la classe de seconde, dont on a absolument besoin pour être les cadres intermédiaires de l'activité de notre pays, si un jour on veut le réindustrialiser, depuis le CAP jusqu'au BTS. Et puis à ceux qui sont en faculté, parce que nous avons besoin qu'ils travaillent, qu'ils étudient et qu'ils passent leur temps qu'à ça, de manière à être autant que possible, aussi qualifiés que possible, parce que c'est sur leur intelligence et leur qualification que l'avenir du pays repose. Voilà mon plan. D'accord. Et sur les impôts ? Alors, les impôts, pour l'instant... Mais je peux répondre à ça sur les 14 millions, au-delà de 12 millions, 12. Je prends tout, etc. Oui. Vous prendrez rien du tout, monsieur Mélenchon. Parce que tout ce qui va se passer, c'est que dès l'instant où un gouvernement mettra ça en place, les gens vont s'en aller. Et vous dites que votre programme n'est appliqué nulle part. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est déjà peu ou prou appliqué en France depuis un certain temps. J'ai exposé le taux de prélèvement obligatoire qu'on subit. En réalité, on est déjà un peu dans le germe de ce que vous voulez mettre en place. Vous ne ferez que prolonger les courbes. Moi, je pense qu'au contraire, il faut revenir là-dessus. Et tout ce qui va se passer, c'est que vous mettrez votre règle qui, pardon, je la trouve, disons, absurde pour rester poli, elle n'est pas praticable. Et ça, c'est assez significatif de votre personnage, c'est qu'en fait, vous faites des propositions en l'air, vous êtes là pour le spectacle, vous faites un numéro, vous n'êtes absolument pas dans une démarche qui consiste à devenir quelqu'un qui est crédible. Oui, j'essaye de... Pardon, je défends... Vous êtes sérieux en m'insultant comme ça, mais je ne vous insulte pas, au contraire. Oui, je suis là pour faire un numéro. Oui, vous faites un numéro. Excusez-moi, vous venez avec votre public... Vous venez avec votre public. Non, mais c'était le cas aussi, Éric Zemmour aussi avec son public. Allez, faites un effort. Valérie Pécresse, vous faites des blagues. Excusez-moi, tout à l'heure, monsieur Mélenchon, franchement, c'est la règle du jeu. Non, mais vous avez donné un argument. Vous allez parler tout seul. Oui, comme à Cuba, comme à Venezuela, comme en Corée du Nord, arrêtez de me caricaturer. Vous avez déjà, monsieur Mélenchon, vous allez me laisser finir et vous allez être un minimum poli dans ce débat. Il y a déjà aujourd'hui. Je parle de ma génération, j'ai 32 ans. Il y a déjà énormément de Français qui s'en vont, figurez-vous. Mais oui, et de jeunes Français. Oh là, et pourquoi ils s'en vont? Mais oui, emmènent la patrie à leur semelle. Et pourquoi ils s'en vont? Pourquoi ils vont en Angleterre, aux États-Unis, ils vont même à Dubaï, ils vont à Hong Kong, ils vont dans des tas d'endroits comme ça. Figurez-vous que c'est parce qu'ils trouvent que la France est devenue sinistre, à force d'être un pays qui n'est pas dynamique économiquement et qui n'est pas réformé. Et moi, je trouve qu'en réalité, vous vous foutez de la gueule des gens. Parce que avec votre programme qui ne réforme pas ce pays qui a besoin d'être réformé, en réalité, les premiers qui vont en pâtir, ça va être les premiers de cordée. Parce qu'on pourra plus s'occuper correctement de l'hôpital, parce qu'on pourra plus s'occuper correctement, parce qu'on pourra plus s'occuper à force de ne pas être un pays réformé. C'est pour ça qu'il faut un programme sérieux et une candidature sérieuse. Donc oui, moi, je rejoins Pécresse et j'ai l'impression qu'elle est sérieuse et que son programme est sérieux et qu'elle ne se moque pas des gens et qu'elle est crédible. Parce qu'elle va réformer la France pour qu'on puisse rester justement un pays où on traite dignement les gens et garder votre mépris pour vos amis ou pour l'extrême droite. Non, mais je vous méprise parce que c'est vous qui avez terminé là-dessus. Vous me traitez très mal dans vos propos et tout le monde vient de le voir. Alors partons de l'argument qu'il a donné avant de faire cette diarrhée verbale. Mais on a commencé par... Vous êtes d'une vulgarité qui vous honore pas. Oui, ça va, vous êtes très poli, vous êtes de la haute... Vous êtes vulgaire, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Oui, c'est ça. Alors, vous dites chien, diarrhée verbale... Allons-y, c'est pas bon. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Regardons l'argument. On va mettre de côté le côté tout à fait désagréable du personnage. Regardons l'argument. Il dit, vous foutez du monde, il y en a deux. Mais il n'aime pas être contredit, c'est le problème des leaders dictatoriaux, ils n'aiment pas être contredit. Jean-Luc, vous n'aimez pas la contradiction. Je suis désolé, vous n'aimez pas la contradiction. Jean-Luc Mélenchon, allez-y. C'est vous qui parlez tout seul et tout le temps. On fera le décompte des temps de parole. Si vous aviez lu le programme, si vous seriez moins méprisant, j'aurais envie de vous écouter. Bon, allez, Jean-Luc Mélenchon. Alors, allons-y. Premier argument, il dit, si vous faites ça, les gens sont niais. Ça prouve qu'il n'a pas lu le programme. Car, où caille en français, dorénavant, je ferai comme... les Américains. Ils partiront avant. Les Américains des USA. On ne pourra pas échapper à la persécution. Les USA, pays communiste bien connu, eh bien, quand vous êtes nord-américain, et je vous garantis qu'ils courent après eux dans le monde entier, Où qu'ils soient, ils ont 25% ils leur font payer la part d'impôt qu'ils doivent. Ils ont 25% d'impôt aux États-Unis, monsieur Mélenchon. On est déjà à 45. Écoutez, arrêtez de parler un peu. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Je suis désolé, vous mentez aux gens. Vous pouvez vous taire puisque vous êtes intelligent. Mais vous mentez. Aux États-Unis, il y a 25% d'impôt. C'est pas comparable. Voilà comment ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Je ferai donc pareil. Deuxièmement, il dit les gens s'en vont parce qu'ils trouvent que ce pays leur prend trop. C'est faux. Les jeunes Français qui partent, qui vont travailler à l'étranger, ils y vont. Parce que c'est un intérêt de leur carrière, et ils ont raison, parce qu'ils font des belles choses à l'étranger et qu'ils font valoir la valeur de notre pays, de notre éducation, car ils ont été éduqués en France, et qu'ils sont souvent parmi les meilleurs à l'étranger. Et donc, à l'étranger, ils paieront la part d'impôt qu'ils doivent à la France. En échange, c'est vrai, je m'engage à ce que, pour ce qui concerne les frais de scolarité de leurs enfants, qui n'est pas toujours pris en charge aujourd'hui, ce soit le pays qui le prenne en charge, puisque les enfants en France sont éduqués gratuitement. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, dans mon esprit, on s'arrangera pour que l'enseignement soit gratuit en France. Donc, je ne crains pas que les gens s'en aillent et ne payent pas leurs impôts, parce que quel que soit l'impôt qu'ils ont à payer, ils le paieront, fût-ce s'ils vont en enfer. Et ceux qui partent à l'étranger, je ne leur reproche pas, je ne dis pas qu'ils sont partis par égoïsme ou parce qu'ils n'aiment plus la France, je dis qu'ils sont partis parce que ça fait partie de leur carrière, et j'en suis content. Parce qu'un jour, ils reviennent au pays, la plupart reviennent au pays, parce que les conditions y sont meilleures pour un tas de raisons, y compris les conditions d'amour pour le pays, parce qu'on vient tous de quelque part et qu'on a envie d'y revenir. Voilà ce qu'est la vie réelle des Français. Pas ce qu'a marmonné ce comptable qui est là à tous les 5 minutes à penser que les gens ne sont motivés que par l'argent. Les gens ne sont pas motivés que par l'argent. Pardon d'avoir un travail. Dernier mot, je veux dire... Moi, je pense, ce que j'entends là, je suis désolé, mais ce que j'entends là... Non, vous n'êtes pas désolé. Si, je suis désolé. Mais non, mais détrompez-vous. Détrompez-vous. En plus, vous êtes jurassien comme moi. Je suis plein de tendresse pour vous et je suis triste de voir comment vous vous comportez. Si c'est ça, votre tendresse. Et je suis triste de voir comment vous vous comportez. Vous savez, je pense que la France n'a pas besoin d'un nouveau narcisse qui se noie dans son reflet. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est noyé dans son reflet et je pense que vous êtes à votre façon aussi un personnage narcissique. Pas vous, hein, ça se sent. On sent que vous n'êtes pas passionné par vous-même. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Merci. Mais moi, je ne viens pas avec 50 personnes pour m'applaudir à chaque fin de phrase. Vous avez vu dans quel rôle vous vous installez? Mais moi, je ne viens pas avec 50 personnes pour m'applaudir à chaque phrase. Vous me dites ce que je dois dire et ne pas dire. Et vous passez votre temps à ça. Je pense que vous n'êtes pas sérieux. Et je pense en effet que Valérie Pécresse est la meilleure candidate de cette élection. Merci Charles Consigny. Et encore une fois, gardez votre mépris. Il ne vous grandit pas. Oui, je fais ce que je veux si ça ne vous ennuie pas. Vous êtes tout petit ce soir. Merci Charles Consigny d'avoir été avec nous. Merci. On va accueillir maintenant Aymeric Caron. C'est parti. Aymeric Caron, merci d'être là. Alors la dernière fois, vous étiez face à Éric Zemmour et ça a changé beaucoup de choses, cette émission, pour vous. Parce que c'est vrai que bon, vous êtes journaliste, écrivain, on vous connaît, et vous... vous dites la candidature de Jean-Luc Mélenchon est la seule à être porteuse d'espoir. Et il paraît que vous avez compris ça sur ce plateau la dernière fois quand vous étiez face à Éric Zemmour. Enfin, ça a été... Non, je ne sais pas qui vous a raconté ça, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Pour moi, c'est ça. Non, non, c'est un processus qui a duré plusieurs années. Ah oui? Oui. Mais vous n'étiez pas du tout avec Jean-Luc Mélenchon avant? Non, je n'étais pas avec lui comme aujourd'hui. Je n'étais pas derrière sa candidature. Mais vous avez toujours aimé Jean-Luc Mélenchon? Je vais vous dire, je réponds les affaires... en 2017, vous avez voté pour lui? Non. Je me suis abstenu. Comme je l'ai très souvent fait, et cette année, je n'ai plus envie de m'abstenir. Pour un certain nombre de raisons que je vais vous expliquer. J'ai 50 ans. Mazel Tov. Merci. Et vous avez quel âge, vous? Je ne dis jamais mon âge. On ne demande jamais... Il est coquet. Non, mais c'est vrai, jamais, je ne le dis pas. C'est vrai que je vous ai demandé... En plus, je vous ai demandé... Non, moi, je crois savoir, je crois qu'il a mon âge. Non, 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 quand même pas. Si. Non, non, ah non, non. Quand même pas. Ah non, 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 non. 73, 73, 74. Si, si, 74, 74. 74. Ah oui, bon, on se reverra dans 3 ans. Sur tout le monde. Alors, allons-y, Aymeric. Non, non, voilà, je suis né en 71, j'ai 50 ans. J'ai jamais été aussi inquiet pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de mon espèce, pour l'avenir de toutes les espèces, pour l'avenir de la vie sur cette planète, pour le maintien de la démocratie. On traverse une crise écologique majeure, une crise sociale majeure, une crise de la démocratie. On voit le retour d'idées rances, dont on se croyait protégé depuis longtemps, dont on a entendu l'un des porte-paroles, encore tout à l'heure, pendant une heure. Il y a une question qui se pose à chacun d'entre nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on laisse faire? Pourquoi vous n'allez pas vers Yannick Jadot alors? Je vais y répondre. Est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on laisse faire? Moi, je me suis engagé à ma manière depuis quelques années à travers des bouquins, à travers des prises de parole publiques. Certains connaissent mon combat, par exemple, pour l'écologie en général, bien sûr, et en particulier pour les droits des animaux. Mais il se trouve que là, j'ai eu l'occasion de prolonger cet engagement parce que le programme que porte Jean-Luc Mélenchon est un programme inédit pour moi et qu'il est absolument indispensable et nécessaire par rapport aux urgences que je viens de vous décrire. Et je voudrais dire que j'étais assez choqué de ce que je viens d'entendre de la part de Charles Consigny. Et là, je vais parler non pas en tant que militant écologiste, mais en tant que journaliste. Moi, je vais t'expliquer quand est-ce que j'ai commencé à songer sérieusement à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Même si je ne l'ai pas pour 2017, parce que j'attendais encore d'être convaincu. Je pense que la pensée de Jean-Luc Mélenchon, le programme qu'il porte, a encore mûri, s'est bonifié. J'ai reçu à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon sur des plateaux. Et un jour, il est venu présenter un livre dont on n'est pas couché. J'ai lu ce livre, je lisais toujours les livres des invités, c'était normal. Et c'est un livre qui parlait d'écologie, justement, de planification écologique, qui parlait de la mer. Et je me suis dit, c'est dingue, ça fait des années que je fais ce travail, je n'ai jamais lu un livre aussi documenté, aussi précis et aussi ouvert sur l'avenir de la part d'un homme politique. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être des incompréhensions sur qui est Jean-Luc Mélenchon et sur les idées qu'il porte. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser très fortement. Et donc, je suis assez ennuyé de ce que j'ai entendu de la part de Charles Consigny, parce que je pense qu'il fait une énorme erreur lorsqu'il parle de... Je n'ai pas retenu les mots, mais de quelque, du show, du spectacle, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Je ne vais pas juger la psychologie de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas mon propos. Ce que je sais, c'est que son programme, et je vous le dis en tant que journaliste, même pas en tant que militant, est le plus sérieux, le plus travaillé qu'il y a aujourd'hui comme offre politique. D'ailleurs... C'est pour ça. Et c'est aussi le plus réaliste. Pour ça que vous l'avez rejoint? Oui, et je vais répondre à la question. Son programme est réaliste, par exemple. C'est le plus réaliste. Sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce sont... Vous savez, vous connaissez l'idée de l'utopie inversée? Dites-le. L'idée de l'utopie, oui, c'est Günther Anders qui nous parle des utopistes inversés. C'est ceux qui croient que le système dans lequel on vit aujourd'hui va extrêmement bien et qu'on croit que tout ce que nous avons mis en place eh bien, va vraiment sur la bonne route. Et en revanche... Ceux qui sont réalistes, aujourd'hui, sont taxés d'utopistes parce qu'ils proposent des choses qui nous semblent irréalisables. Alors que c'est tout l'inverse. Quand Jean-Luc Mélenchon propose la réduction du temps de travail aujourd'hui, c'est un indispensable. Lorsqu'il propose, par exemple, effectivement, en ce qui concerne l'alimentation, une révolution alimentaire où on réduit considérablement la part des protéines animales, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si on prend chacune des propositions, on voit qu'il y a un modèle cohérent. Et ce qui est très intéressant, c'est le seul aujourd'hui à nous proposer une vision nouvelle du monde. Alors pourquoi pas Yannick Jadot? Effectivement, je suis un militant écologiste. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas dans le programme de Yannick Jadot la radicalité nécessaire qu'on trouve aujourd'hui dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Parce que les Verts hésitent depuis des années. Ils ne savent pas très bien où ils sont. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils ne savent pas s'ils sont libéraux, antilibéraux, s'ils remettent en cause le système, s'ils l'amendent simplement aux marges. Et on n'en est plus là aujourd'hui. La seule écologie possible, c'est une écologie de rupture. Et donc, je tiens à dire aussi d'ailleurs que je n'ai pas rejoint Jean-Luc Mélenchon tout seul. Il y a d'autres militants écologistes qui ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, Alma Dufour, par exemple, des Amis de la Terre. Il y a Claire Lejeune, des marches pour le climat. Et il y a aussi le mouvement que j'ai créé, qui s'appelle la Révolution écologique pour le vivant. Je ne suis pas venu tout seul. C'est-à-dire que le mouvement que j'ai créé, qui est un mouvement d'écologie de rupture, antispéciste, radical, a jugé dans son ensemble qu'aujourd'hui, il fallait s'engager avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne veux pas faire trop long parce que je voudrais quand même entendre Jean-Luc parler un peu de ses propositions. Mais je voudrais juste te dire que parmi les choses qui m'ont particulièrement séduite dans le discours de Jean-Luc, c'est que c'est le seul aujourd'hui à porter le discours qu'il porte sur les droits des animaux, qui est un sujet que moi, évidemment, qui me tient particulièrement à cœur. Et il y a une figure pour cela, je pense, qui l'explique et qui crée la jonction entre Jean-Luc et moi, c'est Louise Michel, figure de l'anarchie, qui explique, elle a écrit des pages magnifiques sur les animaux, sur la défense des animaux. Et elle explique que son combat pour les plus faibles, pour les opprimés, figure de la Commune aussi, Louise Michel, hein, je le rappelle, eh bien, il est né dans l'empathie qu'elle a sentie toute jeune, toute petite, pour les animaux qu'on maltraitait. Pour elle, elle a compris que tout était lié. Le combat social, le combat pour les animaux, mais également aussi le combat féministe. C'était aussi une féministe. Ce sont les mêmes logiciels de pensée qui nous dirigent. Alors, sur ce sujet précisément, j'aimerais vous entendre, Jean-Luc. Parce que moi, je me souviens d'une intervention, là aussi, ça fait partie des moments qui m'ont décidé à mieux écouter Jean-Luc, d'une intervention à l'Assemblée nationale sur les rapports nouveaux que nous devons établir avec nos congénères, nos cousins, nos frères, les animaux non humains. Alors, Jean-Luc, déjà, Aymeric Caron, donc, vous a rejoint, c'est une bonne nouvelle pour vous? Ah ben oui, mais ce que j'aime dans ce qu'il a fait, c'est la démarche, enfin, quoi. Aymeric Caron ne renonce à rien de son propre programme. C'est pas le mien. Mais il a retrouvé dans mon programme une part du sien qui lui paraissait suffisante pour aller donner le coup de main et pas être la secte qui, tant qu'elle n'a pas retrouvé tous ces signes kabbalistiques, refuse d'aider. Et je trouve que c'est un exemple qui pourrait être donné à d'autres. Il n'y a pas besoin qu'on soit d'accord à 100%. Il y a une trame générale, il y a un esprit. Je l'ai résumé dans une formule tout à l'heure. J'admets qu'elle est abstraite, mais quand on y réfléchit, elle ouvre plein de pistes. Harmonie des êtres humains entre eux, pas d'inégalité, pas de domination, pas de discrimination, et avec la nature. Et je dois vous dire que je ne suis pas né dans cette tradition politique. Il faut que vous le sachiez, M. Hanouna. C'était pas notre truc. Quand j'avais 20 ans, l'idée c'était on développe les forces productives et le progrès va venir mécaniquement derrière. On croyait ça, dur comme fer. Et on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on était en train de cautionner. Le productivisme qui avait lieu non seulement dans les pays capitalistes, mais aussi dans les pays socialistes, ou qui se disaient socialistes, puisque moi, je n'ai jamais adhéré à l'idée qu'ils étaient socialistes, puisqu'il n'y avait pas de démocratie. Alors, voilà. Après, ça, c'est le point important. Beaucoup peuvent faire comme lui. Et puis, moi, j'ai essayé, si vous voulez, de ne pas m'en tenir à deux, trois banalités. J'ai réfléchi avec les autres, avec des gars comme lui, qui m'interpellaient, qui me secouaient. Et je me dis, mais moi, je sais que je ne supporte pas de voir martyriser les animaux. Mais il ne suffit pas de mes sentiments. Je les partage avec plein de gens, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec mon programme, y compris des gens qui sont des adversaires politiques, qui peuvent dire, ah mais moi, là-dessus, on s'entend, on n'est pas d'accord pour martyriser les animaux. Mais qu'est-ce qui fait que nous pouvons les traiter à égalité de dignité? Pourquoi nous, les êtres humains? Et voilà, j'ai bossé pour réfléchir à ça. Et je me suis dit, voilà la raison. La raison, c'est que dans l'ordre du vivant, nous sommes ceux qui sont dotés de la capacité la plus grande à comprendre et à être conscients. Et dès lors, plus on est conscient, plus on est responsable de ceux qui le sont moins. Exactement comme l'adulte est responsable de l'enfant, qui est moins instruit, moins conscient des difficultés auxquelles il s'affronte. Et donc, c'est une échelle de responsabilité. Et puis, j'ai eu un ami très cher qui s'appelle Bastien Lachaud, qui est député insoumis de la Seine-Saint-Denis, qui lui était un homme très entré dans cette question et qui m'a mis devant des réalités que j'avais pas envie de voir. Par exemple, tous les ans, 50 millions de poussins mâles sont broyés vifs. Après qu'on ait beaucoup crié, beaucoup hurlé, il a été décidé qu'à partir du mois de janvier de cette année, ça cesserait. 50 millions. Le mois de janvier est presque fini, il n'y a toujours pas de décret. On a décidé qu'on ne casserait plus à vif les porcelets. Et Bastien a été, ce qui n'est pas très légal, mais il l'a fait quand même, dans une de ses exploitations, et il a vu quelle était la situation. Voilà comment j'ai appris et je me suis dit, puisque je sais, puisque je suis conscient, je n'en reste pas là. Alors je vous dis que si je suis élu président de la République, j'interdirai les fermes-usines où vous avez des millions de bêtes enfermées qui des décennies ne voient jamais le jour, des fois ne sortent jamais d'une cage. Une poule aujourd'hui dans une cage, elle vit sur ça toute sa pauvre vie. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne qui trouve ça normal. À nous de demander pourquoi et pour quel résultat. J'estime que ces élevages sont une source de pandémie, M. Hanouna. Depuis le début, on a fait face à tout, sauf aux élevages d'où viennent les pandémies. En ce moment, on est en train de tuer 3 millions de volailles dans ce pays parce qu'elles ont la grippe aviaire. Uniquement pour qu'on puisse exporter leurs produits. Mais vous et moi, on a intérêt tous les soirs à faire des vœux pour que le virus ne mute pas et qu'il ne passe pas des animaux à l'être humain, comme ça s'est produit dans quelques pays. Il faut en finir avec les fermes-usines. Je les fermerai toutes. Et j'en prends l'engagement devant tout le monde. Parce que c'est dangereux. Alors après, je termine en vous disant, parce qu'on va me dire, oui, et les paysans qui... Oui, on ne laissera pas les paysans. On va faire comment? Oui, bah, comment on va faire? C'est très simple, on va les payer. Et on va leur demander de convertir leur activité, et vous verrez qu'ils seront d'accord. Parce qu'ils n'aiment pas, eux, faire souffrir, ceux qui sont des paysans. Ils n'aiment pas saccager tout. On leur dira, bah, écoutez, vous arrêtez ça. Les dettes que vous avez contractées, on va les reprendre, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas vous demander, un, de payer la dette du passé, et deux, de vous endetter pour les productions du futur. Et vous verrez qu'ils se mettront au travail différemment, et on aura un autre élevage, une autre agriculture. Et je termine en disant sur un point très précis qu'il a évoqué. Il faut diminuer la consommation de viande. D'accord ? Dans notre pays, la viande qui est vendue, il y a la viande de très haute qualité, d'accord ? On la connaît, celle qui vient de la Creuse et de quelques endroits comme ça, d'accord ? Déjà, ça se discute comment ils font, parce que faire 26 heures de camion à un veau pour aller l'engraisser en Italie et le ramener, il y a peut-être moyen de faire autrement, mais peu importe, il y a ça. Mais pour l'essentiel, la viande qui se vend, c'est de la viande qui est en sous-produit des bêtes, des fermes-usines, qui sont ensuite abattues et découpées en morceaux, et ça donne de la viande. Donc, tout ça n'est pas raisonnable. Pour un tel animal, c'est 170 litres d'eau par jour. C'est une dépense considérable. 80% des surfaces sur terre agricole sont vouées à l'élevage qui produit 20% seulement des protéines dont on a besoin. Moi, ce dont je me réclame, c'est d'une remise en ordre qui va diminuer la souffrance générale, celle des animaux, celle des paysans, nous tous, devant le spectacle de cette férocité. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais je l'ai fait grâce à eux. Je veux redire qu'il faut dans la vie qu'il y ait des lanceurs d'alerte, il faut des gens qui vous dérangent, qui vous obligent à regarder en face des choses qui vous mettent mal à l'aise pour que vous compreniez que vous avez une responsabilité personnelle. Vous pouvez arrêter avec un bulletin de vote le martyr de millions d'animaux dans ce pays. Merci. Merci Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Encore un petit mot très vite, Aymeric. Non, très vite, parce que vraiment l'écologie, je tiens à le dire, c'est un sujet qui doit être au cœur de la campagne, qui est encore trop peu abordé. Il faut que nous, enfin vous, les journalistes, plus moi maintenant, mais donc les journalistes qui font les émissions, mettent ce sujet carrément en premier sujet d'entrée, pas une heure sur l'immigration, qui n'est pas le vrai sujet. C'est un faux sujet qui nous détourne de l'essentiel. Et à ce sujet, je voudrais donc prendre encore juste un instant pour parler... Vous croyez vraiment que la France, à sa petite échelle, elle peut sauver la planète? Non. La France peut déjà donner un exemple. S'il n'y a pas des exemples, oui, alors dans ce cas, mais non, évidemment que les solutions ne peuvent s'envisager qu'à l'échelle. Ah, vous verrez, on sera imité partout. Mais oui, j'espère. Juste un mot aussi, parce que je veux encore insister sur ce sujet qui est crucial pour moi, l'écologie. Je voudrais qu'on parle un instant. On va essayer de faire vite, mais ça va être très vite parce qu'on doit partir. Et on a Eugénie qui nous attend. En plus, elle est. Vous disiez, c'est quoi ce qui nous différencie, par exemple, d'Europe Écologie, etc. L'écologie aujourd'hui doit être antiproductiviste, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre qu'il faut produire beaucoup moins, consommer beaucoup moins. C'est-à-dire que vous connaissez le jour du dépassement. Oui. C'est-à-dire que chaque année, eh bien, il y a un moment dans l'année où on arrive où ça y est, on a épuisé toutes les ressources que la planète pourrait générer en un an. Alors, il y a, dans les années 70, c'était 29 décembre à peu près, et maintenant c'est à l'été. Hein, c'est au mois de juillet ou au mois de juin. Ça recule chaque année. Donc, il y a une règle qui est prévue dans ce programme, que je vais donc supporter, que je supporte, qui est la règle verte. Et la règle verte, c'est juste, je pense que Jean-Luc peut mieux l'expliquer que moi, parce que c'est lui le candidat et c'est pas moi. Très vite, en deux mots, Jean-Luc, parce qu'on va passer à la... Attends, je vais dire deux choses. La première, la règle verte, ça dit on ne prend plus à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Sauf que comme on est des gens sérieux, qu'on ne dit pas des trucs en l'air comme ça, pour arriver à ce résultat, il faut évaluer puis programmer. D'accord ? Donc il faut planifier. Je vous lance un petit défi intellectuel. Voyez-vous ? Écoutez. À 23h23, ça va être chaud. Non, 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 mais je vous connais. Faites pas semblant. Il y a le temps du capital, c'est le temps court. Il faut que ça soit rentable maintenant. Il faut que le temps des êtres humains et de la nature, c'est le temps long. Il s'agit de se réapproprier le temps long en planifiant et en organisant. Les premières fois, c'est pour ça que bien sûr on peut dire, je ne vous dis pas que je suis le meilleur des hommes, le plus habile pour défendre mes propres idées, mais il y a 5 ans, il y a 7 ans, quand je disais... Il faut de la planification écologique. Vous aviez tous les oiseaux de la Terre pour dire « Ah, la planification, c'est l'URSS !» Ils ne savaient même pas que tout le monde planifiait, même les États-Unis d'Amérique. Alors c'était rugueux. Je devais être rugueux pour défendre mon idée. Aujourd'hui, qui dit que la planification écologique doit être appliquée dans notre pays? Qui Monsieur Roux de Bézieux, président du MEDEF. C'est Monsieur Roux de Bézieux, dans le livre qu'il vient de sortir, alors ce n'est pas à ma planification qu'il adhère, mais il dit, s'il n'y a pas de planification écologique, il n'y aura pas de bifurcation écologique. Donc c'est moi qui avais raison. Après, on va discuter des manières de faire. Mais déjà, sur ce plan, on est tous tombés d'accord, me semble-t-il, enfin avec les gens sérieux. Parce que lui, il produit, il est le patron des patrons, donc ce qui les intéresse, c'est la production quand même. Bon, s'il lui dit, on ne peut pas organiser ça sans planification, il a raison, parce que vous ne pouvez pas faire tourner les modes de production, les matières premières, les machines, les ouvriers qui les manient et les consommations, sans que vous planifiez et vous organisez. Par exemple, si je dis, il y aura, nous devons aller vers un monde sans plastique. C'est un objectif. Il faut donc se mettre au travail, il faut organiser. Mais toutes les boîtes qui savent faire des produits qui ressemblent, sont biosourcés, qui ressemblent à du plastique, ils ont besoin de dire, mais ce type nous dit ça, on va acheter des machines, mais c'est pour combien de temps ? Parce que s'il nous dit ça, puis que dans 6 mois, la mode a changé, parce que ce sont des libéraux, vous savez comment ils font les libéraux. S'il y a des clients, hop, on investit. S'il n'y en a plus, on n'investit plus. Ça vous donne le résultat, par exemple, aujourd'hui, sur le pétrole. Comme personne n'en voulait, ben, ils n'en ont pas acheté, donc on ne l'a pas pompé, donc il n'y en a plus, donc les prix explosent. Le marché crée le chaos. Ce qui crée de l'ordre, c'est la discussion, et on décide d'aller dans un cap. Voilà pourquoi la planification écologique marche avec la règle verte. Sinon, c'est un vœu pieux. Vous savez, des vœux pieux, il y en a plein les religions, ça fait des milliers d'années que ça dure. Il faut donc s'organiser. Moi, je suis quelqu'un qui croit à l'ordre, aux choses qui sont organisées, une fois qu'on en a discuté. Quelle sera la cellule de base de la planification? La commune. Par conséquent, ça ne sera pas le soviet suprême, hein, ni je ne sais quoi de cet ordre, ni l'État lui-même. Ça sera l'État en dernier ressort pour mettre en œuvre. Voilà comment je me représente tout ça. La règle verte, c'est un mot magnifique qui décrit un objectif. Et maintenant, à tous les jeunes gens qui sont dans les écoles d'ingénieurs, tous ceux qui se préparent à être contremaîtres, ouvriers hautement spécialisés, je leur dis, au boulot, il faut trouver le moyen de compenser. On ne prendra pas plus que ce que la nature est capable de reproduire. Trouvez le moyen de le faire. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci Aymeric Caron. On va enchaîner avec Eugénie Bastié. On va parler de genre et société. Dans un instant, on aura Yannick Landurin également, major d'une BAC dans le 93, délégué syndical, unité SGP Police. Vous dites qu'il faut démanteler la BAC et procéder à une reprise en main générale de la police. Yannick va vous dire ce que propose Jean-Luc Mélenchon est complètement irresponsable et dangereux pour la sécurité des Français. On en parlera dans un instant. À tout de suite. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être avec nous. C'est Face à Baba. Dans un instant, on reviendra avec Yannick Landurin sur la police et la sécurité. On aura Sofia Chouviat aussi juste avant. C'est la fille de Cédric Chouviat, livreur tué lors d'une interpellation de police, qui nous parlera des violences policières. Et on aura Sabrina aussi, Ali Ben Ali, qui viendra nous voir, médecin urgentiste. On parlera de, bien sûr, de ce que vous voulez faire sur les hôpitaux, sur le personnel de santé. On fera un point sur votre programme économique avec Éric Revel. Et on finira l'émission par la star, Raquel Garrido, bien entendu, qui nous dira qui est Jean-Luc Mélenchon. Pour le moment, on est avec Eugénie Bastié. Merci, vous êtes journaliste au Figaro, CNews, Radio Classique. Vous avez écrit La guerre des idées chez Robert Laffont. Vous dites Jean-Luc Mélenchon veut être le premier président woke. Il encourage les délires les plus fous de la théorie du genre pour séduire un nouveau public, puisqu'on va parler genre et société. Et Jean-Luc Mélenchon dit, si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité des apparences de votre corps. On est parti pour 10 minutes avec Eugénie. Qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon ? C'est vrai que ça m'a surpris, cette sortie de Jean-Luc Mélenchon. Je pensais qu'il était plus lecteur de Marx que de Judith Butler. Donc j'étais surpris qu'il s'en prenne à la théorie du genre comme ça, qu'il l'adopte. Et je me suis demandé s'il ne voulait pas séduire un nouvel électorat, une nouvelle jeunesse qui est très séduite par ses idées. Et d'ailleurs, la phrase « vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité », j'ai trouvé que c'était une phrase qui définissait assez bien ce qu'était l'idéologie. Et justement, cette idéologie du genre qui n'est pas... je ne parle pas de la question juste de la dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait de ne pas naître dans le bon corps qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais cette théorie du genre qui dit que finalement, tout est construit, y compris la différence des sexes, et que finalement, on peut changer à la carte. Et vous voulez inscrire la liberté de changer de genre dans la Constitution. Alors d'abord, première chose, la Constitution n'est pas un frigo dans lequel on range les droits individuels petit à petit, année après année. Pour y mettre aussi les droits des animaux, pour y mettre je ne sais quoi. La Constitution, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui définit notre régime politique. Et je ne pense pas qu'on puisse y mettre comme ça les lubies sociétales du moment. Deuxième chose, revenons à la liberté de changer de genre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Est-ce que je vous ai entendu dire qu'il fallait juste simplifier administrativement les choses? Pourquoi pas, à la limite, mais pourquoi le mettre dans la Constitution dans ce sens-là? Et est-ce que vous voulez dire, par exemple, il suffira juste donc de se déclarer d'un autre sexe pour le devenir? Donc, par exemple, si on est né homme, on pourra participer à des compétitions sportives, par exemple, réservées aux femmes, ce qui existe et qui pose un certain nombre de problèmes dans les pays anglo-saxons. Beaucoup de féministes, d'ailleurs, sont très opposées à cet activisme trans, et elles se font traîner dans la boue, elles se font annuler, comme on dit aux États-Unis. Et pareil, dans les prisons, vous avez par exemple des nés-hommes qui veulent qui se disent femmes et qui ensuite vont dans des prisons pour femmes et ça pose un tas de problèmes. Des féministes sont vent debout et vous, vous voulez le mettre dans la liberté de genre comme ça dans la Constitution. Pourquoi? Est-ce que c'est une subite révélation ou est-ce que vous êtes dit, tiens, je vais aller séduire une jeunesse finalement qui est, on emploie beaucoup ce mot aujourd'hui, le mot woke, éveillée aux discriminations, comme on dit, aux minorités. Je pensais que vous apparteniez à cette gauche sociale, justement, qui mettait l'économie, le social d'abord, ce qui compte pour la majorité des gens. Et on vous voit, là, séduire voilà, une minorité. Est-ce que c'est électoraliste? C'est ma première question. Et puis, plus largement, voilà, vous avez sans doute lu Jean-Claude Michéa, le penseur qui disait que le libéralisme était un tout. Il y a le libéralisme social, économique et le libéralisme culturel. Vous rejetez le libéralisme économique, mais vous adoptez tout le libéralisme culturel. Notamment, voilà, toute la logique des droits individuels qu'adorent d'ailleurs les multinationales, les GAFAM, qui promeuvent cette fluidité de genre. Détestez. Bah écoutez, moi, je ne suis pas une grande fan des GAFAM et des multinationales. Vous savez, il existe une droite sociale et je m'inscris dans cette filiation-là. Et je pense que vous trahissez la gauche sociale en mettant comme ça, en étant dans la surenchère sociétale, pas que sur ce sujet, mais sur d'autres. Parce que justement, quand on ne peut pas changer le monde, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On change de sexe, on change le genre. C'est plus simple à offrir, c'est une mesurette à destination d'un certain public. Et quelque part, c'est de la démagogie. Jean-Luc Mélenchon. Bah ouais, je vous attends. Vous l'avez bien écouté. Oui, bien sûr. J'admire le respect avec lequel vous me traitez. Vous avez vu, hein, je m'attends au pire. Je vous allez laisser dérouler, tranquille. Alors, Jean-Luc. Là, je sens que le volcan va se réveiller, que ça va être... Oh, il est déjà réveillé, le volcan. Je pense que c'est des sujets qui sont difficiles. Alors, je commence d'abord par écarter ce qui est quand même finalement assez déplaisant. J'ai une conviction, madame. Et je n'ai pas que des convictions séduisantes, la preuve. Ça ne vous a pas séduit. Et il y a plein de gens qui ne le sont pas séduits. Oui, par conséquent, faites-moi l'honneur de penser que c'est une conviction personnelle. Faites-moi l'honneur de penser que c'est par philosophie. J'appartiens à un courant de l'histoire des idées, l'humanisme. Et j'appartiens à sa branche la plus radicale, si l'on peut dire. Dans l'humanisme, on pense que les êtres humains sont les auteurs de leur histoire. Et qu'en effet, tout ce qu'ils font est construit culturellement. Les êtres humains sont culturellement construits. La différence des sexes n'est pas une construction sociale, Jean-Luc Mélenchon. Attendez. Vous me laissez juste vous présenter mes idées avec la même patience que moi j'ai dû supporter les vôtres. Supporter. Ça, c'est le point de départ. Et donc, par conviction, il y a ce que j'ai observé. Et ce que j'ai observé, c'est que des gens ont décidé, par exemple, de défendre le droit à l'avortement. Pendant des générations, on a pensé que c'était une abomination, et il y a des gens aujourd'hui qui, d'un point de vue religieux, considèrent que c'est une abomination et ne le pratiqueront jamais. Ils sont libres. Ce n'est pas parce qu'on a créé le droit à l'avortement qu'on va les obliger à avorter. De la même manière, il y a des gens qui sont pour le suicide assisté. C'est une vieille histoire. Ça remonte aux stoïciens, c'est dans l'Antiquité. C'est Sénèque, c'est combien d'autres ? Mais il y a des gens qui disent se suicider, c'est une abomination parce que nous n'avons pas à aller contre la volonté de Dieu. Personne ne dira que si on inscrit le droit au suicide assisté, on va obliger des gens à se suicider. De la même manière, pour ce qui concerne le genre, c'est de même nature. Il y a des pays, en France, vous pouvez changer de genre. Oui, aujourd'hui. Vous pouvez changer de genre. Et les gens qui demandent à changer de genre, quand vous les connaissez, que vous parlez avec eux, que vous ne les considérez pas comme une bizarrerie, mais comme un être humain, et vous vous apercevez alors de l'immense souffrance, et de celle qu'ils s'infligent, des fois, parce qu'il leur faut changer d'apparence, parce qu'il leur faut subir des traitements, parce qu'il leur faut subir des interventions chirurgicales. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous dire c'est une lubie sociétale, c'est vous avez quelqu'un qui a une très grande souffrance et qui demande à changer de genre. Aujourd'hui, si vous voulez changer de genre, il faut engager une procédure et c'est un juge qui décide. Moi, je dis que c'est une liberté individuelle fondamentale. Par conséquent, quand je dis que vous pouvez le faire contre les apparences de votre corps, c'est déjà le cas. Mais c'est un juge qui décide si oui ou non, vous avez le droit de changer de genre. La différence avec moi, c'est que ça devient une liberté fondamentale, conformément à l'idéal humaniste, comme l'est le droit à l'avortement ou le droit au suicide assisté. C'est ce que je considère être des libertés fondamentales de la personne humaine. Personne ne sera obligé après ça de changer de genre, d'avorter ou de se suicider. Et que répondez-vous aux féministes qui s'inquiètent du fait que, par exemple, en effet, il y a des, par exemple, des personnes nées masculines qui veulent devenir des femmes, qui vont, par exemple, dans des prisons pour femmes, ou qui vont aller à des compétitions sportives pour femmes, et qui, du coup, sont une menace pour les femmes elles-mêmes et pour les féministes elles-mêmes. Je vois où est votre souci, les prisons et le sport. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez ? C'est un vrai débat, mais ne soyez pas méprisants, parce que c'est un vrai débat. Au sein des féministes, elles sont très divisées là-dessus. Pourquoi chaque fois que je fais une objection, vous dites que c'est méprisant? Vous êtes la troisième de droite à passer. Chaque fois qu'on objecte quelque chose, à votre point de vue, vous répondez c'est du mépris. Moi aussi, je pourrais dire pourquoi vous m'avez accusé de vouloir mettre des lubies sociétales dans la Constitution. Vous savez que cette lubie sociétale est dans la Constitution de l'Argentine, par exemple? Écoutez, très bien, mais moi je pense que la Constitution doit être réservée à des domaines extrêmement tremblants. Donc, madame. Eugénie, elle ne comprend pas. Non, mais attendez, vous dites. Non, elle ne comprend pas que vous le mettiez dans la Constitution. C'est ça pour elle, c'est. Alors, c'est le fond ou la forme? Non, mais on peut débattre de la forme, parce que la simplification administrative, je veux bien, mais ça pose le problème que je vous ai dit. Oui, mais ça pose plein de problèmes. Sur le problème. Mais sur le fond, la Constitution, j'y vois. Attendez, avant qu'on arrive, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Vous avez des milliers de gens qui sont en souffrance, qui ont auxquels je réponds, et on me dit c'est une lubie sociétale, et ça n'a rien à faire dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a les libertés fondamentales, et ce sont des libertés qui sont toujours remises en cause. À chaque élection, on voit appliquer partout dans les pays européens des gens qui viennent vous dire l'IVG, pas question, on va supprimer ça. Il y a un candidat à la présidentielle qui est contre l'IVG là. C'est la raison. Mais madame, il n'y en aura plus si jamais c'est dans la Constitution. Mais il n'y en a pas, il n'y a pas de candidat à la présidentielle qui est contre l'IVG. Ouvrez un peu vos fenêtres et vous verrez ce qui se passe dans plusieurs pays d'Europe. Vous verrez ce qui se passe. Tout à l'heure, vous avez ramené le débat sur la France, vous ne parlez pas d'autres pays. Moi, je vous parle de la France. Est-ce qu'il y a un candidat en France qui veut revenir sur l'IVG? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Vous leur demanderez. Vous pourriez demander à votre collègue M. Zemmour et bon ami, il a répondu là-dessus. Non, il a déjà répondu qu'il était contre. Mais alors, dans ce cas-là, si vous mettez des choses essentielles dans la Constitution, pourquoi vous ne mettez pas, par exemple, et je sais que vous êtes pour, l'abolition de la GPA? Parce que vous êtes contre la marchandisation. Mais parce qu'il n'y a pas de GPA en France. Mais oui, mais pourquoi vous ne le mettez pas dans la Constitution pour bien que ce soit, ça reste dur comme fer et que des gens qui veulent, par exemple, votre Yannick Jadot qui veut l'installer, ne puissent pas le faire. Puisqu'il faut mettre les choses importantes dans la Constitution. Laissez-le répondre, Eugénie Bastié. Non, vous n'avez pas. Je pense qu'il n'y a pas. Là, pourtant, vous êtes plus rigoureuse dans vos raisonnements. Mais là, c'est pas sérieux. Si on doit mettre dans la Constitution tout ce qu'on a l'intention d'interdire, c'est plus une Constitution. Là, il s'agit de mettre dans la Constitution les droits que l'on veut protéger. Au demeurant, madame, je vous dis une chose, vous êtes protégée de mes lubies, comme vous dites, par le fait que j'ai l'intention de convoquer une constituante et que c'est la constituante qui le décidera. Mais moi, mes amis, ceux qui pensent comme moi, proposeront que ces droits soient introduits. Les droits fondamentaux de la liberté individuel. Dans la Constitution, il est dit qu'il y a la liberté d'exprimer des opinions. Après tout, on pourrait s'en passer, on pourrait se contenter de dire qu'il est interdit d'interdire, et ainsi de suite. Donc, nous parlons d'un droit qui affirme des responsabilités, des droits dans la Constitution. Ce sont les droits de la personne humaine. Rien de plus, rien de moins. Encore un mot. Vous avez dit tout à l'heure la théorie du genre. Madame, il n'existe pas de théorie du genre. Si, ça existe. Non. Il y a une critique culturelle, sociale, du genre. Quant à dire que je privilégie... Il y a des milliers et des milliers de pages là-dessus, je les ai lus. Quant à dire que je trahis la gauche sociale parce que je parle des libertés fondamentales de la personne humaine, après que votre collègue tout à l'heure soit venu me dire que j'en étais l'ennemi, ça manque pas de sel. Alors vous pouvez faire, oui, vous êtes attaché aux droits sociaux, eh bien venez mener la bataille avec moi pour la retraite à 60 ans, venez mener la bataille avec moi pour que l'héritage soit réparti sur les jeunes gens qui vont à l'école, venez avec moi mener la bataille pour les 1400 €. Et vous voyez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point ou deux points, c'est pas grave. Si le reste vous convient, puisque vous défendez la lutte sociale. Quant à l'idéologie, madame, je vous renvoie à la définition que Karl Marx lui-même en donnait. L'idéologie, cela désigne un système d'idées qui masque les rapports réels. Quand vous pensez que vous êtes une femme, alors que vous avez un corps d'homme, votre rapport réel est celui que vous figurez de celui d'une femme. Ce qui compte, ce sont les rapports réels. Et le rapport réel de soi à soi-même. Quand quelqu'un est malheureux d'être dans un corps et qu'il fait tous ses efforts, il a le droit. Il a le droit, sans que vous venez vous emmêler de décider quel est son genre. Je sais que ça paraît énorme. Je sais que ça paraît énorme. Mais réfléchissez-y, il s'agit de liberté. On a pris beaucoup de retard. On ne peut pas prendre cette intervention parce que je n'en fais pas non plus. Merci Eugénie d'avoir été là. Merci beaucoup Eugénie Bastié. Merci. On va enchaîner maintenant avec Sofia Chouviat. Merci Sofia. Et on aura Sofia Chouviat. Et juste après, Juste après Sofia, parce que là, ça va s'enchaîner les deux. Sofia Chouviat et Yannick Landurin, major d'une BAC dans le 93, délégué syndical unité SGP Police. Mais pour l'instant, Sofia Chouviat, vous êtes la fille de Cédric Chouviat, livreur tué lors d'une interpellation de police. Vous dites, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à proposer des solutions au sujet des violences policières et surtout à s'opposer à l'impunité des policiers. Et Jean-Luc Mélenchon dit, beaucoup de monde s'est rendu compte que quelque chose a pourri à l'intérieur de la police du fait du sentiment qui a été donné à des éléments violents qui seraient toujours couverts. Sofia, ce soir, vous vouliez absolument être là face à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul candidat qui... aujourd'hui, vous avez dit, propose des solutions. Bien sûr. Pour moi, je trouve que, enfin, depuis le début de cette campagne d'élection présidentielle, j'ai essayé d'être attentif à chacun de leurs discours. Donc, bien sûr, j'entends parler d'économie, j'entends pour certains qui est important la santé, l'écologie aussi, plein de sujets. Mais je trouve qu'on ne met pas assez en lumière le sujet des violences policières, qui est pour moi aujourd'hui un fléau qui existe, qu'il faut reconnaître et aussi... Pourquoi aujourd'hui j'ai souhaité venir ici pour en parler avec monsieur Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il m'a touchée dans certaines de ses propositions qu'il a faites face à ce sujet. Parce que moi aussi j'ai réfléchi pendant 2 ans. Le jour où j'ai été touchée... Votre papa est parti il y a 2 ans. Exactement, mon père, Cédric Chouviat, je le rappelle, un père de famille qui est mort le 3 janvier 2020, tué pendant un contrôle routier simple. Excusez-moi. Et que durant ce contrôle routier, il y a eu des techniques qui ont été utilisées, meurtrières. Et que depuis le début de notre affaire, on les dénonce. On s'est adressé aussi à Emmanuel Macron, qui ne nous a jamais répondu, qui nous a carrément ignorés, et à monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui nous a carrément, enfin, qui a été insultant auprès de nous. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a répondu, Gérald Darmanin ? Parce qu'au moment où on a parlé de suspendre ces 4 policiers. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Donc on a l'impression qu'il les protège actuellement, alors que tous les éléments de notre dossier prouvent qu'aujourd'hui, c'est des individus dangereux qui sont acharnés sur mon père et qui l'ont tué. Et en plus de ça, lorsque notre ministre de l'Intérieur à parler des violences policières, c'était pour dire que quand il entend violences policières, il étouffe. Et j'aimerais rappeler que mon père, Cédric Chouviat, pendant qu'il était en train de vivre sa mise à mort, où 4 policiers étaient en train de s'acharner et le priver de respirer, il criait « Cette fois, j'étouffe ». Et notre ministre de l'Intérieur est au courant de ces paroles que mon père a prononcées et criées de détresse et d'agonie à ce moment-là. Donc du coup, actuellement, moi en tant que citoyenne, en tant qu'humain et en tant que fille de victime, je suis déçue actuellement par mon gouvernement. Je suis aussi déçue mon gouvernement parce que à cause de leurs erreurs et de leur ignorance, il y a des choses qui sont produites, il y a eu des drames. Et si on n'empêche pas tout ça, et si on n'apporte pas des mesures et des solutions, ils vont se reproduire et on ne pourra que pleurer. Et aujourd'hui, moi je veux qu'on empêche ça et je veux aussi qu'on porte des solutions pour comprendre la police, comprendre la population. Et M. Mélenchon, aujourd'hui, quand je l'entends dans ses discours, j'ai l'impression qu'il entend la population, il entend ces cris de détresse et qu'il a envie d'apporter des solutions. Et moi, quand j'ai réfléchi à certaines solutions qui sont en accord avec M. Mélenchon, c'est par exemple quelque chose de tout simple. La police de proximité. Je pense qu'avant de les armer encore plus, il faudrait les écouter, bien sûr, et il faudrait qu'ils se réconcilient avec la population, qu'ils amènent un dialogue avec les jeunes. Faudrait que, finalement, on sensibilise plus les jeunes, c'est-à-dire, ça, c'est des propositions que je me permets de faire, qui, pour moi, sont intelligentes et aujourd'hui sont nécessaires aujourd'hui, parce qu'on a un très grand tournant dans notre monde, dans notre pays. Et il faut vraiment valoriser la bienveillance auprès de notre peuple et rassurer aussi les victimes. Parce que voilà, pendant 2 ans, moi, j'ai parlé avec des avocats, des policiers, des victimes, le peuple, des professeurs. Et on a tous été d'accord pour dire que, en ce moment, on se sent délaissé et il faut rapprocher et réconcilier. Moi, j'aimerais aujourd'hui porter un message d'espoir. parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'espérer, on a besoin de croire et on a besoin d'être soudés, avoir vraiment un esprit de solidarité. Et c'est pour ça que je voulais parler avec vous, Monsieur Mélenchon, alors, à propos de ces solutions, et que j'aimerais en discuter parce que j'en ai plusieurs. On va en discuter avec Sofia et après il y aura Yannick Landurin qui va venir devant. Merci Sofia. Merci Sofia. Sofia, Jean-Luc, Sofia qui a vécu un drame que vous connaissez. Et c'est vrai que Sofia maintenant, elle essaie vraiment de trouver des solutions. Je crois que Sofia nous a dit quelque chose, elle n'est pas anti-police, bien au contraire. Elle veut essayer de trouver des solutions pour que voilà, la police et la population puissent vraiment mieux vivre ensemble. Je pourrais ajouter d'ailleurs quelque chose à ce propos pour dire, enfin pour bien insister que je suis vraiment pas anti-police parce que j'ai pu cerner aussi de la souffrance dans cette institution et aussi j'ai remarqué finalement que dans notre société on devrait privilégier voilà l'institution policière, de la santé, de l'éducation. Pour moi c'est vraiment des secteurs qui doivent vraiment être plus valorisés et bon je vous laisse la parole. Allez, mais j'aimerais vraiment qu'on en discute. Non mais allez-y, développez vos propositions si on a les mêmes, je le dirais, voilà. Bah, tout simplement, bah voilà, la police de proximité, aussi valoriser plus dans l'éducation le métier de la police, expliquer plus aux jeunes en quoi ce qui consiste, que ceux qui ne sont pas nos ennemis, bien sûr, parce que voilà, il faut dialoguer avec les deux. Pour moi, je ne trouve pas que c'est nos ennemis, mais je trouve que finalement, la police a fait une erreur ces dernières, enfin pendant plusieurs années, c'est qu'elle a été trop solidaire avec le corps policier, mais elle s'est pas indignée de ces gens qui ont sali aujourd'hui l'uniforme de la police en tuant, en étant raciste, en faisant beaucoup trop de contrôles aux faciès. Pour moi, voilà, cette question, elle est importante de la soulever. Pourquoi autant de contrôles? Pourquoi quand dans un quartier populaire où il y a des gens qui sont en souffrance, ou peut-être bien sûr qu'il y a de la criminalité, mais je pense qu'aussi eux aussi ils sont en détresse et qu'au lieu de plus d'être réprimant avec eux et de s'acharner avec des contrôles, bah plus les écouter, plus parler avec eux, plus parler avec ces jeunes. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont importantes à souligner. Ce sujet mérite de la lumière, mais dans les deux camps, enfin dans tous les camps, parce que finalement on est avant tout des humains, on est des citoyens et aujourd'hui on paye les erreurs de notre gouvernement qui a fait que de se répéter au fur et à mesure parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions et ils ont voulu ignorer que dans la police il y avait des personnes qui étaient... Non, tout simplement, l'institution policière, aujourd'hui, quand je discute avec des policiers, on remarque qu'ils sont mal formés. Alors, on va en avoir un dans un instant, on va voir là... je ne sais pas si vous êtes d'accord, M. Mélenchon, avec moi, mais la méthode de formation, elle est mauvaise, elle est scandaleuse. Aussi, il devrait avoir plus de suivi avec des psychologues, avec des sociologues. Aujourd'hui, on a à disposition beaucoup de professions qui pourraient nous amener à nous entendre, à former et aussi à vivre ensemble. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Est-ce que vous, il y a quelque chose, Monsieur Mélenchon c'est la première fois qu'on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon pendant aussi longtemps. Bravo, Sofia. Bravo Sofia, déjà c'est... Bon, mais ça va. Je veux vraiment... Ça me tient vraiment à cœur parce que... Cette jeune femme, son père a été assassiné. Sofia, je veux vous le dire... Donc c'est pas Monsieur Mélenchon, c'était pour une fois. Son père a été assassiné. Je sais, on le sait. Il criait « j'étouffe ». Et ces hommes se sont acharnés sur eux en mentant ensuite. Et ils ont été couverts par les organisations policières d'un bout à l'autre. Vous avez suivi l'affaire Jean-Luc Mélenchon parce que c'est vrai que c'est une affaire... Du calme. On a vu le... Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Ben, essayez pas. Il va arriver dans un instant, Yannick Landurin, major d'une BAC dans le 93. S'il vous plaît. Moi, je sais une chose. Non, mais Jean-Luc... Le père de cette jeune femme a été assassiné. Et vous l'entendez avec un calme absolu. Il y a encore une enquête, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, mais juste, voilà. En tout cas, l'enquête a précisé qu'il était mort à cause de leur prise meurtrière. Alors vous m'interrompez pourquoi, Cyril? Cyril, pourquoi vous faites ça? On peut le préciser que quand même, il y a eu l'acharnement qu'il a crié. Non, mais je me débrouille tout seul, si vous voulez bien. Je me débrouille tout seul, d'accord? Non, mais je vous le dis. Oui, mais vous me le dites, mais je me débrouille tout seul. Vous pouvez, voilà, vous pouvez pas. C'est pour vous. Cet homme a été assassiné. Il a dit à 7 reprises qu'il étouffait. Sa défense a prétendu que le bruit de la rue empêchait qu'on l'entende. Depuis, un film a montré que ce n'est pas vrai. Cet homme a été assassiné. Et cette femme vient, qui est si jeune, totalement maîtresse d'elle-même, nous dire « Moi, je suis pour qu'on s'entende, qu'on se comprenne, qu'on en sorte. » C'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette forme de police. Et si je dois demain être le président de ce pays, Je réformerai tout de la cave au grenier. Et ceux qui se sont rendus coupables d'actes criminels seront punis. Et certains ne seront plus membres de la police nationale parce qu'ils en sont indignes. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, que peut-on faire? On va arriver dans un instant, Yannick. Parce que là, je voulais vraiment donner la parole à Sofia. Parce que... Elle l'a donnée. Maintenant, c'est à moi de m'exprimer si vous le voulez bien. Dire à Yannick je peux, oui ou non, dire ce que moi je ferai. Bien sûr. Bah, vous allez le dire devant Yannick, puisqu'il est là. Non, à elle. C'est elle qui m'a posé la question. Non, mais elle m'a dit, la formation, vous trouvez ça bien ou pas? Je réponds comme elle, non, je ne suis pas d'accord pour qu'on ait diminué la formation des policiers. Ils faisaient avant 2 ans, ils font plus que 6 mois, c'est une honte. Deuxièmement, j'interdirai l'usage du plaquage ventral, j'interdirai l'étranglement, parce que ce sont des méthodes qui sont interdites dans des paquets de pays. J'interdirai le flashball, j'interdirai les grenades de désencerclement. La police républicaine ne tire pas sur les gens, la police républicaine, elle est aimée du public et elle doit se rendre respectable pour pouvoir être respectée. Et cette femme a raison de dire que notre travail maintenant, ça n'est pas de réconcilier deux camps. La police est au service de la population, du peuple souverain qui ne lui doit rien du tout. Merci Sofia. Je voulais terminer par un message que je voulais faire passer. Voilà, en tant que jeune, en tant que citoyenne, j'aimerais vraiment sensibiliser les jeunes enfin, les mettre au courant qu'aujourd'hui on a un tournant important, voilà, dans notre pays et que aujourd'hui on a des droits et on a un pouvoir dans nos mains. C'est de voter. Et je pense que c'est important de le rappeler, qu'il faut aller voter. Les clés de notre avenir, elles sont entre nos mains. Demain, le changement, et pour que des histoires comme la mienne ne se reproduisent pas, eh ben, il faut aller vers ceux qui, finalement, nous écoutent et apportent des solutions. Voilà, je ne suis pas là pour être derrière une campagne spécifique, mais en tout cas, moi, je choisirais la personne qui nous écoute, qui est près de nous et qui, finalement, soulève cette question aussi des violences policières et qui disent que ça existe et qui ne nous ignore pas. Donc, allez voter. Voilà, merci, Sofia. On a un pouvoir entre nos mains et il faut le faire. Merci, Sofia. Merci, Sofia Chouviat. Merci, Sofia. Yannick Landurin avec nous, major d'une BAC dans le 93, délégué syndical unité SGP Police. Et merci encore, Sofia. Vous n'avez pas amené vos ciseaux, j'espère. Sofia Chouviat, merci. S'il vous plaît, et vous les insultes, vous avez pris, non? S'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Landurin est avec nous. Major d'une BAC dans le 93, délégué syndical unité SGP Police. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il faut démanteler la BAC et procéder à une reprise en main générale de la police. Ce que dit Yannick, ce que propose Jean-Luc Mélenchon est complètement irresponsable et dangereux pour la sécurité des Français. Ce que Jean-Luc Mélenchon propose pour la police. Selon vous, comme vous l'avez dit, les Français ont besoin d'une police loyale. Attachée au principe de l'État, il faut une reprise en main générale de la police. Il faut en finir avec la police du chiffre et des primes aux résultats. Donc démanteler la BAC, comme j'ai dit, rétablir une police de proximité, comme le veut Sofia, interdire dans la loi la reconnaissance faciale dans l'espace public, désarmer certaines unités de police, les polices de circulation, les policiers dans les manifestations. Yannick Landurin, est-ce que c'est possible ça ? Eh bien, écoutez, je ne suis pas anti-Mélenchon, moi déjà je ne suis pas un candidat comme lui. Il y a des choses qu'il dit qui sont totalement réelles. Effectivement, la formation, vous avez raison, ça n'a jamais été 2 ans. Hein. C'était 12 mois, c'est passé à 8 mois. Effectivement, on est comme vous, on pense qu'il n'y a pas assez de formation. Pas assez de formation initiale, mais pas assez de formation continue surtout. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Il manque des fonctionnaires de police. Vous voulez en embaucher 10 000, si j'ai bien compris? Non? Oui, non? Non? Voilà, là-dessus, on est plutôt d'accord. Là où ça ne va pas, c'est la dissolution des bacs. Ouais. Je crois qu'il ne sait pas ce que c'est une bac, en fait, M. Mélenchon. Alors expliquez-lui. Je vais lui expliquer parce que je crois qu'il n'a pas bien compris le fonctionnement des bacs. Moi, je suis en bac depuis 5 ans et ça fait 20 ans que j'exerce en Seine-Saint-Denis, sur la voie publique. Je ne suis pas caché dans un bureau, je suis sur la voie publique. Là, j'ai travaillé cette nuit. Mes 2 dernières interventions en tant que baqueux, ça a été d'aller au secours de 2 femmes qui se faisaient battre par leur mari à 3 h du matin. C'était ça l'intervention de bac. C'est ça la bac. C'est pas autre chose. C'est pas vos caricatures et vos amalgames que vous dénoncez d'ailleurs quand on parle de la communauté musulmane. Et vous avez raison. Vous faites la même chose avec la police nationale et ses fonctionnaires. Exactement la même chose. Pareil. La bac, c'est pas. Moi, j'arrive pas le matin au boulot en me disant oh, je vais bien choper un gamin de 15 ans, lui bourrer un peu la tronche et puis lui piquer sa barrette de shit. Vous croyez que c'est ça mon délire? Vous croyez que je jouis de faire ça, moi? Arrêtez. C'est une caricature ridicule en plus. Et c'est irresponsable. Pourquoi? Moi, je suis sur une circonscription de 60 000 habitants. La nuit, il y a 2 véhicules, la police secours et la BAC. La police secours, elle est toujours engagée à des déplacements, elle n'est jamais disponible. Il ne reste que les BAC. Vous voulez les retirer. Qui va aller sur une mission d'urgence? Qui va aller porter assistance au gamin qui se fait racketter au lycée? Qui va aller défendre la femme qui se fait battre par son mari la nuit? Qui va faire ça? Je vous pose la question. Vous donnez c'est de la politique politicienne pure et dure. Ça va racoler les personnes anti-police, très bien, si c'est votre électorat, il n'y a pas de problème. il y a 73% de la population qui adore sa police, qui aime sa police. Donc de dire que la police assassine, tous ces slogans, qu'on est des barbares, qu'on vous a entendu dire, c'est ridicule. C'est créer de la haine et il n'y a aucun intérêt. J'ai discuté avant l'émission avec Sofia, on s'est même échangé nos coordonnées. On s'est dit effectivement, il faut du rapport humain. La police de proximité, vous avez raison. Je suis rentré à la police, c'était la police de proximité. Il y avait du bon. Sarkozy est arrivé, il nous a retiré tous les effectifs. Je vous suis là-dessus, vous avez raison. Mais il faut des forces d'intervention. Les deux premiers policiers qui rentrent au Bataclan, ce sont deux policiers de la BAC. Ils neutralisent un assaillant et tous les autres sont retournés vers eux. Ça a sauvé sûrement des dizaines de vies. Les BACeux, c'est des policiers de voie publique, c'est des policiers qui interviennent en primo-intervenants. Ils sont plus que nécessaires. Le sentiment d'insécurité des Français, et je vous l'ai entendu dire ça d'ailleurs, c'est pas les braquages de banque, c'est pas les homicides. C'est le gamin qui va se faire raqueter, c'est la nana qui va se faire harceler sexuellement dans le métro, c'est ça. Et c'est les BACeux qui vont en premier. Ils vont pour... Effectivement, si on peut interpeller, on fera du flagrant délit. Mais on va aussi pour rassurer la victime, pour lui expliquer la procédure pénale et dans quel sens agir, pour la rassurer. C'est ça qu'elle attend, la victime. Et si vous l'aider, sous de ces bacs, on va dans le mur. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est un bon. Jean-Luc Mélenchon. L'action de police est un échec total. Ça fait 30 ans que, tous les ans, 1 à 2 lois concernant la sécurité sont adoptées par les gens qui font des surenchères verbales continuelles. Toujours au nom des bons sentiments que nous partageons tous. Car moi, je ne connais pas une personne dans mon entourage qui va vous dire que par principe, il n'aime pas la police. Il n'aime pas cette police-là. Cette police violente, cette police qui a éborgné 32 personnes sans qu'il y ait un seul coupable, cette police qui a tué une femme qui était au 4e étage à Marseille, cette police qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et quand on pose une plainte, vous retrouvez avec l'IGPN pour décider ce qu'il faut décider, IGPN qui est composé de policiers. Il y a donc en quelque sorte une corporation qui s'autocontrôle. La police est aux ordres de la nation. Aux ordres, c'est pas elle qu'en donne. Et ce genre d'activité, comme on en voit sans arrêt, est insupportable. Il y a 7000 baqueux, comme vous dites. Il y a 5000 policiers seulement dans la police judiciaire. Or, ce que nous vous demandons d'abord de régler, c'est le trafic des êtres humains qui s'est développé et multiplié par 4 dans ce pays. C'est le trafic de drogue qui s'est multiplié dans ce pays. C'est la circulation de 6 millions d'armes. Voilà de quoi vous êtes d'abord responsable. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. Et ceux qui, parmi vous, se sont couverts d'opprobre et ont ridiculisé la police par des comportements personnels, racistes ou autres, seront expulsés de la police nationale. Expulsés. Vous m'entendez? Je crois à la police républicaine. Et pour qu'il y ait une police républicaine, il faut qu'on cesse avec les gens qui se comportent comme vous vous comportez, vous-même, personnellement, parfaitement. Mais votre histoire, on la raconte? Avec plaisir. Comment vous avez blessé un jeune de 16 ans avec un ciseau? Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Si vous me laissez parler, je vais vous le dire, aucun problème. Alors, racontez-nous qu'est-ce que c'est que cette affaire, Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui la raconte ou c'est moi qui la raconte? Avec lui, c'est normal. C'est lui l'accusé. C'est moi l'accusé? Bah, je vous accuse. D'accord. Bah, normalement, c'est la défense. Dans les pays normaux, ça se passe comme ça. C'est un monologue. Merci. Allez-y. Donc, si c'est passé, on a contrôlé un groupe d'individus dont un était porteur d'un ciseau. Enfin, ils se battaient entre eux, en fait. Donc, un avait un ciseau. J'ai désarmé ce jeune avec ce ciseau et lorsque j'ai attrapé par le cou, il a été blessé ici. Il a eu un point de suture. Il n'a pas déposé plainte contre moi. J'ai appelé immédiatement le procureur. Vous les foutez en garde à vue, son père aussi. C'était pas pour ça. J'ai appelé le procureur et personne n'a suivi. Je n'ai pas du tout été mis en cause dans cette affaire. C'est une non-affaire. Mais je vois la bassesse du débat. Ça m'étonne pas ce que j'ai vu tout à l'heure avec Zemmour. Ben alors pourquoi vous avez... Ah ben voilà. Ça y est, le mot est lâché. Ah oui, avec M. Zemmour, c'était bas. Hein. Votre comportement, ouais. Ouais, mon comportement. Oh, ouais. Et le vôtre, il est normal. Moi, je vais vous collez en garde à vue le jeune, vous collez en garde à vue son père. Je ne suis pas candidat. Vous savez, oui, vous n'êtes pas candidat, mais moi je le suis. Et si je suis élu, le ministre de l'Intérieur, il ne permettra pas à des gens comme vous de continuer à exercer ce métier. Les policiers sont républicains. Vous n'êtes pas républicain. Non, monsieur, moi j'ai connu la police de monsieur Bernard Delplat. Vous m'impressionnez pas, c'est pas la peine de hurler. Vous n'êtes pas sur la voie publique. C'est ça. Yannick, vous dites que... Vous obéirez comme les autres. J'obéis parce que moi je suis républicain. Exactement. C'est un fonctionnaire qui obéit, moi. Vous ne ferez pas la loi. Vous, monsieur, contrairement. Moi, je ne vais pas laisser dans des unités comme vous avez laissé faire, que vous aviez sous vos ordres, éborgner un jeune de 16 ans. Oui, dans l'unité que vous commandiez, il s'est tiré un flashball sur un jeune de 16 ans. Personne n'a été puni. Qu'est-ce que vous dites ? 32 personnes ont été éborgnées. Le premier blessé sur les gilets jaunes, c'était un policier qui a pris un pavé là. Oui, oui, voilà, alors c'est normal. Qui s'est fait lyncher, on a vu tous les policiers blessés. Policier, c'est un métier. Moi, j'ai connu la police de Bernard Delplace. J'ai connu la police d'Eugène Asensio. C'était des républicains. Vous n'êtes pas. Merci, Yannick. Jean-Luc Mélenchon, vous remplacez la BAC par quoi ? Par une police de proximité qui fera le boulot. Et qui seront là, et qui s'occuperont des gens, et qui discuteront. On réouvrira les postes là où il en faut, de police, et ça sera la bonne franquette, en parlant, pas avec des gens qui circulent dans des bagnoles, et tapent avec un matraque sur la porte, pas ceux qui contrôlent 20 fois par jour quelqu'un parce qu'il a la peau noire, à commencer par mon camarade président de la commission des régions au Parlement européen, qui chaque fois qu'il arrive à la gare du Nord, est contrôlé parce qu'il est noir, tandis que tous ceux qui sont autour de lui et qui sont blancs, ne le sont jamais. Ça suffit ! Vous avez compris ? Votre caricature, ça suffit ! Personne n'y croit, votre caricature. Ça suffit. Jean-Luc Mélenchon, on se calme. J'aimerais... Yannick Landurin, c'est possible ce que dit Jean-Luc Mélenchon pour vous ? C'est une caricature. C'est évident, on le sait. La police de proximité. Il est là, mon collègue. Pour la police de proximité. Non, la police de proximité qui remplacerait la BAC. Alors, évidemment, mais ça se prend pour moi un deuxième temps. C'est-à-dire qu'avant, et il a raison, il faut tuer ces têtes de trafic. Et évidemment qu'il manque d'enquêteurs. C'est une évidence. D'accord. Mais il ne faut surtout pas enlever les baqueux. C'est le corps de métier. À Dijon, là, les jeunes qui avaient des kalachnikovs, c'est la police de proximité, à la bonne franquette qui vont gérer le problème, vous pensez ? Moi, je pense pas, moi. Eh bien, alors arrêtons-nous. Arrêtons-nous là-dessus. Intervention, qui les interpelle, et après, mettons la police de proximité. D'accord. Il n'y a pas de problème. OK, on parle de technique. Donc, ils avaient des mitraillettes. Qu'est-ce que vous proposez de faire ? De tirer dessus ? Si je me fais braquer avec une mitraillette, évidemment, et j'espère le tuer, oui. C'est une évidence, oui. Quelqu'un a tiré des coups de mitraillette ? Ils avaient des mitraillettes ! Mais enfin, vous savez comme moi la situation. Si vous voulez, je vous emmène dans un quartier de Marseille dont la BAC a été dissoute. Venez avec moi en BAC, venez faire une vacation. Non, vous verrez ce que c'est. Ah non, vous pouvez rester sur vos grandes idées, vos caricatures. C'est plus facile, vous avez raison. Mais pour qui vous prenez pour me parler comme ça ? Alors, et vous, si vous prenez pour qui vous... Moi, je me prends pour celui qui s'apprête à diriger ce pays. On est là, on est sur le corps de métier. Moi, je vous parle de ce que je vis tous les jours. Moi, je vous parle dans mon bureau ou dans ma voiture avec chauffeur. Je parle de ce que je vis tous les jours. C'est sa voiture avec chauffeur. J'ai pas de chauffeur et j'ai pas de voiture. Jean-Luc Mélenchon. Ah ben oui, voilà. Alors vous êtes écologiste, c'est vrai. Non, monsieur, ça pourrait que ce soit écologiste. Je prends le métro, moi. Yannick et Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, je vous dis ce qui se passe sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est possible de réussir à juguler, par exemple, une manifestation sans... avec des politiques. Quand ils sont pas là, ça se passe bien. Donc vous pensez que... Mais bien sûr, je pourrais vous montrer comment ça se passe chaque fois qu'on évite de déployer cette grande armée qui fait des nassages. C'est le préfet allemand qui a inventé ça. Il nasse les gens ne peuvent plus sortir. Au bout d'un moment, tout le monde s'énerve. Les paroles commencent à voler de plus en plus haut. Des fois, c'est d'autres choses qui volent. Aussitôt, on commence les tirs. D'abord, c'est des lacrymos. Après, c'est des flashballs. Après, c'est des grenades de désencerclement. Et à la fin, ça termine en bataille générale. De la même manière, on a pris l'exemple de Dijon, que je connais bien, parce que je l'ai étudié. Eh bien, ce que me disent les gens, c'est exactement comme à Marseille. Qu'est-ce qui se serait passé ? Vous aviez 40 collègues là-bas. Eh bien, moi, j'approuve le préfet qui a décidé de ne pas les déployer avec des armes. Donc, on laisse faire. Parce que s'il avait... Mais non, on ne laisse pas. Si on laisse mais on ne transforme pas un quartier en un endroit où tout le monde se tire dessus. Ça a été le cas ou pas ? Parce que les pauvres gens... Ça n'a pas été le cas, hein. Eh bien, ça n'a pas été le cas et c'est bien heureux. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la question de l'armement mérite mieux que les formules à l'emporte-pièce que vous utilisez. Faux. Moi, j'ai proposé de désarmer dans les manifs. Je suis pour qu'on désarme les policiers dans les manies. Plus de nas, plus de clés d'éclandrement, plus de flashballs, plus de grenades de désencerclement. Il y en a assez. Il y en a assez. Alors, n'essayez pas de vous draper dans le costume de la police. Parce que de la police, il y a une police républicaine qui n'est pas raciste, qui n'injurie pas, qui, quand une femme vient porter plainte parce qu'elle a été battue par son homme, ne se fait pas éconduire. 80% des plaintes des femmes ne sont pas retenues. Voilà la vérité. C'est faux ce que vous dites. Ça suffit. Vous êtes un menteur. Ça suffit. Vous serez réformé de la cave au grenier. Et vous, peut-être que vous ne serez plus policier. Bien sûr. Vous allez faire quoi ? Vous allez me virer ? Oui, parfaitement. Oui. Je préfère une enquête pour savoir comment vous y êtes pris pour faire un point de suture à la gorge d'un gamin que vous avez attaqué. Il y a un ministre de l'Intérieur. Il s'occupera de vous. Oui. Il s'occupera de vous exactement comme Pierre Josse, si je peux le placer, je veux bien. Qui lui a désarmé. Attendez, dernier mot de Yannick Landurin. Juste un truc pour le MO et pour le maintien de l'ordre, pardon. Oui. Et là, c'est rare, mais là je suis d'accord avec lui, il faut que ce soit des professionnels du maintien de l'ordre. On ne peut pas donner un bouclier désuet et une matraque et un flashball à un policier, effectivement, qui fait la circulation, qui crée des accidents, enfin qui gère les accidents. C'est une évidence. Mais nous, on le dénonce, ça, en tant que syndicat de police. On veut des formations, on veut de la professionnalisation. Eh bien, votez pour moi, parce que ça sera fait. J'hésite encore, j'hésite. Est-ce qu'il critique son maintien de l'ordre ? Vous avez dit que vous alliez le virer, il ne va pas voter pour vous. Finalement, là, non, j'ai un crédit à payer. Ouais. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que. Et quand il s'en prend, le nassage, il a raison. Mais ce n'est pas les policiers. En maintien de l'ordre, on obéit aux ordres, c'est le préfet. Et vous avez raison, mais il faut vous en prendre aux bonnes personnes. C'est pas le flicard qui est dehors. Non, mais je suis d'accord. On est bien d'accord. Ah. Non, mais attendez, qu'on soit clair. C'est pas le policier qui va payer pour les ordres qu'il reçoit. C'est ce qui se passe. Mais je veux savoir qui a donné l'ordre de tirer en pleine figure à 32 personnes. Monsieur, qui a donné l'ordre de tirer sur quelqu'un qui était au 4e étage? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu l'ordre. Qui a donné l'ordre d'étouffer ce pauvre monsieur sur sa mobilette? Alors que je sais très bien qu'il y a des gens qui donnent des ordres. Je sais très bien qu'on excite. Évidemment. Allez, maintenant, il faut y aller. Vous avez un préfet qui dit, ici, il y a deux camps. Non, il n'y a pas deux camps. Il n'y a qu'un camp, le peuple souverain. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Je vous parle du préfet des policiers. Je parle du préfet l'allemand. Je ne parle pas de votre préfet. Ceux qui donnent des ordres doivent être punis. Et ils le seront. Ils le sont. Non, mais ils sont punis par le préfet l'allemand. Allons. Personne n'est jamais puni. Personne n'est jamais puni. Merci, Yannick. Juste, il y a Marlène Schiappa qui m'écrit, qui nous regarde. Qui ça ? Marlène Schiappa qui vous embrasse. Elle est au ministère de l'Intérieur maintenant. Mais moi, je ne l'embrasse pas. Ah, elle dit que vous dites n'importe quoi sur les chiffres, sur la prise de plainte. Vous avez les chiffres d'il y a 20 ans. Avec plaisir. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? On va se voir après. Ah, d'accord. Merci Yannick, merci. Voilà, elle dit que vous avez les mauvais chiffres. Voilà, je vous le dis. Allez, on va passer maintenant au Covid, hôpital. Sabrina Ali Ben Ali est avec nous. Merci d'être là, médecin urgentiste. Voilà, c'était un peu dur. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur la crise du Covid, sur le vaccin. Le vaccin est une raquette trouée et le pass vaccinal est 100% inefficace. Ce que dit Sabrina... Oui, le pass vaccinal est inefficace et porte atteinte aux libertés. Je partage le constat de Jean-Luc Mélenchon. Il faut une économie au service des gens et pas l'inverse. Merci Sabrina d'être avec nous. Je vous l'ai dit, vous êtes médecin urgentiste. Alors, vous êtes plutôt d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, si vous aviez eu à gérer la crise du Covid à la place d'Emmanuel Macron, vous auriez fait quoi ? Excusez-moi. Ouais, allez-y. Est-ce que juste avant de commencer, parce que c'est vrai qu'on passe d'un débat à l'autre... Bien sûr. La cause animale, la police, etc. Je voudrais juste, parce qu'il y a eu un moment important de cette émission, et c'est un homme politique qui discute en face d'un homme politique, et j'avais envie de vous dire en tant que citoyenne que les 3 premiers quarts d'heure de cette émission, quand comme moi on s'appelle Sabrina Ali Ben Ali, qu'on a vu sa grand-mère faire la prière sur le tapis à la maison, bah, c'était d'une violence qu'on n'imagine pas. C'est un débat, alors... Non, attendez. Sabrina, ici, c'est un débat. Jean-Luc Mélenchon était là pour répondre à Éric Zemmour. Éric Zemmour n'a pas fait un monologue. Donc, c'était un débat entre deux personnes. Oui, oui, c'est juste que moi, vous voyez, j'ai grandi dans un endroit où, à l'époque, tous les gens, quand M. Le Pen disait ça, il n'avait pas 50 minutes. Et là, vous voyez, on dit des gens... Non, mais il n'a pas 50 minutes et il est en face d'un débatteur. Donc là, vous dites des grosses bêtises. Il n'a pas fait un monologue. Il n'a pas fait un monologue. Il était en face de Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'avant, on ne parlait pas. De ma grand-mère qui n'apportait rien et que, par exemple, comme elle était retraitée, elle aurait dû s'en aller. Mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que vous ne soyez pas... Le remplacement de M. Zemmour, c'est moi. Mais oui, je sais, Sabrina. C'est le médecin qui, tous les jours, soigne ses concitoyens. Je sais, Sabrina. C'est Nadia, c'est Mehdi, c'est ça le grand remplacement. Sabrina, je comprends tout à fait. Et on le dit souvent, il y a beaucoup de musulmans qui regardent la télé en ce moment et qui à chaque fois se disent c'est quand même très compliqué de pouvoir faire son travail parce qu'on entend des choses qui sont quand même compliquées pour les musulmans actuellement. On n'a pas parlé de cette façon-là. Il y a beaucoup d'amalgames. On n'a pas parlé de cette façon-là de la population juive. On ne parle pas de cette façon. Quand vous avez une heure. Sur une religion qui a concerné des gens de votre famille qui se sont faits tout à fait tranquillement, c'est un peu c'était pas un monologue, c'était un débat. Et Jean-Luc Mélenchon vous a très bien défendu. Et par ailleurs, comme on va parler de médecins, je peux vous dire que nous, médecins, à la fin, et ça je voudrais que tout le monde l'entende, les certificats de décès, on en a signé beaucoup, et bien c'est tous les mêmes. On a tous le même corps. Bien sûr, vous avez raison. Et quels que soient les gens où on va faire les certificats de décès, qu'ils soient croyants, non croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient d'abord... D'ailleurs, à chaque fois, c'est assez joli ce qu'on apprend partout de leur rite. Voilà, à la fin, il n'y a qu'une chose, c'est l'humanité universelle. Et on est tous, de là où on est jusque là où on finit, les mêmes humains par le monde. C'est bien de le dire. Merci Sabrina. Sabrina, sur le Covid, Jean-Luc Mélenchon, je crois que Sabrina... Qu'est-ce que j'aurais fait, vous disiez ? Oui, vous auriez fait quoi ? Vous auriez fait quoi ? Parce que Sabrina dit qu'elle est plutôt d'accord avec vous. Elle va nous en parler dans un instant. Oui, alors il faut dire que je m'inspire beaucoup de ce que me disent les hospitaliers, médecins... Bon, vous savez qu'il y a... Moi, je suis beaucoup ce qu'elle dit, hein, ce qu'elle explique dans les émissions où elle passe. Il y a aussi Caroline Fiat, qui est députée insoumise. Vous savez qu'en cours de route, elle était députée, elle est retournée à l'hôpital pour donner le coup de main. Bon, c'est assez remarquable, hein, parce qu'à l'époque, ils étaient en train de s'habiller avec des sacs poubelles et ils n'avaient pas de gants et tout ça. Bon. Donc j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent. Je ne m'aventure pas, d'accord ? Je sais que c'est des questions de vie ou de mort et il n'y a pas de place pour chacun de dire ce qu'il sent. Alors, évidemment, le premier confinement, je vous dis les choses franchement, on a beaucoup discuté entre nous. Il y avait des gens qui disaient, on leur rentre dedans, ils font n'importe quoi. Et d'autres, parmi moi, dedans, disaient, mollo, quand ça va mal, on serre les coudes. On essaye de trouver des sorties. Donc, on a été plutôt disciplinés. Et des gens nous le reprochaient. On dit, alors, vous faites de drôles d'insoumis, bon, parce que vous êtes disciplinés. Je crois qu'on a bien fait de le faire parce qu'on a fait une démonstration. Ensuite, on a passé notre temps à faire des propositions, des plans, des projets de loi, qu'on discutait avec eux, hein, comment s'y prendre. Mais vous m'avez posé une question, je mets tout ça de côté. Comment je m'y serais pris ? Comme vous le savez, je suis né en Afrique du Nord. Et donc j'ai pu observer ce qu'étaient les sociétés en grande difficulté face à la maladie. Et il y avait toutes sortes d'habitudes. Il y en a une que je raconte souvent, c'est chaque fois qu'on faisait des légumes, on mettait le permanganate de potassium dans la flotte, c'était violet, nos parents nous montraient comment c'était, et on nettoyait pour ne pas choper les saletés. Et j'ai vu donc, tous les souvenirs sont revenus, des gestes barrières à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Et puis je me suis rappelé de mes copains qui sont dans l'Afrique au sud du Sahara. Et pareil, eux, plein de choses, parce qu'il y a le palu, parce qu'il y a ceci, parce qu'il n'y a pas là, bon... Donc, nous, on a commencé à dire, écoutez, on s'y prendrait totalement différemment. Un, on arrête de fermer les lits d'hôpitaux. La mesure de bon sens élémentaire. On est en pleine crise. C'est quoi la crise ? C'est juste qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux pour accueillir les gens qui sont en situation d'extrême détresse. Et comme on les met là, alors du coup, on ne prend pas les autres qui ne peuvent pas faire leurs interventions pour d'autres maladies. Donc, c'est la pagaille. On arrête. Pendant la crise, le gouvernement a quand même fermé 5700 lits. Depuis le début du quinquennat, c'est 17 000 lits. Enfin, on marche sur la tête. Tout le monde dit qu'il y a un problème gigantesque. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ferme. Donc, premièrement, moratoire. Ensuite, société du roulement. C'est tout bête à comprendre. Alors, on nous dit, alors un coup, on nous dit, pas de masque, ça sert à rien. Après le coup d'après, si, le masque, le test, non, ça sert à rien. Si, le test. Bon. Alors, pendant qu'on dit tout ça, vous avez les gens sur le quai de la gare, un coup avec le masque, un coup sans le masque, tassés comme des harengs, hein, ou des sardines dans leur boîte, qui montent dans le métro. On aurait pu changer les horaires de départ au travail. Et sur le lieu de travail, on aurait pu réunir les gens qui sont là. Ils ont envie de faire leur boulot, je suis sûr, dans votre équipe. Personne n'a envie de dire « je reste à la maison, on fait rien ». Et puis on discute. Ah, j'en sais rien, vous leur demanderez, mais non, on discute comment on va s'y prendre. On va prendre un autre exemple. Non, mais comment on va s'y prendre ? Alors, par exemple, on va demander à Cyril de nous donner des masques FFP2, ouais. Hein, parce que quand vous mettez ça sur la figure... Ça diminue de 100% le risque de contamination, d'accord ? Donc voilà, c'est ça. Bon, bah, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je le mets. Et quand on fait des meetings, on le distribue. Donc, je mettrai en place une société du roulement, et pour les gamins, qui est notre souci à tous. Hein, premier souci, c'est ça. Je me serais gardé de dire une bêtise du genre « Ah, au bout d'un certain temps, vous ouvrez la fenêtre, misérable. Vous allez ouvrir la fenêtre quand il fait un froid appelé, et bien, vous allez rendre tous les gosses malades d'autre chose. » Non, on doit mettre des épurateurs d'air. Si vous saviez comme ils sont foutus de moi à l'Assemblée ou de mes copains, quand on intervenait « Ah, les revoilà avec leurs épurateurs d'air. » Ben oui, nous revoilà. Tant que vous en aurez pas mis, on continuera à demander ça. C'est-à-dire des mesures concrètes, une société du roulement et la multiplication des gestes barrières qui nous permettent de nous protéger au lieu de cette cohue qui a été ordre contre ordre et le reste. Mais il y a un problème plus profond. Et moi, j'aimerais qu'elle puisse témoigner. Le docteur doit pouvoir témoigner. On a transformé l'hôpital en entreprise. À partir du moment où on a décidé qu'on faisait la rémunération à l'acte. Alors, ça paraît compliqué comme formule. Vous arrivez à l'hosto, vous, monsieur Hanouna. On vous regarde. J'espère pas pour l'instant. Vous êtes un peu malade. On dit, ouais, mais... Il a un peu trop picolé, celui-là, il doit avoir le foie en morceaux, au revoir. C'est sûr que c'est pas moi, déjà. Non, ben, bon, c'est peut-être pas vous, mais ça pourrait. Bon, ben, alors autre chose. La clope ou je sais pas quoi. Non, non plus. Rien. Non plus. Bah non. Bon, peu importe, vous êtes mal, d'accord. Donc, alors on dit, celui-là, on le prend. Qu'est-ce qu'il a? Il a mal à une oreille, on le répare à toute vitesse. Tchou, 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 3 points, dehors. Le reste, on ne veut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'on est payé à l'acte. La clinique, elle vous regarde, elle dit, celui-là va mal en point, j'en veux pas. Renvoyez-le à l'hôpital public. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai vu à Marseille, on me racontait à l'hôpital public, il arrivait un malade avec accroché après lui un bout de papier où il était marqué la maladie qu'il avait. Parce qu'à la clinique, ils n'en avaient pas voulu, ils l'avaient envoyé à l'hôpital parce que là, ça allait prendre. Ouais. Donc, transformer l'hôpital en entreprise, c'est de la bêtise numéro 1. Une personne, c'est un tout. Sabrina, allez-y. Il faut bien comprendre aujourd'hui, M. Hanouna, dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire que, effectivement, comme dit Jean-Luc, on nous a fait une montagne d'administratifs. Donc, pour vous donner l'exemple, si là, vous arrivez demain avec une cheville cassée... Mais ça suffit maintenant. C'est vrai qu'on vous en soit à des mauvaises choses. Ça va porter la chkoumoune. Ça suffit maintenant, oui. Alors oui, donc, bon, Sabrina... C'est un code barre, comme au supermarché. Vous arrivez là avec ça. Une fois que vous êtes là-dedans, vous appartenez à un GHM, un groupe homogène de malades, pour lequel on a un GHS, un groupe homogène de séjour. Et on calcule que pour un homme de 35 ans avec la cheville cassée, si vous ne faites pas l'appendicite en même temps, la DMS, durée moyenne de séjour, va être de 5 jours. Bon, si vous dépassez ça, le service y perd de l'argent. Si vous faites moins que ça, on gagne de l'argent. Donc en fait, plus vous faites d'actes, plus on fait opérer, mettre des perfs, etc. Et là, le service, il a de l'argent. Une personne âgée qui est opérée de sa fracture du col du fémur, mais qui est seule, qui est veuve, parce que sa femme est déjà décédée, qui ne peut donc pas rentrer à la maison encore parce qu'il ne marche pas. On l'a déjà opérée, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus que de la kiné. Mais du coup, il coûte de l'argent à l'hôpital, parce que pour eux, on ne lui fait plus rien à ce moment-là. Donc, c'est un patient qui n'est pas rentable. C'est ce que disait Jean-Luc là, où la clinique, du coup, celui-là, quand il vous dit diabétique, hypertendu, etc., dépendant, incontinent, ils n'en veulent pas. Et toute cette charge-là, elle retombe sur l'hôpital et vous allez rire. Mais c'est terrible ce qu'on fait. Pour pas que l'argent, parce que quand un service y perd de l'argent, on lui dit on t'enlève une aide-soignante parce qu'avec ton activité, tu n'as pas besoin de tant de personnel. Donc, on se le passe de service en service pour pas être déficitaire. Vous allez lui faire faire une semaine en gériatrie, une semaine en orthopédie. Non mais c'est ça, il faut que les gens se rendent compte. C'est très intéressant ce que vous dites, Sabrina. Que vous avez la dame qui va aller voir son mari qui ne sait plus où elle est. Et nous, on s'appelle, on dit « Ah bah, tu l'as déguisé en paquet de Noël ». Parce que pour que le SSR en fasse soins de suite et de rééducation, ils vous le prennent, comme eux aussi, ils sont en sous-effectif. Et que la dame, elle vient là, et que vous, on vous met la pression parce qu'il faut virer, parce qu'en plus, aux urgences, il y a la queue et qu'il y a d'autres gens qui attendent des lits. Ben, vous mentez. Vous mettez un dossier, vous ajoutez 2 kilos, vous ne mettez pas qu'il est incontinent, on cache la sonde, on ne dit pas qu'il chute la nuit, et du coup, il s'en va, et là-bas, ils appellent ça les paquets surprises. Donc, à la fin, on est arrivé à un truc où c'est l'infirmière cadre de l'EHPAD qui vient vérifier avant l'état du malade pour être sûr qu'on ne lui ment pas. Mais on marche sur la tête, mais c'est devenu ça l'hôpital. C'est fou parce qu'on sent que là c'est du concret là, de ce dont vous nous parlez. Ah bah, ça a été tout mon internat. C'est fou d'entendre ça. Donc c'est ça qu'aujourd'hui qui est plus possible. Ouais. Moi j'ai demandé à Jean-Luc Mélenchon et les équipes si on pouvait mettre déjà des choses très concrètes dès qu'on arrive. À l'hôpital aujourd'hui il y a des choses qui sont plus possibles. Déjà pour que les gens s'en aillent plus, il faut qu'on puisse travailler correctement. Quand vous êtes aux urgences, avec tout ce qui nous a enlevé, il vous manque un électro. Il faut courir au 3e étage parce que dès que vous avez 2 personnes qui ont une douleur thoracique, il vous faut un 2e électro. Bien sûr. Il en a plus, il est cassé. Donc il faut aller au 3e étage leur demander. La bouteille d'oxygène, il faut demander au-dessus. La ponction lombaire, on n'a même pas de coussin. Pour que les gens ils s'enroulent, on prend leur manteau. Donc si déjà tout de suite, et ils m'ont dit oui, on a dit on fait une liste, service par service. Des fois c'est des stylos qui nous manquent. Tout le monde marque de quoi il a besoin pour travailler correctement. Il manque 2 brancardiers, ok, parce que combien de fois les internes, on ne peut pas aller soigner les gens parce qu'on brancarde. Moi, quand j'étais en gynéco ici à Bichat, une dame, il la descende de gériatrie, elle doit faire son échographie de l'endomètre. Je vois les patientes les unes après les autres. Elle, on a fini de la voir aux 3h15, la mamie, après. Il n'y avait que 2 brancardiers. Donc le temps qu'ils fassent tous les transferts qu'ils doivent faire, dont les blocs en urgence, la mamie... Elle avait au moins 80 ans, elle est comme ça sur une chaise roulante contre un mur. Au bout d'un moment, vous avez de la peine. Moi, je quitte mon taf et du coup, je prends la chaise roulante pour la remonter. Et c'est ce que fait tout le monde à l'hôpital. C'est que vous avez un glissement de tâches énorme parce qu'on manque de personnel, parce qu'on manque de matériel et que tout est comme ça. Il y a une urgence. Donc, nous, tout de suite, ça, ils ont accepté ça et je suis très contente d'avoir un mouvement et de faire partie d'un endroit qui est au plus près des besoins des personnels et qui ne dit pas comme eux aujourd'hui, nous, on a ça de thune, tu te débrouilles avec, mais qui dit non. Les citoyens, ils ont besoin de quoi pour être correctement soignés et on vous donnera de quoi vous avez besoin. Bravo Sabrina. Bravo Sabrina. Bravo. Sabrina, vraiment, Merci pour votre intervention, Sabrina, parce qu'en plus, vraiment, votre petit message, là, il était dur quand vous avez dit on a beaucoup de morts, mais enfin tout à l'heure, l'exemple que vous avez pris. Et franchement, je trouve que c'est le message qu'on doit retenir ce soir. Vraiment, bravo Sabrina. Oui, et d'ailleurs, je dis à M. Consigny qui est là, je sais qu'il y a des gens très riches qui sont bons, mais nous, vous voyez, tous les jours, les infirmières, elles sont à 1500 balles et elles partent pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de l'argent chez vous. Alors, attendez, on peut mentionner. On vous entend, Charles. C'est pour ça, cher docteur, qu'il ne faut pas appliquer le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui ne permettra pas de mieux payer les infirmières et tous les premiers de cordée, qui au contraire ont besoin d'un vrai programme efficace comme celui de Valérie Pécresse, qui permettra de faire en sorte que la France reste un grand pays dans lequel les premiers de cordée sont bien traités et bien payés. La première de cordée, elle a dû servir dans 3 bars à la fois, monsieur, pour faire ses études. Merci, Sabrina. Merci, Sabrina. Sabrina, Ali Ben Ali. Merci Sabrina. Merci d'avoir été là, merci. Allez, on va passer au programme économique de Jean-Luc Mélenchon avec Éric Revel. C'est parti. Merci Éric Revel d'être là. Vous étiez là avec Éric Zemmour, vous êtes là avec Jean-Luc Mélenchon, vous serez là avec Valérie Pécresse. Je teste, je regarde comment Jean-Luc Mélenchon me regarde, c'est un indice. Ouais. Je vous entendais bien tous les deux. Bah, on se connaît. Ouais, bah il m'a dédicacé un livre il y a longtemps, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Je crois que c'était L'Ère du peuple, si je me souviens bien. Ah oui, c'est le harangue de Bismarck. Et le harangue de Bismarck, c'est pas mal. Je vais vous laisser, moi. Vous vous souvenez de la dédicace, vous allez voir comment on s'entend bien. Vous vous souvenez de la dédicace? C'était quoi la dédicace? La dédicace, ce sera, pour vous, ce sera les mines de sel. Eh ben, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on va retourner à la mine de sel. Alors... Allez, Éric Revel, merci d'être là, journaliste et économiste, Éric, directeur de la revue politique L'Hémicycle, docteur d'État en finance internationale. Oui, non, c'est pas n'importe qui. Hein. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il faut bloquer les prix et imposer la limitation des frais bancaires, instaurer le SMIC à 1400 € minimum et mettre en place une 6e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors, je vais vous dire tout le programme économique, est-ce que c'est possible? Il faut au moins qu'on ait 10 minutes. Allez-y, on en a. Le programme, il est incroyable. Hein. Il y a 694 propositions, il y a 14 chapitres. Ça s'appelle L'Avenir en commun. Et à l'intérieur de tout ça, il y a des mesures économiques. Alors, je voudrais vraiment les prendre une par une, celles qui m'intéressent le plus. Le salaire et le SMIC, parce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Il y a eu des manifestations partout en France aujourd'hui de gens qui réclament une revalorisation des salaires. Et puis, on a une inflation qui est en train de renier un peu plus le pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment une question centrale. Donc, SMIC, salaire, on va en parler. Retraite, je vous demanderai 1 ou 2 précisions, parce que Cyril Hanouna en a parlé tout à l'heure. Les frais bancaires et puis les 35 heures. Parce que vous avez un côté sarkozyste, Jean-Luc Mélenchon, je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'aimerais parler globalement de votre programme. Ça va lui faire plaisir, Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais parler... Ça se complique, hein, non, vous allez voir. Venezuela, non, mais vous... Sarkozy... Non, mais vous aimez les lanceurs d'alerte. Hein? Bon. Ah oui. Alors, je voudrais globalement parler de votre programme. Vous avez une alerte à lancer, mon cher? Oui, je vais vous lancer une alerte. Je vais vous lancer une alerte. Parce que votre programme, il est complet, il est large, mais il n'est pas financé. Il n'est pas financé. Vous allez dire... Oh, il n'est pas financé. Et c'est un sujet majeur, parce que comme vous êtes un historien de la politique, mon cher Jean-Luc Mélenchon, il y a de neuf que ce qu'on a oublié, et je suis certain que vous n'avez pas oublié la période 1981-1983, puisque vous fûtes ministre de François Mitterrand. Non, non. Secrétaire d'État. Non plus. Bon, allez-y. Ben non, j'ai été ministre de Lionel Jospin, bon, ça n'a rien à voir. En l'an 2000, François Mitterrand, c'est 1980. D'accord, ok. Vous êtes docteur d'État. Non. J'aurais bien voulu, je vous vieillissais un peu. Je vous vieillissais un peu. Non, mais ne rigolez pas, parce que vous savez où je veux en venir. Vous savez où je veux en venir. C'est qu'en 1981, François Mitterrand qui accède au pouvoir avec un programme de gauche, vous vous en souvenez, avec des nationalisations, avec des emplois publics, il se lance dans un programme économique de gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrête 2 ans plus tard. Parce que 2 ans plus tard, en 83, c'est le tournant de la rigueur. C'est le tournant de la rigueur, vous vous en souvenez. Il change de Premier ministre, il change de politique. Parce qu'en réalité, les socialistes s'aperçoivent que, dans le monde qui est le nôtre, la France va dans le mur. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, je vais vous poser une question globale sur votre programme. Parce que je vous demandais s'il était financé. Puis après, on rentrera dans les détails. Aujourd'hui, le pays, c'est 2 900 milliards de dettes. C'est un gouverneur de la Banque de France, qui est un type indépendant, qui critique plutôt d'ailleurs dans cette façon de faire le pouvoir actuel. Il dit « Attention, l'état des finances publiques est tellement dégradé dans notre pays qu'on ne peut plus ni faire de dépenses, ni baisser les impôts. » Ça veut dire qu'on est dans une situation budgétaire terrible. Il faut quand même le dire aux Français. Alors, ma première question, elle est très simple. Vous n'allez pas y répondre comme ça, mais comment est-ce que vous pouvez financer un programme aussi ambitieux pour le pays, qui est un vrai changement de société? Vous dites, par exemple, le sujet est sur la table. Pour les EHPAD, vrai sujet aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé avec un groupe privé. Vous dites, il faut créer 260 000 postes dans le secteur des soignants, des EHPAD. Vous vous souvenez? Au total. Non, mais d'accord, mais eh ben, 260 000 postes publics. Vous financez ça comment, Jean-Luc Mélenchon? Alors, d'abord, on va s'éviter les mauvaises blagues. Là, vous venez de totaliser la totalité des propositions d'embauche dans le secteur du soin. Pour ce qui concerne les EHPAD... c'est quand même 260 000 emplois publics. Oui, mais ce n'est pas les seuls d'ailleurs, il y en aura encore d'autres. Mais pour ce qui concerne les EHPAD, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas comme ça que nous résumons le problème. Nous sommes pour des structures non lucratives, c'est-à-dire créer des structures associatives, mutualistes. Oui, mais ça existe déjà, hein, qui ne font pas de profit. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on fasse du profit sur le grand âge. Voilà, déjà point numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous êtes d'accord? Il y a un secteur privé développé autour des EHPAD, oui, c'est juste. Un secteur privé... Non, mais là, vous n'avez pas répondu à ma question sur le financement global. Ne rentrez pas trop dans le détail, parce que Cyril Hanouna va me dire c'est trop long et tout ça. Moi, je ne suis pas dépêché. Vous me connaissez bien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur. 260 000. Je vais vous répondre sur les 260 000. Si on me le permet. Donc, déjà, on va mettre ça de côté un instant. Vous avez dit... ça n'est pas chiffré. Alors je veux vous rassurer, parce que je sais que vous êtes anxieux et ça vous empêche... Il n'est pas bien, oui. Non, mais c'est vrai, je comprends. Ça, vous l'avez dit. Non, mais laissez-le répondre, alors. Ah, ben alors... Non, ça coûte combien, et comment vous le financez? Donc, il y aura une soirée, comme on l'a fait pour le précédent contrat, pour le précédent programme en 2016-2017, qui sera entièrement consacrée au financement. Et vous verrez que nous savons où trouver l'argent qui finance la... totalité du programme. Et aujourd'hui, c'est le cas ou pas? La totalité, c'est le cas. Les 1 400 € minimum pour le SMIC, vous savez comment les financer aussi? Les 1 400 € pour le SMIC? Ah ben oui, c'est très facile, c'est à la production que ça se joue, cette affaire-là. Bon, alors, tout est financé, mais nous en ferons la démonstration. Donc, on ne fait pas tout en même temps. On attend un petit peu, on attend un petit peu. Après, vous avez pris une comparaison, mais tout docteur en droit international... Non, en économie. En économie internationale que vous êtes. Un détail vous aura échappé, je ne vous en veux pas. À cette heure, on peut oublier des détails. Mais en 1981, il y avait une monnaie nationale, le franc. Aujourd'hui, vous avez une monnaie européenne, l'euro. La monnaie européenne est assise sur la totalité de la masse monétaire en circulation dans l'Europe, édité par la Banque centrale européenne, correspondant... Laissez-le finir. Laissez-moi finir. Non, mais parce qu'il ne vous a pas échappé non plus qu'il y avait le franc en 81, et qu'est-ce qu'il est obligé de faire, François Mitterrand? Il est obligé de rétablir le contrôle d'échange, parce que tout le monde se tirait avec le franc. Voilà, il a tout compris. Donc, à l'époque, on avait une monnaie. Aujourd'hui, quelle est la situation? Aujourd'hui, le déficit du commerce extérieur de la France est tel que si nous revenions à la monnaie nationale, il faudrait la dévaluer de je ne sais pas combien de pourcents. Monsieur Revel, écoutez bien, regardez avec attention. Il y a un déficit gigantesque et il n'y a ni d'évaluation et il y a déjà des dettes partout. Et donc? Et le régime est libéral. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le déficit de la France est payé par la zone euro dans son ensemble. Nous n'avons donc plus à craindre sur ce plan-là. Mais, je suis d'accord pour dire, ah mais bien sûr monsieur, les Allemands ont fait des surprofits considérables. Bon, attendez, on ne va pas parler de macro parce que ça va... Bon. Alors, des questions concrètes. Je n'ai pas fini. Laissez-moi terminer. Vous avez posé une question très sérieuse. Vous avez fait peur à tout le monde. Le pays est au bord du gouffre, etc. Vous n'avez pas tort. S'il s'agit... Mais voyez, M. Revel, il suffit d'attendre 5 minutes. S'il s'agit d'avoir pour politique, ainsi que le banquier central français, on peut ni emprunter... ni développer les services publics, ni rien faire parce qu'il faut payer la dette. Non, mais peu importe. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Oui, parce que c'est ce qu'a dit le gouvernement de la Banque de France. Il a mis en garde le gouvernement actuel sur les dépenses. Je suis en train d'y répondre. Mais vous n'êtes pas obligé de faire l'avocat de tout le monde. Écoutez-moi, j'ai pris en compte cette difficulté. Et je dis, moi au moins je suis franc, il n'est pas possible de rembourser cette dette. Vous le comprenez? Personne ne la remboursera jamais. Ni en France, ni en Italie, ni en Espagne, ni au Portugal. Tout le monde va faire semblant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une dette arrive à terme, on réemprunte pour le montant de ce qu'on doit rembourser. Quand vous avez des taux négatifs, tout le monde se frappe les mains, c'est les autres qui payent, à votre bien. Un vrai problème. Et voilà. Mais non, n'embrouillez pas, s'il vous plaît. Éric Revel, j'aimerais qu'on finisse dans les choses. On va revenir sur des choses concrètes. Vous sommeillez sur votre banc, mais là... Je ne sommeillais pas. Ah bah oui, il est très alerte. Je sais bien. Alors, donc, puisque cette dette ne sera pas payée, puisqu'elle nous cloue les mains sur la table. On ne peut rien faire. On ne peut pas embaucher d'hospitaliers, pourtant il y en a besoin. On ne peut pas embaucher d'éducateurs, pourtant il y en a besoin. Non, non, on ne peut rien faire. On ne peut rien embaucher, on peut juste rembourser la dette. Je vais vous dire, Cyril Hanouna, dans l'histoire, c'est moi qui vous ai posé la question. Quels sont les moyens de rembourser les dettes? Premièrement, la rembourser. Impossible. Vous savez pourquoi? Il faudrait 250 ans si on avait tous les ans 10 milliards d'excédents dans le budget. 250 ans pour la rembourser, c'est impossible. Il faudrait 178 ans si on avait un taux de croissance de 1,5. C'est impossible. Par conséquent, ma position est de dire la dette publique de toutes les nations qui commercent en euros, et qui est aujourd'hui dans les coffres de la Banque centrale. Pardon, c'est un peu technique. Non, non, mais c'est important. Mais il faut expliquer les choses. Puisque ces titres de dette sont dans la caisse de la Banque centrale européenne, il n'y a aucune contrepartie, personne ne sera lésé. On prend le paquet des dettes, on met un ruban autour, on le met au frigo et on dit « on reviendra un jour ou l'autre, au zéro ». À qui ça va nuire? À personne. Sauf qu'on vous dit « ah, mais si vous commencez comme ça, ensuite vous allez continuer ». En effet, c'est bien ce que j'ai l'intention de demander. Non mais c'est vrai. Mais parce que je suis la France. Je ne suis pas la Grèce avec 2% de l'économie du continent. Je suis la France, la deuxième économie du continent. La troisième, c'est les Italiens. La quatrième, c'est les Espagnols. La richesse est produite au sud de l'Europe. Donc, la dette publique doit être mise en discussion entre les 27. Et il y en a assez que nous, Français, nous payons tous les ans 9 milliards de plus que ce que nous recevons de l'Union européenne, que nous payons le rabais d'un certain nombre de pays qui, eux, ne cotisent pas autant que nous. Il y en a assez. Et par conséquent, nous allons récupérer ces 9 milliards et quelques autres, et la dette va être mise en discussion. Monsieur Revel, mieux vaut une attitude raisonnable comme la mienne. Jean-Luc Mélenchon. Sinon, qu'est-ce qui reste? Écoutez, qu'est-ce qui reste? Si vous ne remboursez pas, il vous reste la guerre, l'hyperinflation et la banque rouge. Vous choisissez quoi? L'inflation, c'est reparti. Éric Revel, deux petites secondes. Juste, Jean-Luc Mélenchon, j'ai un crédit, on peut l'annuler aussi? Pourquoi pas, ça dépend. Merci. Ça dépend pourquoi. Non mais attendez, moi je vous réponds, vous êtes paysan, vous êtes endetté pour construire des cages à lapins, des cages à poules ou des cages à cochons, et moi je viens, je vous dis, voilà, moi Mélenchon président, les fermes-usines c'est terminé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais moi? Eh ben, vous avez une première solution, vous vous pendez. Il se pend un paysan tous les 2 jours, d'accord? Ou bien vous regardez froidement cette situation, parce que tout à l'heure, on aurait pu en parler aussi dans la police. On en est au 10e qui s'est suicidé depuis le début de l'année. Dans ce pays, il y a une vague de suicides qui montre que des milliers de gens sont en impasse. Bref, si vous venez que vous êtes ce paysan, et vous me dites, écoutez, je fais quoi? Moi, je me suis endetté à mort, parce qu'on m'a dit, le Crédit Agricole, il m'a dit de faire ça. Moi, je vous reprends votre dette. Je vous dis, monsieur, vous allez sans doute en contracter une autre pour élever autrement. La dette, je la reprends et je la mets dans une caisse de défaisance. Moi, je suis pour le réalisme. On ne raconte pas aux gens qui vont payer des dettes qu'ils ne paieront jamais. On ne raconte pas à la jeune génération, mes amis, on ne fera rien parce qu'il faut payer la dette. Par conséquent, si vous voulez être prof, non. Vous voulez être infirmier? Non. Vous voulez être toubis? Non plus. Rien, payez la dette. Eh bien moi, c'est pas mon projet de société. Alors, est-ce que c'est possible? Le banquier central, il raconte ce qu'il veut. Mais moi, je préfère des gens vivants et qui s'activent pour l'économie à des gens morts qui payent les dettes. Mais visiblement, est-ce que c'est possible? Visiblement, l'argument vous a touché, M. Mélenchon. Éric Revel, est-ce que c'est possible ce que dit Jean-Luc? Bah, moi, je vous dis, dites la vérité. Je pense réellement. Bah, je pense que réellement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire fi de la dette. Pourquoi? Parce que la France a besoin d'emprunter tout le temps, pour payer ses investissements, pour payer on est d'accord, les ajouts de sa dette. Bien. Mais si vous défiez les marchés, tout autant Jean-Luc Mélenchon, costaud, que vous êtes, décidé que vous êtes, ben vous savez ce qu'ils feront les marchés? Ils ne vous prêteront plus. Sans blague. Eh oui. Ça tombe bien, on ne lui demande rien. Mais si, parce que vous serez obligé de lui demander. Mais non, ne serait-ce que pour rembourser. Regardez déjà, vous êtes à côté de vos pompes. Mais non, mais vous savez bien, la dette dont je vous parle, monsieur Revel, la dette dont je vous parle, c'est pas celle qui est dans les caisses des banques, c'est pas celle qui est dans les actionnaires privés, c'est la dette qui est dans le coffre de la Banque centrale européenne. C'est elle qui a édité l'argent pour le racheter aux banques privées. Donc moi, j'annule un papier qui n'existe pas. Alors, maintenant, écoutez-moi. Les États-Unis d'Amérique, puissance communiste bien connue, proche de la Corée du Nord, de Cuba et du Venezuela, eux, ils ont décidé de s'endetter à peu près de l'équivalent de leur budget. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé des milliards de dollars. À cela, on ne leur demande rien. Pourquoi? Parce que c'est eux qui impriment la monnaie. Mais en Europe, C'est nous qui l'imprimons. Nous autres Français, nous représentons 18% des actionnaires de la Banque Centrale Européenne. C'est bon, Éric Revel, on doit terminer parce qu'on a Raquel Garrido. Ah oui, à ce heure-là, c'est dur. Ah oui, en plus, moi j'ai hâte de voir Raquel. Sur le pouvoir d'achat. Ah oui, il y a Raquel. Pardon, monsieur Revel. Si vous l'avez oublié, pas moi. Je vous rappelle qu'on l'a en garde partagée. Ce soir, on l'a pour la première fois tous les deux. Vous passez le SMIC à 1400 € net. Éric Revel, on ne vous a pas entendu là, parce que si vous parlez sur nous... Allez, allez-y. Je disais que vous vouliez augmenter le SMIC à 1400 € net. Oui. Est-ce que vous imaginez que des petites boîtes, vous en avez parlé tout à l'heure, des TPE ou des PME, ont la trésorerie suffisante pour payer des SMIC comme cela? Et puis vous savez que l'échelle des salaires, elle se déplace. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est à 1480 et que vous le passez à 1400, le SMIC, il va dire, et moi, il est augmenté. Mais non, mais il en a déjà parlé ça, Jean-Luc Mélenchon, lors de son... Non, mais déjà, vous avez commencé vous-même en disant, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Vous proposez une solution, la première chose que vous faites, c'est dire, c'est pas possible. C'est pas parce que vous constatez qu'il y a un problème. Je me rappelle un gars qui est venu, il dirige une boîte de nettoyage. Il a dit, ah si je fais ça, je vais fermer la boîte. Menteur, il y aura quelqu'un d'autre à 1400 parce qu'il augmentera pas de problème. Et l'usager paiera plus cher. Et l'usager qui paye plus cher, faut lui-même le payer mieux. Non, mais Éric Revel, est sûr. Le salaire, le SMIC qui sera 1400 € et les autres personnes qui vont demander plus, Jean-Luc Mélenchon, vous avez la même règle que lors de votre dernier, quand vous étiez candidat, vous avez dit on ne peut pas être dans une société avoir un salaire 20 fois plus important que le plus petit salaire. Donc là, c'est quoi le maximum? Ah ben, c'est la même chose. Moi, j'ai gardé le chiffre du syndicat européen. Honnêtement, moi, je ferais moins. Hein. Si c'était de moi qu'on me demande mon avis, je trouve que de 1 à 20, c'est un peu gratiné. Mais enfin, comme c'est la revendication de la Confédération européenne des syndicats, qui n'est pas peuplée de Cubains, de Vénézuéliens et de membres de la Corée du Nord, on peut penser que c'est des gens assez raisonnables pour l'avoir évalué. Oui, en effet. Parce que quand le patron décide de s'augmenter, comme ça a été le cas dans tout le CAC 40, mais il est obligé d'augmenter le balayeur qui paye avec un lance-pierre ou la pauvre dame qui vient du matin pour nettoyer. Mélenchon, vous voulez savoir pourquoi je vous ai traité de Sarkozy tout à l'heure peut-être, non? Vous voulez le savoir? Bah, je vais vous le dire. Hein, ça, c'est Sarko qui dit ça. Sur les 35 heures, vous voulez rendre du pouvoir d'achat, c'est la question. Vous dites les 4 premières heures au-dessus de 35 heures, c'est-à-dire à 39 heures, c'est 25% de plus. Oui, c'est pas beaucoup. Hein. Et après, c'est 50%. Ouais, 50%. Comme avant. Mais ça ne vous rappelle pas un slogan, ça, le travailler plus pour gagner plus? Alors, si c'est ça votre comparaison, il vous manque juste un tout petit truc. Ouais, c'est que M. Sarkozy a décidé qu'il ne paierait pas, que ceux qui avaient ces heures supplémentaires ne paieraient pas d'impôts, ni de cotisations sociales. Excusez-moi, mais enfin, ça fait une différence. Avec moi, tout le monde paye ses impôts, tout le monde paye les cotisations sociales. Voilà. Merci, Éric Revel, merci. Merci, monsieur Revel. Merci, monsieur Mélenchon. À la prochaine. On va passer pour la dédicace à Raquel Garrido, avocate, élue locale à Bagnolet, chroniqueuse, éditorialiste. Et vous mettez quoi là-dedans? Reine du brushing. Une amie. Parce que c'est une amie, vous le savez. Oui. Ah oui. Une amie très chère. Oui, mais moi aussi. Il va falloir qu'elle choisisse un jour. Hein. Elle passe, voilà, non, moi je lui permets toutes les amitiés. Oui, qui lui semble correspondre à ses sentiments. Non, mais elle a le droit. Mais ça tombe bien, je ne vous demande pas la permission à aucun des deux. Je sais. C'est là qu'on retrouve tout de suite notre Raquel. Ah merci Raquel. Non, mais il y a un truc, c'est l'insoumission. Ah il fallait inviter quelqu'un d'autre si vous voulez tomber sur quelqu'un qui dit rien. Je suis l'insoumise étalon. Le truc a été formé. Raquel Garrido, merci d'être là. Ce soir, vous voulez terminer l'émission avec vous parce que vous connaissez très bien Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez savoir? Pour les téléspectateurs, à 0h44, on est... 0h44, c'est pas ça qui était prévu. Hein. Non, là, je fais des heures sup. Hein. Alors, c'est pour moi, je vais voir ce que je peux faire. J'ai l'impression d'animer On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Alors, Raquel, on aimerait savoir qui est Jean-Luc Mélenchon. Pour vous. Ah ben moi aussi, j'aimerais bien. Tiens. Là, c'est une belle séquence. Écoutez... Bon, d'abord, Jean-Luc Mélenchon et moi, on a une relation qui vient de très loin. Hein. Moi, je fais partie de la très longue marche, puisque ça fait 30 ans qu'on milite ensemble. Donc, il faut se figurer qu'au départ, on était une quinzaine dans une pizzeria. Ouais. Quand on décide de faire des clubs politiques et finalement de construire ce courant et puis aussi cette candidature, parce qu'en définitive, c'est quand même venu assez vite l'idée que tu puisses être... candidat à la présidence de la République, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que quand on regarde sur ces 30 ans, je pense que les gens à la maison ont du mal à s'imaginer que ce petit groupe du départ arrive à faire en 2017 20% des voix aux élections. Et là, en 2022, je suis sûre que c'est la bonne. Vous pensez que c'est la bonne là? Oui, j'en suis sûre, j'en suis certaine. Bah, je trouve que Si c'est la bonne... Alors, Jean-Luc, j'ai une petite question. Est-ce que ce sera votre garde des Sceaux? Gardez les sceaux, je ne garde rien. Merci. Votre ministre de la Justice. C'est quand même mon métier, je suis avocate, j'ai certaines compétences en la matière, mais Jean-Luc le sait très bien que moi, j'ai toujours aspiré à m'occuper de l'Assemblée constituante. Elle veut aller à l'Assemblée constituante. Et elle a ça depuis le début, parce que c'est la personne qui a porté dans notre mouvement, depuis le plus longtemps, des fois un peu rabâchée, l'idée, et puis qui a aidé à la compléter, c'est-à-dire à la... Parce qu'au début, on disait Assemblée constituante, ça paraissait, bon, oui, quoi, on ne comprend pas, bon, tout le monde ne comprend pas. Et puis, elle a commencé à amener des choses, comme le référendum révocatoire, c'est-à-dire un élu dont vous n'êtes pas content, vous pouvez le virer, à condition, évidemment, de réunir un certain nombre de signatures, etc. Et dans son pays d'origine, il y a eu une élection constituante, donc elle et moi, on a été heureux comme c'est pas possible, parce qu'on réglait des comptes avec les pinochettistes, hein, et puis parce que le peuple chilien revenait à s'occuper de ses affaires, c'était magique. Bon, on a des passions communes, des passions politiques, mais des passions communes. Alors, Raquel. Oui, c'est d'ailleurs le fait qu'on soit... Alors, toi, tu n'es pas immigré au sens où tu es né français, et tu le disais tout à l'heure, mais tu es quand même arrivé... Voilà, sur ton bateau. Ouais, il est arrivé en France à 11 ans. J'avais 10 ans, 11 ans. J'allais avoir 11 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais un petit Français de Tanger, hein, qui parlait espagnol et un peu l'arabe. Je savais tout sur les pièges à oiseaux. Ça ne se fait pas, hein, mais à l'époque, on parlait que de ça. Et moi, j'avais 14 ans quand je suis arrivée en France. C'était en septembre 88. Et rapidement, j'ai commencé à militer dans les mouvements lycéens. Et ensuite, je suis arrivée à la fac et j'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon. Et je l'écoutais parler, notamment de la Déclaration des droits de l'homme, de l'histoire de la Révolution française, de la patrie républicaine des Français, qui était un vocabulaire que je trouvais très fort, qui me parlait beaucoup. Et moi, à cette époque-là, je pensais que tous les Français pensaient comme ça. Je pensais que ça ne pouvait pas exister un Français qui ne soit pas amoureux de la Révolution française, qui ne soit pas passionnément d'accord avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que moi, j'étais immigrée, je me disais, mais ces trucs, c'est génial ce qu'ils ont inventé, les Français. Mais moi, j'ai trop envie d'être dans ce groupe qui a inventé ça. Donc c'était trop facile et ça donnait envie d'être Français et d'aimer la France, et d'aimer les Français. Et ça, pour ça, je voudrais te dire merci. Ah, c'est gentil. Toi, tu ne m'avais pas dit que tu dirais une chose pareille. Alors, c'est vrai que j'étais un peu singulier, vous voyez, Cyril, parce que dans la gauche, et même la gauche très radicale, la patrie, laisse tomber. Hein. Alors moi, je disais à chaque fois, la patrie républicaine, ça voulait dire, c'est notre patrie aussi longtemps que c'est la République. Alors les jeunes gens à qui je m'adressais, suivant qu'ils étaient très teintés extrême gauche ou pas du tout, ils ouvraient des yeux comme ça. De même, quand on a ramené les drapeaux tricolores dans nos manifestations... le nombre de copains qui disaient « T'es sûr qu'on met ça ?» Parce que, bon, dans la gauche française, au contraire de la gauche dans le monde entier, hein, chanter la Marseillaise et le drapeau tricolore, c'était moyen. Alors, moi, non. Je pensais que c'est un chant révolutionnaire dans le monde entier. Et le drapeau bleu-blanc-rouge, pour moi, c'est d'abord ça. Alors, j'explique ça. Alors, il y a Raquel et d'autres. Hein. Ils arrivent, ils débarquent, ils sont tout jeunes, ils écoutent. Et puis, tu leur expliques « La patrie républicaine, la révolution, l'abolition des privilèges. » Et on voit que ça ne sert pas à rien de le faire. Parce que tu marques la vie de quelqu'un quand tu lui dis ça. Et il réfléchit à ses propres raisons, et après, bah, il aime la patrie républicaine. Et moi, je suis content, j'ai fait mon boulot. Alors, vous comprenez, même si je suis rugueux, j'ai fait mon boulot. Alors, c'est ce qui me frappe, parce que j'ai un peu réfléchi là, pour cette émission, de ce à quoi on allait parler. Oui, on m'a pas dit ce que tu allais dire. Et en fait, ce qui me frappe, justement, et ce que je trouve peut-être très audacieux, et peut-être un peu fou, mais à la fois très beau, c'est que quelqu'un avec mon parcours d'immigré, et ton parcours, qui n'est pas un parcours d'immigré, mais quand même t'es venu... déraciné, on va dire. Voilà, t'es déraciné, tout ça. On a un tel amour de ce qui fait ce peuple français qu'on va avoir l'audace d'imaginer qu'on peut changer de constitution. Qu'on va se souvenir qu'à la Révolution française, il y avait eu l'Assemblée constituante et qu'on avait décidé ensemble... Nous, les Français, qu'est-ce qu'on voulait comme règle fondamentale, comme grande liberté? Et je trouve que ça, c'est fou de réussir comme ça dans une génération, même pas une génération. Moi, je suis arrivée à 14 ans. Toi, tu arrives ici, dans la France continentale, à 11 ans. Et ça va se jouer à notre génération. Moi, je pense que le rôle historique, l'histoire qui se fabrique là, c'est pas juste gagner une élection. C'est changer l'histoire de ce pays par, justement, le passage à la 6e République. Raquel Garrido. Mais tu vois, Cyril, je voulais vous dire une chose. Pour qu'on comprenne bien, parce que bon, nous, on est des militants politiques, on a des fois tendance à parler dans notre jargon. Oui, non, mais des fois, là, c'est clair, comme elle vient de le dire. Je trouve ça très clair et c'est pour ça que c'est magique, sa manière. Ça fait un moment qu'elle explique les choses et qu'elle sait bien les expliquer. Mais le peuple français, il est mal, là, en ce moment. Ça va pas. Il a tellement changé. Entre le moment où on a fait la Constitution de 1958, c'était un pays rural, d'accord? C'est un pays urbain. Les femmes ne travaillaient pas à 80% d'entre elles, comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas presque 80% d'une classe d'âge au bac. Le niveau a monté, même si on râle, qu'on dit que c'est pas bien et tout ça. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir leur carnet de chèques. Il fallait qu'elles aient l'autorisation de leur mari. L'interruption volontaire de grossesse, on n'en parle pas. Même la contraception, ça a mis plus de temps chez nous qu'ailleurs. Le niveau moyen de formation et de salaire, bref, tout a changé. Et en même temps, alors les gens ont été précipités. Tout le monde est immigré dans ce pays. T'es en région Île-de-France, t'es un immigré corse, t'es un immigré de la Guadeloupe, t'es un immigré de la Martinique, tout le monde est déraciné. Bref, tout le monde est comme suspendu en l'air. Alors quand on va faire la Constitution, en fait, ce qu'on va refonder, c'est pas la Constitution, c'est le peuple lui-même qui va se refonder en disant quoi? Pas les devoirs, c'est des bêtises de parler comme ça. Le seul devoir que vous avez, Cyril Hanouna, comme tout le monde vous autres ici, c'est de respecter les droits des autres. En politique, le devoir, c'est une affaire privée. La morale, votre devoir de père, votre devoir de mère, votre devoir... Bref, vos devoirs, c'est de l'ordre du privé. Vous pouvez obéir à une religion dans vos devoirs. Dans la cité, c'est autre chose. Dans la cité, il y a des droits et ils sont indépendants de toute morale religieuse. Donc, les gens vont dire quels droits ils se reconnaissent. Et on aura fini de s'engueuler, comme on l'a fait tout à l'heure, en disant les musulmans ceci, les machins cela, les petits, les gros, les moyens. On va dire... Voici quels sont les droits que tout le monde devra respecter. Et parce qu'on l'aura défini ensemble, alors on les respectera tous. Vous savez, la puissance révolutionnaire, Cyril, il ne faut pas que ça vous fasse peur, ni à personne. Quand le peuple français, la première assemblée qu'ils font, il faut voir les gens que c'est, hein, ils n'ont qu'un seul truc en commun, ils sont anticléricaux. Tout le reste, il n'y en a pas deux qui pensent pareil. Ils s'engueulent du matin au soir. Et une nuit, il n'y avait pas les stars de la Révolution qui étaient là. Ceux qui étaient là décident qu'ils abolissent tous les privilèges. Les stars n'étaient pas là, Mirabeau n'était pas là, les autres ne sont pas venus. Ceux qui étaient là, c'était les Bretons, les gens du pays du Dauphiné, qui prennent la décision et qui disaient maintenant, allez, c'est fini. Plus aucun privilège, ni territorial, ni devant l'impôt. C'est ça qui va se passer si on arrive à convoquer une constituante. Vous allez d'abord vous réconcilier, vous allez refaire peuple en commun. Qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, c'est ça que je vous propose de faire. Et je ne vous dis même pas quel régime je préférerais moi. C'est vous qui allez le dire. C'est pour ça qu'elle veut être députée là-dedans, parce que ça l'intéresse. Vous êtes à la Constituante. Il y en a peut-être d'autres, là, non? Jean-Luc, dans ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais justement, même parmi ceux qui ne sont pas d'accord, par exemple, Éric Zemmour, tout à l'heure, il a parlé beaucoup de l'époque des rois. Il y a quand même, depuis 230 ans, et je l'ai découvert un peu avec le temps, qu'il y a un courant français qui n'est pas d'accord avec tout ça. Ben, ils ont le droit d'être à la Constituante. Ah ben oui. Ils viendront à la Constituante dire, bah, moi, je préfère qu'on fasse Louis XVIII et qu'il n'y ait plus de président. Mais ben, ils le diront. Oui. J'espère qu'ils seront minoritaires. Oui. Mais j'accepte cette idée. Je trouve ça formidable. Je trouve que dans cette époque où il y a tant de haine, en fait, cette constituante, c'est un acte d'amour. Ah, d'amour patriotique. D'amour, faut pas exagérer, le patriotisme, Raquel. Tu sais comme moi, le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Moi, je suis convaincue que la Constituante, c'est un acte d'amour envers les compatriotes. On dirait, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord pour faire ensemble des nouvelles libertés et des nouveaux droits. Jean-Luc Mélenchon, il nous reste 20 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que je peux dire? Bah oui, pour finir. Une des filles de Raquel, qui était toute petite, le jour de mes 50 ans, elle et les autres, ils m'ont offert un drapeau bleu-blanc-rouge. Mais alors, pam, un drapeau, tu vois, 7 mètres de long. Ah ouais? Ouais, on est comme ça chez... Ah ouais. Et on a posé cette petite personne sur ce grand drapeau et on était tous avec les larmes aux yeux. Voilà, vive la République. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci Raquel Garrido, merci à vous tous d'avoir été là ce soir, merci d'avoir suivi Face à l'avant en direct.